Eh bien bonjour à tous, c'est Alex Benito en compagnie de Jax. Ouais Ah mais t'es en forme. Bah ça va, ouais. Le Pikachu <laughs> Et tac Ils ont tous les toutes les rêves. Salut, salut, fume bordel Ah Attends. flingue là, là. Attendez, 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 je suis pas je suis pas... Non, je suis à la bourre. Ah moi je l'ai pas aujourd'hui. Moi aujourd'hui, je suis pas prêt pour faire le Et tac ». Genre, on pas le pouvoir. Je vais pas dire mais Red Bull c'est de la merde, ça le fait pas. Ah ben si, moi j'arrive à le faire bien. Mais ben ben moi ça marche pas, c'est trop mou. Oh. <laughs> c'est dégueulasse. Ouais. ouais ouais, ça passe hein. Ouais, mais tu vois la Monster c'est plus Ah, c'est c'est un peu plus euh, tac. Ça fait vraiment tac. Ah bah bon, le clair, ils en ont pas aussi. Plein bordel. Salut les gars, salut Willy, John, Musica, Will, Florimon, il y a Marco, il y a Jérôme. peut mieux faire ça, Bobby. Discret, Zazzer. Non, non, Lewis. Les euh, favoris sont là pour suivre cette aventure. En Sicile, le derby de l'éléphant. Et salut José. <laughs> <Derby rire> que tu as rêvé de l'éléphant C'est ça qu'il faut se dire. Euh, pas vraiment Est-ce que t'as rêvé du derby Pas vraiment Ah Non, non euh, Ça va être beaucoup de matchs aujourd'hui Puisque bah, nos équipes sont prêtes Les mercatos sont fermés euh, Donc on va Plutôt euh, enchaîner Pas impossible Qu'on finisse sur un derby Je sais pas si on, a la... si on a Le rythme pour aller jusqu'au derby 1, 2, 3, 6, 9 matchs. 9 matchs En vrai Je pense que si. Ouais. Il si n'y a, a rien qui se met entre, entre tout ça. Ça pourrait le faire. Donc, euh, mini récapitulatif pour les retardataires. Un point classement. Un point classement. 3 euh, victoires en nul pour moi. Donc, euh, ça fait 8 points. Vous allez vous dire, mais attends, il y a un petit souci dans les comptes. Mais j'avais moins 2 à la base. Donc, normalement, je serais à 10. Égalité avec la faute qui Yo, faut Jojo. Parce qu'il y a beaucoup de matchs en retard. On Comment tu vas Casertana, qui est 5ème avec que deux matchs joués. Toi, il t'en manque un aussi. Oui. Il t'en manque un aussi. Donc, euh, potentiellement, tu peux monter à 8 comme euh, le groupe de tête. C'est ça, c'est ça. Wow. Voilà un petit peu ce qui, euh, ce qui a né en ce début plutôt bon, on va dire. Après, on n'a peut-être pas affronté les plus gros. Ah si <rire> Ah <rire> si <rire> 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 Moi, mon <laughs> match sur le code chez eux, il vaut une victoire. Ouais, ouais, ouais. Légalisation d'Andrea Silippo à la 92e <laughs> minute. <laughs> le Firpo. Superbe but d'ailleurs. Magnifique but, un des plus beaux buts. Euh, petit réca récapitulatif. Euh, bah, ça va bien, Joe, Parce que bah, le dernier arrivé n'a pas pu jouer encore. On va le découvrir aujourd'hui. Aïe aïe aïe, le petit Daniel. Bah. Donc, pris le de Ferrari, Cortinovis. Oui. Qui a l'air de faire de très bons débuts. C'est plutôt correct. Andreas Youngdal. Il a une apparition, il l'a fait jouer. Oui, parce que Ferrari était blessé. Andrea Carboni, le défenseur de Cagliari, 19 ans. Très très bon. Et donc Daniel Maldini, qui est parti bronzer en Sicile. C'est ça, à la dernière seconde. Le petit Daniel. Lui qui n'était pas donc, prévu. Donc euh, bah, c'est zéro match pour l'instant sous le maillot de Palerme, mais euh, ça ne saurait tarder. L'ancien joueur du Red Star. Bah, ils reviennent quand d'ailleurs de leur sélection ça la question. Le 10... What Le 15-10 15 octobre Oui, 15 octobre. Il va louper les deux prochains matchs. Ouais. Oh, salut PIN, salut les gars et donc de mon côté, euh, à peu près le même nombre de euh, transferts. Le premier, il était déjà au club, euh, c'est le gardien Confente. Ah oui, oui, le, le match contre Nicolas Barry Minier était énorme. Donc là, ça reste euh, plutôt pas mal. Hein. C'est propre. C'est plutôt propre. J'avais envie de changer ça. De de c'est pas étape de carrière, c'est stade carrière. voilà. On va voir ça là-haut. Euh, Arménie, Diego Capel, bon ben là c'est juste, euh, juste pour le kiff, il a deux apparitions. Martin Palombo là, la Carl euh, de Walking Dead, il euh, faut pas l'emmerder. Mmh. Salut ross. Et le dernier arrivé en date, euh, c'est Alejandro Marquez qui a marqué pour sa première apparition prêtée par euh, la Juventus. Euh, alors qu'il appartenait à Barcelone, il a été acheté quand même 8 millions par la Juve Il a ensuite prêté. C'est vrai. Donc ça reste quand même très correct aussi pour, le, pour de la série C italienne. Voilà, on a fait le tour. On va enchaîner. Maldini, le prodige. Le prodige. Le fils prodige. Salut, Alex. Merci pour ton follow. Bah Aujourd'hui, c'est objectif euh, Ligue des Champions, je pense. <laughs> ah, moi, j'aimerais jamais mettre fin à cette série de deux matchs nuls. Là. Ouais, ouais, tu peux en faire un autre. Hein. C'est pas nécessaire. Hein. Les petits arrangements Barça-Juve, on connaît. Ouais, c'est ça. La blessure de Clayton. L'orteil touché pour Claytus Oh, Claytus Il n'a pas pété à table, Claytus C'est ça en plus. Il se suit dessus en plus, je crois. Moi. Il n'a pas des caisses du futur, non Je sais plus. Enfin, il... Moi, j'ai ce... Simone Desmarco. Ça, faut le prendre, ça. Ok, Simone. Lequel recrutera Salut, Simone et Zaza. Mmh. Lequel recrutera en premier Simone et Zaza. En vrai, Berthopalotsky, ça aurait été plutôt euh, plutôt très fort. Zaza qui a joué à Palerme. <laughs> euh, Ou je dis des conneries. Non, je dis des conneries. Il a joué. Il a, il a connu aucun de nos clubs à nous. Il a fait Atalanta, Sampdoria, Juvestabia, Ascoli, Sassolo, Juventus, Torino. Ça va Oui, mais c'est pas parce que c'est une chef qu'il a forcément joué dans des clubs comme ça. Hein. Il a quand même connu pas mal de clubs en Italie, c'est ça que je voulais dire. Oui. Oui, oui, on peut voir les choses comme ça. Franchement, le Zaza, il ferait grave le taf en série C. Je pense que son salaire, il fait aussi grave le taf en série C. C'est 215 000 euros par mois. Vache. La totalité de, de mon budget salarial, ce n'est même pas son salaire. En fait. Je lui ajoute tous mes salaires. Je ne sais pas trop à quel endroit tu peux le voir. Je crois que tu peux le voir dans les dépenses salaires. Euh, salaire joueur, non? Salaire de joueur. Le mois de, ce mois-ci. On est à 53 000 euros, mais on est au début du mois. Euh, mois dernier, 218 000 euros. 218 000 euros et, et Bezaza, c'est ce, ce qui coûte à lui tout seul. Coûte cher. Palermo Avellino et Catania Cavezé. Son nom est Palermo Avellino. <laughs> Il se fait détruire par les amis ouais ouais j'aime bien qu'il soit bon hein, genre. alors moi ça joue avec piccolo qui est vraiment <laughs> plutôt très fort le piccolo piccolo a installé l'application euh, derrière on va jouer armé armini je peux pas hein, ça c'est Armini, c'est international. Palumbo, voilà le, le truc, c'est que dès qu'il dès qu y a des internationaux, euh, c'est pas pour autant qu'on a une trêve, donc il faut s'adapter. Ça a comme blessure, tant qu'il prend pas six mois pour la jetouille, c'est sûr. Non, Monsieur, c'est sûr. Donc avec Silvestri, défenseur central, Tomaso Silvestri, Santoro au gardien, le mieux terrain, Isco Mazzarini, euh, là c'est pas mal. Vicente derrière. À moins que je mette Jacopo d'Aloglio. C'est quoi leur, leur différence Le Jacopo. Avantage d'Aloglio sur la technique, avantage euh, gros avantage Vicente sur le mental. Bon, on va jouer comme ça. Le Mazo Madame, pourquoi je n'avais pas de budget transfert avec Braga Je viens de voir 40 millions de dettes. Bravo, ça mmh. Ça, c'est un truc qu'il ne faut pas hésiter à regarder. C'est la première chose quand tu vas voir tes finances ne regarde pas le solde. Il faut juste aller voir les dettes et emprunts. Parce que tu as des clubs qui ont emprunté. J'ai trouvé, c'était quel club Je crois que Lens, ils ont pris jusqu'en 2042 dans le jeu. <laughs> Lens Ouais. Ah, je... je crois que c'est eux. Parce que j'avais fait, euh, bah, fait euh, une petite historique de, de certains clubs. Et j'aime bien aller fouiller dans les finances. Et tu vois qu'il y a certains clubs euh, bah, qui sont endettés pour plusieurs saisons. C'est triste. Ouais, je trouve aussi. Le jeu jo de C'est c'est Joss -Jos qui avait sorti la touille, non Je sais plus, oui, c'était la touille, Je pense mais... que ça lit, hein. Content de vous retrouver pour le derby, merci beaucoup. Les finances sont dans le rouge, <laughs> c'est clair. Bah, le derby il arrivera euh, en fin d'après-midi, je pense. Par contre, je te confirme par rapport aux autres championnats qu'on a fait qu'il y a vraiment très très peu de buts dans ce championnat. C'est un truc de malade. Ça vaut dominer ou quoi Il euh, n'y a pas de gros score. À part toi, le 3-3 tout à l'heure. Mais euh, c'est ouf. Salut, Gélaref. Euh, ouais, ouais, non, mais c'est sûr. J'ai l'impression qu'il n'y a vraiment pas de gros score. Hein. Bah, moi, j'ai l'impression que dans ces 11 premières minutes, je me fais ouvrir. mais enfin, Moi, je domine de fou, mais bon. On va faire rentrer Marquez. Avellino nous bouscule. On n'est pas rentré dans le match. C'est pas une mauvaise équipe en vrai, hein, Avellino. Et Barry qui perd 3-0 hein, contre oh, Viterbez. <laughs> Je pense pas que ça se prononce comme ça, par Est-ce que le favori du championnat euh, serait en proie en doute En doute de quoi Je viens de faire rentrer Alejandro Marquez à la surface non, le La favori multi. du championnat, pas le premier. Ah. Et l'ouverture du score d'Andrea Salanetti Alors, est-ce que Modo en jaune pourrait mettre le lien multi-twitch C'est Marco qui demande. Alors, après, vous savez, les gens, il y a une fonction qui s'appelle mettre en favori. C'est vrai. Donc, Marco, je te conseille à chaque fois que tu cliques sur ce lien de le mettre en favori. Enregistrez-le. Bon, ben regarde mes stats. Euh, voilà, on a des xG qui, qui montent, euh, on dirait, euh, le pic de Dante, et on fait 0-0. À la mi-temps Ah non, c'est fini. Ah d'accord. <laughs> il s'est <laughs> absolument rien passé du match. Et je me suis jamais autant ennuyé, je crois. Est-ce que Jackie va obtenir ses pénaltys dans le même match Alors, non. Ça, c'est déjà un bon point, c'est il que... n'y a pas tellement de pénaltys, j'ai l'impression. C'est vrai. Parce qu'avant, c'est vrai qu'avant, il y avait une petite des fois il y avait une petite touchette dans la surface, c'était pénalty. Bon là c'est Assez oh, euh... Là ça va, ça a l'air équilibré. Les niveaux de blessure ont l'air équilibrés. Franchement, je. En tout cas, pour un début de carrière, je ne vois pas d'aberration comme on a pu avoir dans la bêta. C'est sûr. Il n'y a pas de corruption à l'italienne. Le problème de la corruption, c'est que ça a endetté tellement de clubs. On en parlait hier. <laughs> C'est bien beau hein, de, de faire un peu de corruption, mais au euh, bout d'un moment, euh, quand tu vois euh, certains grands clubs être liquidés euh, parce que les fédérations euh, sont en train de surveiller ça aussi, quand tu oh, prends moins de points parce que tu pas de finances, euh, bon voilà, tu vois, bon, euh... ouais, ça n'hésite pas à mettre le petit coup de bambou. Quand tu as, euh, as mis toutes tes finances dans la corruption et qu'à la fin, on te tape sur les doigts, on te dit moins de points. Bon bah. Non, la corruption, euh, c'était à, à, à la grande époque. Ça n'existe plus, là. Eh bien, moi, j'ai qu'un mot à dire, c'est poussif. Alors, <laughs> tu gagnes. Au moins, tu gagnes. Hein. Ah bah oui, mais mec, on a tous fait... On, a, on tire beaucoup, mais de chaque côté. Hein. Mais il y a un tir cadré pour moi et deux pour Avelino. <laughs> Pourtant, j'ai un XG à, à presque deux. Ouais. Alors que j'en ai cadré qu'un. Ouais, j'ai du mal à trouver une, une composition qui, qui marque. Pourtant, euh, normalement, ça devrait être le cas. Bon, je vous annonce l'entrée du roti. Le roti, par contre, je peux plus rentrer dans ton match une fois que j'ai fini le mien. Ça, c'est un peu embêtant pour les carrières. Oh putain, le coup franc du milieu de terrain. Allez, bah tiens. Tu l'as pris? Mais oui! <laughs> Mais à chaque fois, mec, couffre en milieu de terrain, ça trouve un mec dans el la surface. El golazo de Giuseppe Pella. Il va falloir faire un entraînement, les mecs, parce que là, ça va pas. Hein. La Pella. La paella. Ah non, c'est Fella, pardon. Salut. Ult C'est, à mon avis. Ça, c'est du pseudo pour Katane, ça. Les ouais. ultras de Catane On va perdre, hein. On va encore faire match nul, hein. C'est incroyable. Si ça commence à parler italien dans le chat, les gars, j'aurais besoin d'aide. Ça, ça commence à être incroyable quand même. Ça... Non, mais voilà, hein, on est On est juste des petits clubs qui vont faire milieu de tableau. Hein. Normalement, dimanche soir, j'ai la ref. Demain soir. J'allais dire normalement dimanche soir dans téléfoot. Dimanche soir dans téléfoot avec Denis. Salut à tous pour les finances de Lance, Il s'agit d'un bail qui permet au club d'être propriétaire du stade qui normalement appartient à la mairie. Ben voilà, merci oh Sophie. Le poteau d'Avelino. Il s'appelle Avelino, pas Vivino. Et il marque un but à la dernière minute. Mec, j'ai l'impression que c'est des matchs où je ne se passe rien en fait. C Alors le classement en direct oh. est bugué. Hein. Voilà. Oh. oh, le rôti. Le rôti. D'accord. On va attendre la fin de la journée. Allez Almissi, Almissi, les centres pour le Rotti Golasson de Rotti Nicolas Rotti Floriano qui lui explose la tête Et ça rentre Luc. Oui ça fait, ça fait pas deux fois que tu marques à la 92 Si. T'as été inspiré par la UV toi <laughs> Alors, comment t'expliquer ce but C'est Floriano qui, qui met une praline et ça rebondit sur Rotti et ça trompe le gardien. Ouais, ouais, non, mais euh, j'ai vu j'ai vu ton ralenti. Oui, on est franco-sicilien. Ben merci beaucoup de suivre cette carrière. Je pense qu'il va te plaire. Du coup, il m'a cassé les oreilles. <laughs> oh, bah ben ça va gueuler. Et puis, attendez, il n'y a pas le petit Daniel qui est arrivé là. Mec, 80. Ah ouais, pff, oh là là, j'avais pas, pas prévu ça comme ça. Yo je on, va... On va se remettre euh, tous les deux en tête, je pense, puisque Foggia a fait 0-0 et que Barry a pris 4-0 dans les carreaux. <rire> <rire> du coup, est-ce qu'on peut se dire quand même que est-ce que le grand favori du championnat n'est pas un peu surcoté? Est-ce que Barry euh, bon Ah run run Barry euh... <laughs> Barry c'est fini. On attend les buts de Daniel. Bon oh bah alors là Katan en tête Devant Foggia Et Palerme Les aventures De l'exil Enfin le classement Veut absolument rien dire Tellement qu'il y a, tout Il y a monde Beaucoup a... De trop d'écarts quoi Tout le monde n'a pas Les mêmes journées et tout Ouais 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 Il y a beaucoup d'écarts Et donc, on a encore un match et je me déplace à la Juve Stabia qui était, pour moi parmi les, qui était pourtant parmi les favoris du championnat et qui se retrouve 15e. Le petit Daniel, c'était sûr en fait. C'était sûr, Daniel Maldini. Il sera là dans toutes les carrières. Hein. Oh oui. Non, ah mais c'est bien parce qu'il y, une... y a une ligne directrice. En plus, tu l'avais promis. Une fois que c'est promis, c'est promis. Hein. Tu ne peux pas revenir en arrière. Donner, c'est donner. Prendre c'est voler. Arrête. Marquer la 92, c'est voler. Waouh, <laughs> <rien> du tout. <laughs> Par contre, il faudra m'expliquer pourquoi euh, aux entraînements, on apprend du titre. Du tiki-taka vertical alors qu'on ne joue pas. Moi, je ne veux pas jouer comme ça. Hum. C'est. Non. Là, on fait tellement de matchs que finalement, tu t'entraînes le vendredi et encore pas beaucoup. Et tu t'entraînes lundi-mardi. Bah, nous, on va faire un entraînement assez, assez violent à la finition, hein, du coup. On va faire un entraînement de, de conversion d'occasion voilà. convertir les occasions avec de la finition pourvu qu'il fasse la même carrière qu'au Red Star. Ça, on verra. C'est pas sûr. <laughs> C'est clairement pas sûr. On charge un peu, on charge. J'avoue qu'en Red Star, tu l'as mené vraiment haut. Peut-être trop haut même. Alors, il va y avoir des matchs en retard. Euh, ça va être déséquilibré jusqu'à la fin. Ça ne ça sera pas rééquilibré avant la fin. Étant donné qu'on est 19 équipes et qu'il y a une équipe qui a été dissoute, c'est. J'ai oublié le nom déjà. Euh, Pro peut-être, on m'avait dit. Placenza. Ici, notre équipe... Ouais. Non, c'est... La, euh, La 20e qui a sauté. C'est euh, le club qui est à côté de chez nous. C'est Trapani. Trapani. Trapani, ouais. Trapani. Trapani qui a sauté. Donc euh, forcément, bah, quand t'es 19 équipes pour faire un calendrier équilibré, c'est compliqué. Euh, donc, euh, bah, y a, y a chaque, euh, à chaque fois, il y a une équipe qui ne joue pas. Par contre, on en parle que c'est toujours ta gueule de con que j'ai. Ouais, j'ai vu. J'ai vu ça. Le casse Milani, euh, il est bien modélisé, euh, je trouve. <laughs> ça casse les Casse-toi que ta gueule de con. Au passe Placenza, c'était l'année dernière. Ok. Euh... Et l'équipe a sauté car elle n'avait pas assez de joueurs à aligner. C'est si je dis bien ça, non Non, elle a été dissoute. Non, elle a été dissoute, dissoute. Elle a été dissoute et Beh... Voilà, il y a des équipes en Italie qui, qui ont été dissoutes. Il y en a certaines qui ont réussi à se relever, mais d'autres, ben, ça prendra du temps. Le temps de reformer une instruction, de, ref, de reprendre des joueurs, de se reinscrire. Il peut y avoir 2-3 ans, euh, ans à blanc. Elle n'a pas sauté sur FM, hein, c'est IRL. Oui, c'est IRL euh, elle a C'est euh, je pense que le jeu par défaut ne remettra pas une vingtième équipe. Ce qui est un peu dommage d'ailleurs. Ah, peut-être que si. Peut-être que si. Peut-être que l'année prochaine, ils vont... Euh, Quelqu'un de série D qui montera et qui, qui comblera, comblera ça. Oui, je Ça peut moi. être cool. Ouais. Ça, ça, serait, ça serait logique. Bon, après, qu'il y en ait 19 ou 20... Hein. Ah oui, il y a beaucoup d'équipes qui ont été dissoutes, et Palerme en fait partie. Hein. Après, Palerme, c'est une plus grosse structure, donc pour se reformer, ça a été plus simple. Ah, mais il est chez moi, les gros tagliers Ah non, c'est juste un adjoint au chômage. <laughs> Prends, mec. Le chôme du... Ouais bah. Je ne suis pas sûr que c'est dans mon intérêt de rejoindre un club comme Katan. Alors qu'il a été formé chez nous, mais c'est mal fait ça. Je suis déçu qu'il n'y ait pas un Nicolis qui ait est... Qui est voulu continuer. Non, il ne fait pas de staff. Euh, vidéo. Ça, aurait été, ça aurait été énorme, tu le ramènes J'ai quand même hâte de voir les jeunes pousses et d'avoir un Taribello qui sort. Tu ne suis pas à l'abri qu'il y, y a un gamin qui soit renommé Giacomo Taribello. Ah. <laughs> S'il a à peu près la même gueule. Antonelli qui déboule à Palerme. Ouais, pareil, moi j'étais à 6K, j'ai trouvé ça un peu cher. Et tous les deux en déplacement, toi ça sera au Teramo. Oui. Et moi ça sera euh, la Società Sportiva Juve Stabia. Il est pas en Tol, Micoli Oh, J'en je crois... ai aucune idée. Non, je crois pas. Je pense pas. C'est la tolle. Ça pourrait être très drôle, mais non, je pense pas. Très drôle, carrément. Bah ouais, quand même. Si. Moi, ça me ferait rire. Laisse-moi juger comme ça, hein, s'il te plaît. Ce serait plutôt logique en vrai. Ah, il a une tête de tolard, oui, il a une tête de mafieux. Bon, ça. Voilà quoi. Ah ben bah là le, le Scoozy, euh, il a pas dit Tu hein. T'as pas dit Scoozie! Hey Ils sont plus racistes. Salut l'éléphant, on va te les mettre dans le cou. <laughs> Un raciste ça. Tu vois l'éléphant, on va le peindre en rose. Et ça trompe, c'est ma bite. <laughs> ah si, il est en... Il est en Salut prison. Gim Gim. Il va sortir en 2021 de prison. Bon, ben voilà. Merci ben okay, bon... en tout cas pour les <laughs> infos locales. <laughs> ok, c'est un, un tolard. Condamné 3 ans et demi. What the. Quoi oh, Vache Salut, coach Sherwan Donc attends, 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 attends t'es en train de m'expliquer qu'il y a un mec en prison et qui peut envoyer des tweets Bon, après, tu dirais, c'est. Ouais, bon, après, c'est. Ça... Après, c'est peut-être euh, une, une prison. Euh... Il a peut-être des passe-droits parce qu'il est un peu connu, tu vois, ouais, mais. Ok. Pourquoi Donc, euh... tu l'as tu l'as trouvé sur euh... bah, J'ai vu qu'il répondait à des trucs sur Instagram en fait. Ah ouais. Et pourquoi il est en prison Pour quelle Attends ah oui. Alors. Mon Dieu. C'est l'enquête. On ah. en, en, enquête pour vous en live Alors l'ancien capitaine palermitain était suspecté d'avoir depuis deux ans d'avoir soutiré 20 000 euros à un ancien. Psy psychothérapeute de l'US Palerme, au profit de Moro Lurucela, le fils du parrain de la mafia Salvatore. » Ah oui, d'accord. Ouais, ouais, ouais. « L'attaquant de 38 ans a nié les faits et a assuré qu'il ne, connaissait... qu ne connaissait pas les liens de Lorisella avec la mafia, ce qui n'a pas suffi à l'innocenter aux yeux de la justice italienne. Miccoli est très triste car il se sait innocent, c'est pourquoi nous décidons de faire appel. Oh » oh. Il a là. fait de la merde tout à... <laughs> Miccoli a été qualifié de joueur chaleureux et familial par le président de l'époque Adrian Delia. C'est un des avantages de se montrer humble Il n'agit pas... pas comme une prima donna et rend l'équipe plus soudée A noter que ce fameux Adrian Delia a également été accusé d'être lié à un trafic de prostituées à Londres cette année Oh bah il se passe des belles choses à Palerme dis donc En 2010 il achète 25 000 euros lors d'une vente aux enchères les boucles d'oreilles confisquées par le fisc italien ayant appartenu à Diego Maradona <laughs> What the fuck Mon dieu, il se passe des trucs, c'est... <laughs> ce mec, c'est... C'est une fraude à lui tout seul, quoi. Après, ah, on va se cacher, il a une tête de mafieux. Hein. Il s'attaque à la mafia, ce corps. <laughs> Les enquêtes de Benito et Jackie mais oui. Oh Les meilleurs enquêteurs. Ben ouais, il fallait voir sur Little Hope, hein, on était à fond. Hein. Oui. Attention mais non! T'as pris un but? Le poteau de Roti! Il a l'air pas mal, hein? La Sissi, c'est un délire. A Palerme, c'est sympa, je vais envoyer mon CV, on va bien s'amuser là-bas. Et pour l'instant, la Juve Stabia qui domine. Katan en difficulté là. Oh, ça doit être une praline là-dedans! Faut mettre une praline, la frappe! Le grand ballon. Contrôle de marque. Oh là là, le corner. Si, si Maldini retourne à Milan, il va finir en prison. Oh bah son père va pas le reconnaître. Hein. Le petit Daniel, là, il va revenir avec des tattoos et tout. Non. Maldini Ça, ce serait pas très grave. Il en a déjà un. Il, euh... il a loupé. Piccolo, qui tire au milieu. Pourquoi c'est pas Marques qui tire, sérieux Allez, Mazzarani, c'est le temps fort de katane on va chercher Marques oh, Le rôti, ça doit être dedans, ça, bordel Mais t'es des frappes, pas des trucs de poussin. Piccolo, faut se faire pardonner Marques Mazzarani avec Pico Quel zéro LE BUT DE RÔTI Salut, ce Wow. Bah ouais, C'est des pseudos hein. d'un côté, Jax, de l'autre, Zboob. Hein Mais pourquoi ai il aime le Zboob Je sens que je vais pas gagner. Je vais ouais. refaire un 0-0 ou que je vais pas gagner. Bah moi, pour l'instant, le, le poulet rôti nous sauve. Bah, si j'ai pas Palumbo, je suis cuit. <laughs> C'est une, une, vision très réductrice de ton équipe. Et non, parce qu'on a Alejandro Marques sur une passe d'Eros Pellegrini. D'Eros Ramazzotti. Eros, c'est monstrueux. Goal! 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 Non. Mais mon gardien, mais nul! <laughs> mais il plonge avant qu'il frappe! La Terstegen! Mais non, mais c'est pas possible! Mec, il a plongé avant qu'il frappe! Merci pour le follow, les gars! Bon, hier, il est sorti de la surface avant qu'il frappe! L'instant, hein. <laughs> <laughs> j'ai mon gardien qui m'en doit deux! Hein. Oh, bon, Piccolo! Et c'est Pellegrini qui va pouvoir centrer, Mazzarini! Il score le but Mariano Isco pour le deuxième c'est magnifique c'est lui le Ryuji Matsuka quelle frappe allez Cortinovis 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 Cortino j'espérais la est passe est-ce que là c'est -ce pas Cortino Davis ah si <laughs> j'espérais au moins qu'il on le retire le coup de Kralus sur le corner. Il est bien cuit. Ah bah là il a, il est rôti à point. Oh l'arrêt du gardien monstrueux. Et je vais faire entrer les super nana milieu de terrain. Nana Welbeck. <laughs> <laughs> Nana Welbeck. Et je crois que le pire c'est qu'offensivement c'est peut-être mon match le plus complet depuis le début. Ah nous on est pas mal offensivement là on s'est bien réveillé parce que Pinto qui monte, Pinto, El Centro. Il va finir au fond de la Méditerranée le gardien <laughs> c'est sûr. Il va être euh, les pieds dans du béton et puis salut hein. Comme ça que ça se passe à Palerme. Ah ben non mais c'est pas un gardien c'est c'est une passoire c'est. Ah, c'est la Ferrari du début de saison, il hein, n'y a pas de soucis. Hein. Bah, c'est accessoirement le garde du corps euh, du président. Euh, oui, oui, bah, Il va faire des parties de poker. Chez nous, il garde pas grand-chose, hein, je peux te dire que. <laughs> Yo, oui C'est Dani Salut les gars. Silvestri. Bon, ben bah, là, c'est Tabia bien, hein, qui coule à moins que la réaction avec un Ndiaye, Un ré l'arrêt de confenter. Mais pourquoi il. <laughs> oh bien, Nana. <laughs> le silipo, le coup franc du silipo. <laughs> Peut plus. Ouais, là on a fait un match euh, très 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 complet. Donc on fait rentrer Kalapai. Euh, le triplé de Roti à la 92 ème Ah non, il hors-jeu. Bah j'ai. Il hors-jeu. Il hors-jeu. Hors de qui Et Khalifa Mané. Oh non merde. Attends, non, mais non, mais ça c'est ça c'est la VAR sur le but de Salah, ça c'est la VAR sur le but de l'autre, là, c'est pas possible. Il y a le bras, qui dépasse. <laughs> Et eh bah, ben, le but du bro. Jérémy Bro à il, y la... combien, hein hein il y a combien Hein eh, Il y a combien Il y a trois. Ah oui À la 92e. <laughs> bah, ah, t'as remarqué la 92e Oui. Quel escroc Non, mais après, il y avait le Fergie Time. Bah, là, il y a le Milani Time. C'est à 92e. Il euh, y a un but, quoi. tu vois bah, J'ai pris un but. De la Stabia. Et c'est fini On l'attend, on l'attend le, le petit Daniel. Euh... Ah ben, Marco, il n'y a pas besoin de regarder Liverpool pour savoir euh, ce hors-jeu, mec. <laughs> non, j'ai juste vu que ça gueulait euh, sur Twitter euh, le hors-jeu de Salah qui est presque... Enfin, qui est inexistant, quoi. Bah oui. Genre, il y a un petit orteil qui dépasse hors-jeu à un moment donné. Euh... Est-ce que je vais me faire niquer à l'italienne, moi aussi 94, hein. il y a 2-1 pour moi. Transversal pour la Stabia. C'est pas fini. Oh là là. On s'en sort. Corner pour la Stabia. 94, 20 secondes. Oh là là. Ouais, c'est moi qui les prends, les buts à la 92. Allez, ça y est, on a gagné 2-1. Hein. C'est poussif. Mais on a ultra dominé. Hein. Voilà. Hein. On a un xG à 2,82. Alors comme on dirait dans ce pays, va fan cool. Ok. La Foggia qui, qui s'accroche. Et Nicolas Rotti, euh, plutôt le génie. Cinquième but en série, en série C. Meilleur, le meilleur buteur. But série, ouais. Il y a Lebrou Le Bro aussi. Euh, Manuel Maras, <laughs> il y a Jeremy Bro il y a Palumbo. Je pense qu'il va y avoir une bataille entre Valente et, et Félix. Là où je trouve que c'est pas rassurant, c'est que je regarde les stats moyennes. une notre moyenne, c'est. <laughs> je crois que c'est notre défenseur qui sont premiers. Bah Tonucci, c'est mon def. Bah Marconi et Soma, c'est mes def. Bah non, mais c'est ça. Hein. Ah on est bien via... en Italie, y a pas de soucis. Non, mais c'est sûr, il n'y a pas beaucoup de buts. Je l'ai remarqué direct. Il y a vraiment très très peu de buts. J'ai vu qu'en faute commise, j'étais premier. Ah! J'ai fait 100 fautes en 6 journées. What? T'es à 64. Oh la vache! Ah ouais, mec, waouh! Ah, c'est agressif, hein? Ah, c'est un beau ratio, 100 fautes en 6 matchs. C'est le rouge! Ah, le retour des internationaux? Par contre, en vrai, mec, c'est oufissime le rythme d'enchaînement de, jeu... de match. On joue tout le temps. Genre, jusqu'au 24, il n'y a pas de pause. C'est incroyable, le rythme. Et moi, je rejoue le 28, hein. Là Là, je fais 17, 21, 24, 28, 31. Ah, moi, je fais 17, 21, 24, 20, 31. En gros, je joue mercredi et samedi non-stop. Jusqu'au 18 novembre, 21 novembre, où j'ai une pause de samedi à samedi, du 21 au 28. Et après, en décembre, je joue que les samedis. C'est pire qu'avec des Champions, mec. Et pareil, janvier, février, mars, avril, c'est que je joue que les samedis. Et on fait très peu de matchs finalement. Enfin, tu m'étonnes, oui, tu, tu me dis ça, parce qu'il y a des barrages qui vont faire euh, 16 matchs. <laughs> Comme quoi les joueurs faut les joueurs pro, euh, PSG, tout ça, c'est des, des chouchotes, hein. Non, après, vais... enfin, l'année suivante, janvier, février, mars, avril, on va faire que 4 matchs par mois, tu vois. Oui, mais je veux dire, voilà. Mais il y aura des gros barrages là, donc ça fait des saisons qui sont très longues. Ça se plaint qu'il a que des champions et tout, qu'il n'y a pas de repos, mais voilà, quoi. Enfin, il y a un moment... Nous, nos charbons depuis le début, ça. Merde hein euh, ouais. J'ai fait beaucoup de fautes, mais est-ce que j'ai fait beaucoup de cartons C'est ça qu'il faut se dire. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de cartons Stats C'est où qu'on voit ça? Général, peut-être. Ouais, J'ai pas tant de cartons que ça, hein. J'aime bien, c'est quand même, on me dit, est-ce que vous ne mettez pas en péril le club en recrutant Tonelli, le mec a, Je l'ai signé pour juste la saison là, tu vois, c'est un gros péril. Hein. Ouais, c'est pour ça que je ne l'ai pas recruté, moi. Je pense que... Moins de points la saison prochaine. Hein. <laughs> L'équipe de Catane favorite face à Monopoly. <laughs> est-ce que tu vas passer à la rue de la paix eh la monopoli Les polypockets Ah, j'ai un de mes recruteurs qui s'est barré Le recruteur rage. qui se casse Bon, on va prendre lui, hein. Ah, je crois qu'il est cher, lui, avec ses lunettes Payer les montures et tout Un peu cher, lui on va prendre Francesco Filucci, le filou. Non mais genre, t'es si cher, le filou, là. Attends, mais Monopoly, c'est... C'est 4 buts marqués pour deux encaissés en 5 matchs <laughs> hein C'est-à-dire qu'ils ont chaque fois gagné leur match à 0 Ah, mais je te dit hein. <laughs> Oh, c'est dur! Oh, c'est dur quand même de se dire que. ah oh, C'est vrai qu'en a... qu dessous de 3 clubs, enfin de nous et de Barry, c'est moins de 10 buts. Et le Virtus n'a toujours pas marqué depuis le début de saison. Le Virtus. Ah oui! Ils sont en 4 matchs, 3 nuls, une défaite, mais ils n'ont pas marqué une fois. C'est incroyable. Comment ils demandent aussi cher? Je peux pas augmenter mon, mon salaire. Augmenter le salaire des recruteurs là C'est incroyable pour le coup. Ça, j'achète Offre rejetée. On va vraiment me retrouver avec un staff de merde en fait. C'est ça qui sent. Ah, mais. Le petit Daniel est là, ça y est, le voilà. Ça va être la grande première. Bah non, parce qu'il revient quand même un peu fatigué du de la sélection, donc non, pas vraiment. Mais qui rentre, oui, ça c'est possible. Bah, bah, bien. Et Bar Bobby. Bah, bah, Par contre, je retrouve Carboni, ça c'est une bonne nouvelle. Ouais. ouais, ouais, Carboni. Puis je pense que je vais mettre Youngdol dans les buts hein, parce que il a l'air moins mauvais que le que la Ferrari. Hein. Quoique... Est-ce qu'on s'en battrait pas les couilles avec le petit Daniel Voilà. Est-ce qu'on ne lui dirait pas, tu joues Bah t'étouffe pas Bah Bobby... Un point. Qu'est-ce qu'il nous fait, Bobby Benito, ils... tous. Ouais. Non C'est ça, le bord de l'eau J'ai pas l'habitude aussi. Non, non. Non, j'ai remis la Ferrari, je crois. Non, c'est bon, je suis peur. Euh, moi, je récupère des joueurs. Moi, bon, j'ai l'impression qu'en Italie, ça joue le même schéma de, de chaque équipe. Ah, mais c'est ça, quoi. C'est ça, c'est ça. donc. Euh... J'ai l'impression que c'est quand même assez limité tactiquement dans ce championnat. <laughs> je joue avec Nana Welbeck. Isco Palombo qui revient. Arménie titulaire. Ça me fait mal, c'est que, ma... que ma défense qui est à plus de 7 en haute moyenne, quoi. <laughs> c'est ma, dé... ma défense qui a plus de 7 en haute moyenne et mon... et mon attaquant. Le reste c'est en dessous. Ça c'est triste quand même. Par bah, contre, je vérifie bien. Euh, mes tireurs de pénalty. Ah ouais, non, c'est Piccolo qui a 15 et il a loupé un pénalty avec un 15 de pénalty. Bon, bah, mais compo, euh, compo très propre. Hein, qui va, là, c'est l'équipe type qui arrive pour essayer de battre Monopoly avec le retour de Nicolas, euh, Nicolo, pardon, Armini. En défense, on a Tonucci, on a Eros Pellegrini, Pinto, Mariano Isco, Nana Welbeck, Antonio Piccoli, Martin Palumbo, Michele Emon, Emoso et Alejandro Marquez. On assiste à un gros match pour l'instant. Jouer ça. Oh là, il est parfait. Il est parfait, l'ouverture du score d'Antonio Piccolo. Ça joue euh, le coup franc un petit peu loupé à la base, mais là, il est tout seul à l'entrée de la surface. <laughs> on se fait chier. On se fait chier. Est-ce que c'est pas ce qu'on va dire à toutes les journées en Italie J'espère que les derbys seront beaux au moins. Mec, coup franc du petit Daniel, ça tape la barre. Aïe, aïe, aïe J'ai failli gueuler. Hein. Daniel Maldini, pour son premier match à Palerme, toute l'Italie se met en pause. On en parle déjà dans la Gazeta de Sport. L'ouverture du score de Nicolas Rontu Dans le temps additionnel de la première période. Attention à la contre-attaque de Monopoly Attention à la casse-prison. Oh, joli Comment ça c'est refusé Tu peux pas siffler plus tôt Allez c'est. Oh, Y'a rien là, y a rien. C'est du Liverpool tiers. Bon, ben euh, on domine, hein. on le sait. hein, Voilà le, le, le seul entraîneur qui a les couilles de sortir en 4-2-3-1 en Italie. C'est Benito. Euh, je joue en 4-2-3-1. Tu vas te calmer. Hein. Non, mais tout le monde, tout le monde joue à 5-3-2. 5, 5 3, 2, là. Oh là là, passe ça, Zinedine. Passe ça, Zinedine. Doublé Antonio Piccolo! T'as pris un but? Non, non, mais j'ai eu peur. Moi j'y ai cru. Hein. Sinon, Maldini à 6-8, euh, ouais. Pas ouf. Non, 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 c'est. Mais tout offensi... c'est offensivement, alors on n'est pas ouf du tout. La, La fatigue physique est présente. Qu'est-ce qu'il fait gardien J'ai pris un but, j'ai pas compris. C'est là, C'est euh, pas comme toi là, mais c'est une sortie hasardeuse. Non mais je pense que là on va avoir des gardiens, mon gars, ça va être le. Il vient, il reste au point de pénalty et il bouge pas. Il dit, attends, ben ouais. Je sens que ça vient Je sens que et, ça vient que Quand tu fais un 180, c'est le gardien qui se met au cul rouge, tu vois. Il, il met le cul en avant et vas-y, allume-moi. Putain, le cul rouge. Qu'est-ce que j'aime pas, ces ballons en retrait comme ça là au c'est un coup. Oh là là, mais oui, mais non, mais qu'est-ce qu'on vous apprend, jouer, jouer court. Je vous dis de jouer court, vous mettez des gros ballons devant. Ben, oui gardien va finir à la Égalisation. <laughs> ah non, il y a hors jeu, il y a hors jeu, il y a hors jeu. Alors je sais pas hors jeu de mais... y mais hors jeu. Il a hors -jeu. Ah oui, ah oui. Eh oui. Le gardien, on le met dans la fontaine de l'éléphant. Hein. Il se fait pisser dessus. Hein. Ben c'est poussif. Hein. C'est gagné, mais alors c'est poussif. Hein. Là, on sent que le physique, mec, il est pas là. Hein. La défense, 7-2. Ah ouais <laughs> la défense... Non, est mais la deux. défense est monstrueuse à chaque fois. Antonucci, hein. il est à 7.1. Armini, il est à 7 .3. Le cul rouge allumé par Nana. Alors ça... Ah, est-ce que tu vas le ah, fameux coup franc euh, ouais, de terrain t inditionnel, t inditionnel. Ils ont fait qu'un tiers, euh, qu tiers cadré du match, ils l'ont mis au fond. Hein. Attention, ça va. Ah, le centurion Parce que moi, tu vois, il, il est là, il est là pour son coup franc, il le met dans la boîte, ça rentre. Ça va être récupéré par Palumbo Palumbo! Come on Il n'y a plus qu'à centrer, le couvert il est dressé Le couvert est dressé c'est de Fusco, ben non. <laughs> c'est moi qui marque là. Alors que Barry qui tombe à Terre Nana dans le temps additionnel. Ouais Barry c'est fini. Euh, J'ai déjà regardé la série B italienne, ça joue vraiment comme ça. Dégueulasse, en faute, ça perd du temps, ça défend à 11. Bon, ben bah, voilà. Ah, mais division inférieure en Italie, c'est pas du beau jeu. Hein. Bah, la Serie A, il y a pas si longtemps que ça s'est un peu débridé. Hein. Oui, oui. Mais il y a dix ans en arrière, la Serie A, c'était pareil. Il y a beaucoup, beaucoup. Les matchs étaient entrecoupés euh, de beaucoup de fautes. Hein. Bon, mais bah, je suis bien content d'avoir gagné parce que c'était encore un match piège, cette connerie. Et toi aussi. hein? Ah, oui, moi j'ai gagné parce que y a un coup de génie, encore une fois, du, du rôti. Hein. Mais Nicolas Rotti! Mais sinon, on mérite rien. Je pense que le, le 15 de finition, il... après, c'est prêté par Torino, hein, donc il euh, y a quand même de la qualité. Ouais, mais je veux dire, c'est un mec, euh, Bah, je pense qu'en dehors de la série C, il ne fera rien. Quoi. Ouais, tu penses? Parce que là, il est au bout de son potentiel presque. Hein. Mais bon, tant qu'il met des points. Hein. Vous n'avez pas connu la série A des années 90-2000? Ah ouais, t'as pas connu, Jax. Contre toi, t'es plutôt euh, championnat allemand, à la base. C'est vrai. C'est vrai que je n'ai pas, euh, en... pas connu le milieu de terrain du Milan où tu avais Pirlo, Kaka, euh, Ambrosini, Ugatuso. Euh, Sidorf aussi. Non, c'est vrai, c'est vrai. Je, je vais être coupable avec Shevchenko. Euh... Ah non, mais oui, il y avait des attaquants monstrueux. Euh, c'est pas ce qu'on dit, c'est que les, les matchs étaient quand même, en termes d'arbitrage, ultra durs à, à arbitrer et, et vraiment coupés de beaucoup de ce qu'on appelle des fautes tactiques. Mais c'est des fautes à l'italienne en fait. Plutôt d'être qualité c'est oui, c'est sûr. Bah, je pense qu'on est pas trop mal. Hein. Je pense qu'on est plutôt propre. Sachant que tu as un match en retard, euh, voilà. GG, hein. franchement, c'était pas gagné d'avance. Là, bah, techniquement, c'est Casertana qui est en tête. Hein. Si Mec, bien, je joue là. Barry. <laughs> Alors peut-être. Ah bah je joue Virtus... Je euh... joue ceux qui marquent pas depuis le début de saison Ah si ils en ont mis deux, ça y est Ils se sont débridés oh, Le mais Virtus flancavilla Mec Virtus c'est défaite en ouverture 0-1 Enfin 1-0 contre Monopoly, après ça fait 0-0, 0-0, 0-0, 2-2 Ça c'est un match à la con ça ah oui. Ça, c'est un match à la con, ça. Ils ont jamais gagné, mais ils ont pas beaucoup perdu non plus, quoi. Ouais, c'est pour ça. Ça, c'est un match à la con, ça. C'est un coup à. Ça, c'est. Il y a matière à choke, tu vois. Salut, euh, Maurice. Ouh, les ligaments du genou. Pour Khalifa Manet. Aïe 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 aïe. Mané, mané, mané. Où est mané? Bon, en tout cas, après le 24, on aura droit à une petite semaine de pause. Et moi j'ai l'arrivée de Pierre Luigi Digia au poste de recruteur. J'ai pas vu, mais il y a Lucas Moura qui a signé au Real Madrid. Moura Oui. Et Florian Thauvin ouais. est à Naples. Peut-être euh, comme en vrai. Terrible. Et Souzou est revenu à Milan. Mmh. Non, c'est pas vrai. Ce sera en vrai, ça. Enzo Monte Le frère de Jean-Louis mancé Et oui Automoto dun, 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 dun. Bon ben j'affronte l'équipe euh, la plus connue du championnat Par contre, en vrai, ça me fait, ça me fait relativiser sur mon 3-3, parce que je me dis qu'ils sont en train de se faire un peu taper par tout le monde, là. Et j'ai fait 3-3 contre eux, quoi. Est-ce que j'étais si mauvais que ça Par contre, en vrai, quand tu regardes Barry, c'est 15 buts marqués, mais 14, ok, c'est... C'est ça le truc. C'est peut-être... Je sais pas, j'ai plus je sais plus comment ils jouaient eux. Ça se trouve, ils jouent peut-être pas comme les autres. Ils essayent de, de pratiquer un petit peu du football aussi. Parce qu'ils ont leur joueur prêté là qui vaut une couille là. et. Ouais, pas ouf. Oh, yeah. Pomme Poire. Et est du Ah, pas. Bah. Holy shit! Euh, Antonelli, t'as pu l'enregistrer, toi, ou pas? Oui. Oui, il a joué. J'ai pris un mec libre et j'arrive pas à l'enregistrer. Bah, que tu... bah si. Donc il faut que j'en ai... Tu vois, j'ai que 23 sur 25. Peut-être que tu en as 20 joueurs après. Bah hein. je suis à 23 sur 25. À 23 sur 25 donc logiquement euh, mais il en fait la case est grisée bah moi il était grisé j'ai mis sélection automatique ça l'a compté hein. ouais ah ouais sélection auto ça le met mais j'ai pas envie que ça fasse sauter quelqu'un en fait je vérifie euh, lui c'est bon lui c'est bon lui c'est bon lui les U20 c'est bon euh, lui il est listé donc on s'en fout palombo c'est bon tout le monde là c'est bon Vriki c'est bon euh, Armini c'est bon ouais je pense que c'est bon Oh, C'est moi qui fais la tuile. Oula, il n'est pas très fort, lui. Euh, Barry, Barry, Barry. Barry, euh, ça joue bien euh, en compo à l'italienne. Hein. Ça joue bien, ok. Trois centraux, deux latéraux, deux milieux, deux ailiers, un attaquant. Watché par euh, Gaetano Oteri. Gaetano était à Palerme. Ouais, 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 Attends, que je ne fasse pas de conneries parce que j'ai là qui est plutôt offensive. Mais on va le jouer avec Senla qui est assez def. Palumbo Isco, ça va être solide. Hein. Je ne vais pas revenir Claitus de suite. Là, on va être assez direct. Allez, virer. Bon ben écoutez, on va essayer de, de battre le favori du championnat avec cette, euh, cette équipe en 4-3-3. Il est un petit peu plus méfiante que, que ma tactique en, en 4-2-3-1. Parce qu'on est avant tout à l'extérieur, donc il faut se méfier. Good luck, merci les gars, merci. Les paris sont pris. Je rappelle que, que Jax avec Palerme a fait 3-3 contre Barry. Donc n'hésitez pas à donner vos pronostics. Je sais pas ce que je fais, mais je le fais, mec. Les tactique shit, what the. Ah, ouais, tu mets tout le monde en def, en fait. Mais mec, à chaque, ouais. chaque fois qu'il y a un indirect lointain, je prends un but. Et à un moment, je mets le mur devant le but. Hein. Ça, il m'a recompu. C'est vrai que c'est un truc que je modifie pas trop et, euh... et que je devrais faire. Bon, 3 -1 ça... pour Katan, 3-2 pour Katan, 4-5, 2-1 pour Barry. Ah, ouais, vous êtes complètement malade, les gars. <laughs> 5-5-0-0, non mais là c'est team et team. Recart en rouge dans deux en fin de match, mais c'est quoi ces scénarios? C'est quoi ces scénarios? Un petit 2-2, euh, <laughs> un match de rugby, un match de tennis déjà pour commencer. Et Le premier carton jaune, il est pour Paris. c'est Lolo. Prends le carton. Attention. Avec Citro. Ça mal, je le sens mal. On s'en sort bien. Il se passe rien. Il ne se passe rien. But de Manuel Maras, un des meilleurs buteurs de Paris. Il ne se passe rien. Est-ce que ma première défaite arriverait ici 2-0 Aïe 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 Ah ouais Ah oui, 2-0 pour Paris. Oh merde. C'est la boucherie. On va sortir le 4-2-4 de en deuxième mi-temps. On a fait 0 tir, 0 cadré en une mi-temps. What the hell? Allez, on prend la deuxième tactique. Avec l'entrée de Reginaldo à l'attaque. J'ai l'impression que mon milieu de terrain n'a aucun impact. C'est la bouteille d'eau Oh très bon ballon Très bon ballon L'ouverture du score de Nicolas Rotti Ah je me suis fait <laughs> Ah, j'ai une patate dans la chaise. <laughs> Ça fait pas du bien. 3-0 pour Barry. Ah. Je okay. J'ai pas perdu jusque là mais la celle que je vais prendre, elle va faire très mal. C'est injouable. 4-0 <laughs> Waouh. Ouais. Ouais, j'ai peut-être pas été. J'ai peut-être pas été si mauvais en fait. Ah bah là, le rôti. Alors, ah, met un pour l'honneur, Alejandro Marquez... Les ailiers sont nuls, en fait. Oh, le bro Pour le 2-0 bah, Les milieux sont nuls. Casse pas tout. Bah ouais, mais bon, il y a de quoi être énervé, quand même. Bah non. Bah Bobby Euh, on tente un truc, on, on tente un truc, mais là marqué trois buts alors que j'ai fait un tir, un cadré, un but. Non, on est dominé, hein. On n'existe pas. C'était chez eux ou chez toi Chez eux Ch Chez eux. Ah. ah. je suis zéro. Ah le, le coup de mou on l'a maintenant, quoi. Le match, euh, le match sans euh, il arrive maintenant. C'est dommage. Mais euh, c'est mérité. C'est mérité, tous les joueurs sont passés à côté. Victor de Barry, 4-1. Oh. Ouais, ça fait mal. Là. On a remis les pieds sur terre. Ça ne fait pas plaisir. Allez, centre. Centre. Centre Centre Mais ça c'est quoi Oh lui, lui il jarte. Hein. C'était vert, lui il part, il repart dans son pays, hein, je vous le dis. <laughs> je croyais qu'il était bon. On oh, bah canuté, mec, je te le dis, il se barre. Hein. J'en peut plus. Mec, il a qu'à centré. D'où il a 7 Il fait rien S'il si est bien noté, c'est qu'il est bon. Hein. Il a qu'à centré, il la met dans le défenseur avant Il a 3 secondes Trois secondes de l'épi, culé va. Bon, on a gagné, mais merde. Ouais, il vaut mieux maintenant que la dernière journée, c'est sûr, c'est sûr. Mais là, il y a une grosse revanche après. Après, voilà, c'est l'enchaînement des matchs. C'est ultra serré, n'empêche. Ah, mais j'ai mis Marco titulaire aussi. Je pense c'est ça le problème. Si mon des Marco euh, pour sa grande première, il n'a pas été ouf. Bah, il a été accueilli. Hein. Salut, Choucri. Bon, ça va, ça va. Là, j'ai pris une défaite, donc ça va un petit peu moins bien. Il va falloir euh, relancer un petit peu la machine. Et on va jouer Avellino. Son nom est Marcelino Avinino. Par contre c'est quand même ouf qu'ils jouent tous la même tactique. Hein. Je... Ouais. Soit c'est Sport Interactif qui ne connaît absolument rien. Au championnat italien. Parce que j'ai quand même des gros doutes sur le fait qu'ils jouent tous. En 3-5-2, enfin, qu quoi. Parce que 3-5-2, c'était un moment, une. C'était un peu la spécialité dernièrement de la. Enfin, de la Juve, quand c'était compté, tu vois, c'était un peu. Il y avait presque que avec eux que ça marchait vraiment. Mais là, c'est vraiment généralisé l'Italie, quoi. Ils se sont dit, on va mettre. On va mettre tout le monde pareil. Tu vas regarder comment joue Palerme actuellement. Je vois quand même pas tous les clubs jouer comme ça quoi. C'est le rouge pour le Marco. Ah, je suis sur un truc, euh, un style de jeu assez simple en vrai. Hein. sur quelque chose qui... Casse pas trois canards à une patte, mais bon, on lance rapide. Ça a l'air d'être un 4-3-3 à Palerme. Ça a l'air d'être un 4-3-3 à Palerme. Enfin, c'est surprenant, c'est qu'ils font jouer deux attaquants, trois attaquants en même temps. Ouais. Nouveau match. Tellement... <coughs> bah, t'es sûr. Hein? Merci. Nana Welbeck. Ouais, ouais, c'est fort, Nana Welbeck. C'est quand même rare pour être souligné, c'est que j'ai quand même pratiquement euh, même mon banc, euh, pratiquement tout le monde a joué quoi. J'ai pas euh... ah mais obligé, t'es obligé de faire tourner autant en fait. T'es vraiment obligé de faire beaucoup tourner. Ah c'est marrant ça. Pour ma tactique, tu sais, a été influencé par Luke Antonelli. Ah ouais? Ouais, ce qu'il a dit que cette approche tactique correspond à notre statut de favori. Du coup, j'ai deux joueurs qui ont été influencés par son avis. C'est énorme. Le recrutement, le recrutement. Après, à bon, est-ce si tu fais le taf. Euh... Dans le staff. Tiens, après, voilà. Un petit billet, t'es là sous le banc, tu, tu chauffes un peu le, les, les vestiaires. Du enfin... coup, Marco, euh, t'es au K10 ça sera une à deux fois par semaine. Demain soir. La prochaine. Est-ce que Luca Antonelli ne serait pas un petit peu notre pépé Reina à nous, tu vois mmh. bah, Il joue, lui, en bref. Oui. Là, il autant de mais non, mais le petit Daniel, vous ne voulez pas lui offrir. Hein. Alors, ce qui serait beau, c'est que Daniel marque zéro but de la saison. Parce que là, que ce soit le coup franc direct qui tape la barre ou que le... Que le beaucoup coup franc sous le cranus et que ça tape la barre, c'est un peu chiant quoi. Parce que moi à une époque j'ai eu la Kishna, <laughs> on pourrait avoir la, la Danielle. J'arrête la carrière. <laughs> moi quand j'ai eu la Kishna et la Mathias à réseau. Euh... On va en prendre un. On va en prendre un. Passe pas loin ça. Passe pas loin ça. Ah. <laughs> Allez les gars, allez, allez mon petit, allez mon, mais non, mais c'est encore la barre, mais c'est pas possible, Daniel. mais c'est pas possible, Il offre un caviar à Carboni, ça tape encore la barre, mais c'est pas possible, non c'est pas possible, je refuse de le croire ce qui se passe. Daniel est comment par rapport, c'est juste pour la vanne. Non affaire. non il est bon hein. il est ultra bon. <laughs> non 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 non, là j'ai mon joueur qui est taclé dans le vide, on se croirait en club pro. <laughs> Bon, bah, j'ai pas l'ombo euh, sorti sur cidière. J'ai peur. Ah. J'ai très peur. Peut-être. Vu que là que je aussi. Ouais. Ah, mais là je c'est magnifique. C'est le genre de truc que tu, peux, que tu te dis, mais ça ne peut pas arriver, c'est pas possible. Avec nos, euh, voilà. Et l'ouverture du score de Nicolas Valente Deuxième tir cadré du match et but d'Avelino sur coup de pied arrêté. Ah non mais les mecs, il euh, y a un problème là. Là on a un gros souci. <laughs> Qu'est-ce qu'il se passe oh, <laughs> oh, le gardien <laughs> Oh, c'est magnifique C'est quoi, cette boulette Moi, j'ai jamais ça. Par contre, je à dire encore une fois que le, le petit Daniel fait un caviar en rôti, ça tape le poteau. Je pense qu'on ne veut pas lui offrir de passe d Je pense. Ah Cortinovis Sortie surcilière Oh, ils vont se retrouver les deux, là, à l'infirmerie. Ah ça allez, les gars, la contre-attaque, la contre-attaque, il y a du monde devant, voilà. Ah, ça serait terrible. Allez, 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 ah, Elles ne seront pas toutes, je pense. Il n'y aura pas toutes les rediffs. Je verrai encore. Je ne je, je sais pas. Ah, ça solo qui est en train de se faire ouvrir par l'Inter. Bon mais je pense que c'est la deuxième défaite consécutive, là c'est pas bon. C'est pas bon du tout, on fait 15 oh On a fait avoir un cello rouge. Hein. C'est la mauvaise passe Encore une fois, on se fait défoncer pour rien. T'as perdu officiellement là Ouais, c'est fini. Aïe 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 Deux défaites consécutives, c'était pas arrivé depuis 1950. Bon, je pense que t'as pas besoin d'aller si loin. <laughs> oh là là, Nicolas Valente qui a pris un petit coup On va le sortir par précaution Mais ça sent peut-être pas bon J'ai plus peur pour les blessés. Ouais. Ah si Cortinovis si il passe à la trappe, je pleure. Tout mon système passe sur lui. Porto Et merci Hugues pour le, pour le follow. Hugues. Hugues. Ouais, un hug. Ah, Marco, tu es quand même tombé dans le panneau assez vite. Hein. Je me suis dit, il eh bien un connard qui va dire ça y est, c'est la crise d'émission. Ben, c'est toi. Sur 100 viewers, c'est toi. <laughs> Deux défaites, c'est une crise. Mais arrêtez-vous là, s'il vous plaît. Ok, j'ai perdu. Euh, deux fois d'affilée. Bah, Barry, c'est l'équipe euh, favorite. Et là, bah, c'est une victoire contre le cours du jeu. Ça va arriver. Oh, je suis à Catane les gars. Hein. Je euh, ne vais pas être invaincu de la saison. C'est impossible. Hein. Andrea Sidipo. Je crois qu'il s'est pas marqué en dehors de la Il marqué qu'en dehors de la ah, surface, okay. lui. Je vais demander les conseils à, à Coach Rudy, je pense. Coach Rudy. <laughs> <rire> <rire> mais tout le monde a eu au moins deux défaites d'affilée dans sa vie. Euh... Arrêtez vos conneries. Et Barry, qui se prend 3-1. Moi, alors, en vrai, je m'en fous de perdre. Je suis plus inquiété par la blessure de Palumbo que par la défaite. La défaite, je m'en fous. Moi, mon but, c'est dans les barrages. Je dois, je dois être top 10, les gars. Je finis cinquième, ça me va. Ouh, et Antonelli, qui a tué quatre pigeons. Traite un journaliste de connard en conférence de presse. Ouais, 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 ouais. Bah c'est ça. Hein. Et c'est fini. victoire 3-0. La conférence de presse en Italie, euh, ça rigole pas. Hein. Ça gueule. Hein. Merci Let's Know pour le ton follow. Ce qui est assez ouf, c'est que Barry t'éclate et que derrière ça tombe quoi. Ah, c'est pas régulier. Palumbo, 3-4 semaines. Et si c'était Casertana, la... La surprise La grosse surprise. Ouais. C'est vrai, ils sont prévus combien, eux Mais ça a tout changé, mec. Les, les, les médias, ils ont, ils ont changé leur veste. T'étais prévu deuxième Ouais, mais j'ai recruté Antonelli en plus, donc ça a peut-être changé grâce enfin, à ça, ça, mais bon oui. Casertana, prévu huitième. Qu Est-ce qu'on doit juger là-dessus Je tiens quand même à dire que sur la prévision des médias, on, peut, on va essayer de faire le classement sur la prévision des médias. Donc, ok, moi j'étais prévu deuxième. Je suis premier. Casertana était prévu huitième. Foggia était prévu neuf. Bon, Ternana et toi, vous étiez prévu trois et quatre. Donc, on va dire que c'est à, à peu près correct. Moi, en vrai, au début, j'étais loin avant de recruter. Hein. Oui, bah pareil, hein. j'étais euh, 8 je crois. Turis, prévu 17ème, qui est 6 mmh. Non, mais il n'y a aucune logique. Après, tu as Barry, bon premier. Avelino, qui était prévu 5, ils sont 8. Et après, tu as tout le reste. C'est. Je sais pas. Genre, Cantanzaro, c'était prévu 7, ils sont 15. Juve Stabia, c'était 6, ils sont 17. Comme quoi, ne jamais se fier à la prévision des médias. De toute façon, les médias, c'est des connards. Voilà. Ouais. En vrai euh, monter tous les deux Dès la première année c'est très très loin D'être un objectif Franchement euh, s'il y en a un ou deux qui arrivent, Il faudra considérer ça comme un exploit 14 jours pour Cortinavis. Il ça faudra va. considérer ça comme un exploit euh, Là c'est juste barrage minimum Et en vrai on était prévu 7 et 8 Là on a remonté un petit peu la pente euh, On est dans le haut du tableau Et c'était pas forcément attendu du coup, il a pris combien cool. ton 3-4 semaines. Ah, ça pique un peu quand même. Ça pique un peu. Ça aurait pu être plus grave. Ouais. Ouais, moi je prends encore pour deux semaines. Ben non, je fais redescendre la pression, mais c'est la vérité. De quoi j'ai pas la suivi vérité. Que j'ai dit, s'il y en a un de nous deux qui monte, ça sera un exploit. Il ne faut pas croire que si on monte, ouais, ben bravo les gars, c'est normal, on s'en bat la race. Non, on monte, c'est un putain d'exploit. Avant, avant le, le début du mercato, avant qu'on ait fait un mercato assez, assez beau, il faut le reconnaître, on a fait un mercato assez agressif, on était prévu 7 et 8. On n'est pas du tout les favoris de cette compétition. Donc après, euh, oui, là, les résultats font que on est quand même pas trop mal, surtout toi. Ah, je suis bien. Surtout si Barry passe à côté de sa saison, ben c'est l'occasion pour toi d'avoir la montée directe avec la première place. Voilà, je t'avoue que ce n'est pas Barry qui me fait peur. Hein. C'est plus Casertana qu qui a l'air de, de tenir le rythme plutôt, plutôt bien. Quoi. On verra, la, la saison est quand, même, est quand même assez longue. Et si Barrage, je serai, je pense, dans les barrages. On ne pas parler de crise. Je serai dans les barrages. Donc après, à voir comment les barrages se déroulent. Je Serai dans ce top 10 qui me permettra d'avoir une chance d'accéder à la série B Mais les barrages, c'est compliqué. Hein. Par contre, objectivement, le mec qui est premier, il se fait chier après, non? <laughs> non ce que je veux pas dire, mais le mec qui j'ai dit premier, il, il s'est quand même sacrément chier, je pense. Non, je me souviens pas de l'interview de Trapatoni. Euh... Quelle est la proba que je commence une partie hier soir et ce matin, je tombe sur votre diff, partie avec Palerme. Ah, ben il n'y a pas beaucoup de proba. Hein. Mais c'est intéressant, les gars. Il ne faut pas se dire, ouais, comme euh, j'ai vu des tweets comme ça, bah, je ne vais pas faire une partie à Palerme parce qu'il y a déjà Alex et Jax. Mais allez-y, allez-y comme ça, vous allez faire le même défi que nous et vous allez vous rendre compte à quel point bah, c'est pas si simple et chacun va monter son équipe à sa manière. C'est pas parce qu'on prend le même club. Tu joues pas <laughs> Non, je suis en repos. Oh, le mec, il a du repos supplémentaire et tout. Bah, je suis pas le seul parce que. Casertana euh... n'en a pas non plus, ne joue pas non plus. Et Barry ne joue pas non plus. Ah, Je vais aller voir ton match pour une fois. Allez Tu vas voir c'est de la ah, Franchement, on joue pas bien. Moi, je le sais, hein. Ah mais moi je sais aussi que je joue pas bien, moi je gagne, c'est pas des... Je gagne 3-0, mais c'est poussif. Hein. Ah moi je suis pas satisfait de, de ce qui est fait là. Hein. Petite diff, j'ai désactivé le premier mercato. Bah ça tu vois déjà c'est un premier challenge. Sans ça, on, on en serait beaucoup plus mal je pense. Je sais pas, en vrai je sais pas. On serait peut-être ouais, pas, ouais. peut pas si haut qu'en vrai... sur le terrain, j'ai qu'une recrue. En dehors de Cortinovis... Ah si, j'en ai trois. Bon, trois sur 11, c'est pas... Ah non, ouais, quatre. Moi, j'en ai trois. Quatre. Je vais bien regarder. Encore, Arménie, il a du mal à ça. Mais non. Mais non. Voilà, ça c'est moi, ça. Le Clétis Mais non. Mais non Voilà Après Pellegrini il garde, il garde sa stat de Pazès hein Non mais je dois le gagner quoi je dois le gagner on peut pas être contre Terramo Terramo c les fils C'est la faute du pic Terramo <laughs> C'est parce que je suis dans les tribunes c'est ça Regarde zéro tir 0 cadré il se passe rien All time ah Ouais c'est mes matchs je sais ce que tu vis. la terre à moi, ils vont, ils vont enfoncer le clou. Par contre, t'as de bien te faire bouffer dans ce match. C'est quand même ouf, hein, parce que je, je joue, euh, j'étais en prudent. Hein. Prudent, oh Mais là là, c'était des buts de merde en plus. Clayton, qui passe pas un bon, un bon match pour l'instant. Alors ça rebondit, c'est un but de FIFA ça. Donc un tir cadré. Bon après bon. C'est ce que j'ai fait à l'extérieur. Enfin, j'ai l'impression qu'en Italie, ça marche pas. J'ai beaucoup joué en offensif. Et dans les matchs à l'extérieur, le offensif, je me fais éclater en fait. Ah. On va passer, je suis obligé, j'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. On va passer sur une compo plus offensive en deuxième mi-temps, mais est-ce qu'on va renverser le truc Je ne sais pas. Déjà, la conférence est mal placée. Rentrer Reginaldo ici. Le petit coup de mot. Là, on est, cette, cette compo alternative, elle, elle, est, elle est vraiment euh, offensive, en fait. On est sur un jeu où on ne doit pas perdre beaucoup de ballons, on joue sur un court, un jeu court un peu plus, plus, plus élevé, on a un pressing euh, de s'engager plus élevé. C'est des consignes très simples, je ne fais pas des trucs trop compliqués. C'est ça, on joue tous les trois jours là. Depuis, euh, là, je vais faire trois mois en jouant tous les trois jours. Et offensif ou défensif, regarde ça. Hein, C'est pareil. Hein. Je sens que le 3-0, il est pas loin là. Il nous pas au nez. Il nous pas au nez. Il a Qui marque 3-0 par Terramon. Il y a deux tirs cadrés, on prend 3-0. Offensif ou pas offensif euh, L'équipe depuis Paris elle, elle, elle est Voilà J'ai tout gagné Jusqu'à Paris On perd contre Paris Il n'y a plus rien derrière C'est plus la même équipe Donc franchement tu as, as un moral de merde Et les, les joueurs C'est pas les professionnels C'est pas possible Alors je Ouais Non Non, non J'étais sûr que Reginaldo Était hors jeu Bah, le but est beau en vrai. Ah, c'est beau. La hein. construction est belle. Hein. Par contre, j'étais vraiment sûr qu'il était hors jeu. Ah non. Non, non il, est avait, il est couvert. Il y avait un point de penalty. Par contre, combien, combien de chances dans FM20 qu'il a frappe, ça De quoi Euh. Ouais. Avec la ligne, mec, je suis plus si sûr qu'il n'est pas hors jeu. Je <laughs> si Le but est valide. Ah oui, mais t'es mais je suis quand même pas <laughs> sûr pas... qu'il je... Il y a la VAR Non, il n'y a pas la VAR en plus dans ce. En série C. Ah non, en Italie, euh... en série C, ils ont annulé la VAR. C'est que... la mafia qui arbitre. Le retour Ouf. En vrai, si tu marques avant la 80e, il y a peut-être moyen, hein. peut moyen d'y croire. Hein. Ouais. Ça me paraît compliqué quand même. Hein. Non, on a fait trop de merde en première mi-temps. C'est juste impossible de prendre un CSC à deuxième minute. Quoi. Ce genre de score, c'est très dur à rattraper. Allez. Merci. ça va être dur. Mais si je fais une jackie à la 92, euh, au moins on remet le moral quoi. C'est là, c'est le nombre de points, il n'est pas intéressant. annule annule une défaite, je serais toujours mieux de tableau, mais. Mais au moins qu'on n'ait pas une spirale. Oh là là, le retour. Le retour du chauve là. J'ai cru qu'il a laissé rentrer, mec. C'est quoi ces gardiens Allez. Allez, Walker Mais non D'accord. Bon, bah, non. le jeu a dit non. <laughs> Putain, on est revenu sur la fin. Très bonne entrée d'Originaldo. Hein. Ouais très, bon... un très très bonne entrée d'Originaldo. 7-5. C'est la défaite. Aïe 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 aïe. Troisième défaite consécutive. Malgré ça, on est cinquième. Mais j'ai euh, plus de matchs que tout le monde en fait. C'est ça qui je ne dois, dois pas être fier de ça en fait. Derrière, ils ont tous des matchs en retard. Je peux me faire dépasser. Euh... Très vite. Très très vite, la coupe ça va pas être pour tout de suite, je sais pas quand c'est qu'elle arrive Je crois qu'il y a une coupe de série C italienne mais c'est tout À moins que ça ait été supprimé depuis euh, Depuis. Il n'y a pas la coupe d'Italie en tout cas si c'est ça que vous pensez Non non il n'y a pas de coupe d'Italie, la série C ne participe pas à la coupe d'Italie Autre club série C Voilà il y a, ah bah <laughs> La coupe de la série C n'aura pas lieu cette année Voilà vous avez votre réponse oui. Ah oui voilà. T'as vu ça où, toi Bah, je suis juste descendu, en fait. J'ai checké les compétitions. Ah C'est pas l'Italia Fanta. Ah, ok Super Coupe Italienne Serie C. J'étais encore en dessous. Ah non, ça, c'est la Super Coupe hein. ah, ok. Et elle n'aura pas lieu cette la Lega Pro. Eh, hey, les gars Mais les gens qui disent Ouais Benito va se faire virer, premièrement, vous n'avez pas regardé le live d'hier euh, dès le début. Et deuxièmement, euh, j'ai envie de dire vous n'y connaissez pas grand chose. Donc se, ré se référer à mon premier point de regarder la rediff que j'ai mise sur YouTube en fait. Vous allez nous le trigger, arrêtez. Je ne suis pas trigger du tout. Moi je suis dans les clous. Hein. juste re re relancer un petit peu la machine. Hein. Après, on va être honnête que, quand tu vois ce que font les clubs de série B en Coupe d'Italie, est-ce euh, qu'il y a un réel intérêt à envoyer des clubs de série C Je pense pas. Hein. Je ne pense clairement pas. Il est blessé, Négrado Négrado Ouais. Irel Oui. Euh... Pas à ma connaissance. Parce qu'il joue pas avec Cadix là. Pas sur la feuille, pas. Non, il n'est pas sur la feuille non plus. Ah, Ça fait blessé, deux matchs qu'il est pas sur la feuille. Alors il est peut-être blessé. Ça fait trois matchs qu'il est. Ah si, il a le dernier match qui est contre l'Atletico. Ouais, ouais, je crois qu'il est blessé. T'es encore souple Blessure à la jambe, retour attendu le 15 décembre. Ah oui, bon bah. Une coupe sans petit club, c'est pas intéressant non plus, moi je suis d'accord. Moi je suis d'accord. Après, en vrai, vu le système, comment fonctionne l'Italie, euh, le système de coupe en Italie, vous les verriez jamais. Hein. Si on est son objectif, hein, c'est le ce genre de. C'est le genre de, vous... enfin, de club que vous ne verriez absolument jamais. Par contre, avec mon attaque là, elle me fait peur. Si à droite et canoter à gauche. Bon, au contraire, je trouve que c'est plus intéressant d'avoir une coupe où tu as des clubs qui se retrouvent entre eux. Ou tu sais qu'il bah, y en a un qui peut au moins gagner quelque chose Après, c'est parce que vous avez, avez l'habitude de la Coupe de France hein, d'avoir le petit poussé qui va, qui va ouais, peut-être jusqu'en demi. Hein. Mais sinon, est-ce que c'est réellement intéressant Y a pas les droits tv parce qu'en soi j'ai quand même pas la souvenir que les clubs de CRI C se plaignent de ça alessandria qui élimine le milan ça, je de quoi il n'y a pas une histoire que alessandria ils avaient fait euh... milan ou je sais pas quoi euh... yo choco non. En gros, ils avaient été en demi. Tu ne vas pas faire jouer des gros clubs sur des champs de patates qui vont se faire découper, ça va faire une fale KO. Alessandria avait Après. été en demi, on leur avait mis 6-0 sur les deux matchs. Ah oui. Enfin, accumulé. Il y a eu 1-0 chez eux et puis 5-0 chez nous. Non, mais oui, la Coupe de France, ça marche très très bien. Le format, il est très intéressant. Mais après, dans ce cas-là, il faire peut-être rentrer les faire rentrer les clubs de Ligue 1 au dernier moment. Quoi. Une Coupe de France où les premiers tout, enfin c'est un petit peu le cas. Oh la blessure d'Albertine. Ça c'est un match où on peut perdre des plumes. Ah ben moi aussi, hein. moi je peux perdre des plumes dans tous les matchs quand il te manque deux joueurs clés et que tu joues avec des, des, des pignots sur les côtés ça va être dur là petit Daniel il va falloir être fort au... il va falloir les guider et hein. Emo là il est nul à chier en fait je suis sûr que le vrai Kiss il va faire plus de taf Mazzarani, en fait, mais, mais les, les mecs sur les côtés, ils savent absolument pas jouer. Ah, oh, mais ça, ça passe, mais oh là là, on a pris le but. Ouais, le combat continue. Ouais. Moi, c'est chaud. T'as pris un but Oui, oui, bah bon, oui. Mes deux ailiers ah ne, oui. ne servent strictement. Oh là là, mais ils courent pas C'est vrai. Les ailiers, ça marche pas et, et ça verrouille de ouf en fait. Tu marques sur des coups de pied arrêtés. Tu marques sur des sur des faits de jeu, euh, vraiment chelou Ah mais j'ai deux ailiers, mec, ils sont perdus. Hein. silippo et Quanouté, ils savent pas jouer au foot. C'est pas des joueurs de foot. But de Sarao. J'avoue que mes ailiers c'est compliqué Je les fais jouer un attaquant à l'intérieur Alors peut-être que c'est ça qui ne fonctionne pas Je pense la mi mise Cet hiver euh, Ça va être recrutement du bord, du bord des lits, hein. Allez on valide On valide la victoire là, Avec le but de Marquez Marc Eh bien il en a fallu du temps Pour débloquer la situation Allez petit Daniel Allez Allez T'as le temps T'as le temps T'as le temps T'as le temps A le temps dans la boîte il est passé il est passé allez centre allez oui canoté oui tu serres quelque chose mais non il a glissé le ballon est rentré mais oui <laughs> canoté <laughs> <laughs> Là, le ballon mec, je te jure. Il y a Almissi, la centrée s'est passée à travers de tout le monde. Il y a Kanouté qui tacle au deuxième poteau, ça rentre. Ah j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Mais déjà, le ballon est passé au milieu de tout le monde. Penalty C'est Sarao qui va tirer. Pas trop envie que ce soit lui. Est-ce que je peux changer ça, ça finit jamais au fond. Pourquoi But de haut. Bon, ben voilà. 3-0. Mais c'est ça le pire, en fait. Je gagne 3-0, mais je suis là, je suis blasé, en fait. Tu te dis que je, tu gagnes 3-0, mais sans avoir dominé le match. C'est le pire. C'est la pire sensation. Tu gagnes 3-0, mais tu n'es même pas convaincu. Tu sais qu'à tout moment, tu aurais pu perdre ce match. On a basculé vraiment vers la fin, hein. Là, autour de la 60e, on a décollé total. Mais c'était pas simple. Hein. C'était vraiment pas simple. Je pense que la, la bascule des, des deux ailiers qui me niqué mon jeu, Vrikis et, et Marques, ont fait vraiment la différence. Vrikis titulaire, hein, je pense. Salakis, hein Je pense qu'on peut mettre le Salakis titulaire. Bah Bobby Ouais, c'est pas simple. Ouais, c'est pas Frédéric, hein, noter, hein. Il se passe rien. Ça me... Ouais. c'est des matchs, il se passe rien. Euh, ouais. Oh. On va peut-être même en prendre un. On va peut-être même prendre le deuxième. On va prendre le deuxième. Allez. Bah non, mais. Bah oui Bah oui Exceptionnel de Mamadou Tonka Mais mec, c'est pas exceptionnel Il tire tout droit Allez, shit Mais il tire tout droit Mais sérieusement Mais c'est quoi ces goals Mec, il tire tout droit Sérieusement, mais le gardien est mal placé. Mais je veux pas le savoir. Enfin, c'est des plots les gardiens. C'est club pro. Ah, je m'en doutais. Je le sentais qu'on allait le prendre. Il se passe rien. C'est eux qui ont l'animation, quoi. Viterbez. <laughs> ah, on va reprendre le deuxième. On va prendre le troisième même. Ah là là là, là. Je le sentais ce match qu'on allait le perdre. Les plumes ont sauté. Ah, mais la saison sera longue et difficile pour tous les deux. Hein. Faut, faut pas, les gars. On a fait un très bon début de saison, mais faut pas trop s'emballer. On sait très bien que ça va être dur jusqu'au bout. Et qu'il y a des équipes. Euh, des no-name hein, qui vont venir nous piquer des points. On se fait, mais on se fait vraiment balader comme ça, les mecs Mais sérieusement. Mais je vois au foot, et il y a un peu. Voilà, mais casse la patte Boukara encore. Oh la. T'as failli prendre un but de je sais pas si t'as vu Rossi <laughs> Ouais euh, bah dès que le match est terminé on aura le classement qui sera mis à jour donc on va regarder ça hein. de toute façon vous inquiétez pas Ah la première défaite de la saison hein. Dommage Ah mais là il manque de. Deux... premier là, il manque de titulaire c'est... Bah Barry en tout cas qui fait une spéciale euh, script hein, avec euh, une victoire de 0, 93-95. Ah, c'est le Real qui nous faisait ça à l'époque. Ouais. Je croyez qu'ils allaient tomber et puis ils marquaient tout le temps à la dernière seconde. Donc le classement en direct, Casertana qui a un match de retard sur Palerme, égalité avec 20 points, 19 pour la Foggia. 18 pour Ternana, 18 pour moi, mais j'ai deux matchs d'avance sur Ternana, euh, mais en ayant euh, plus de matchs d'avance sur certaines équipes. C'est un truc de fou. Barry a deux matchs de retard avec 16 points. Il y a tellement de matchs de décalage que le classement, là, il ne veut pas dire grand-chose. C'est qu'une estimation. Et je suis quand même bien content d'avoir. Euh D'avoir marqué Albertini 3-4 semaines. J'ai un enchaînement, il va être terrible. Genre Ternana, ouais. Catagne, Casertana, les trois à la suite, ah oui. ça va être très très dur. Les gars, dans, dans deux matchs, c'est le derby. Après, mon début de saison est très correct. À part, bon, des fêtes là qui font ultra mal le début de saison est ultra correct. Mais je pense que celui qui gagne le derby, euh, toi, si tu le perds, ça va encore. Mais si moi, je le perds, je suis, je suis au fond du trou. <laughs> je sais pas où c'est qu'il était Il est chez moi. Donc dans deux matchs, c'est le derby à Palerme. Bon, je devrais récupérer mes deux joueurs. On va aller cramer les joueurs de Palerme. Nicolas Rotti. Je crois que Rotti, c'est son premier match où il marque pas. Si je dis pas de conneries. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et il est blessé. Allez. <laughs> on rentre. Enfin, ça va, trois jours, mais on commence à rentrer dans des moments où ça se blesse. Enfin, en même temps, on fait qu'enchaîner des matchs. Moi, jusqu'au mois de décembre, je suis pas tranquille. On joue tous les trois jours. Depuis le début, hein. Oui, oui bah moi je lui les posé là, 3, mais... Mercredi, samedi, mercredi, samedi, mercredi, samedi, mercredi, samedi, samedi mercredi, samedi, mercredi, samedi, Et à partir de Turis, on joue samedi, 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 samedi. On joue que les samedis. Ouais, va poser ta trompe sur la pelouse de Palerme. Ah est Dégueulasse. Ma... <laughs> <Les titulaires. rire> C'est dégueulasse. Pioli mais content de l'accord de prêt de Youngdol. Mm. Okay, c'est cool, mec. La Pioli... Je sais ah, que parce que je ne le fais pas oui. jouer gardien libéraux bah c'est cool, mec. Oh, il va pas gueuler pour ça. Ah, si, <laughs> si si, gueule pour ça. Écoutez, nous nous entendons bien, faites-le pour moi. Bah va niquer ta mère, en fait. Mm. Waouh. Faites-le je... pour moi. Eh, tu veux que je nique le petit Daniel Genre, va euh, bah te faire enculer, en fait. Je le fais jouer parce que euh, l'autre qui devait être titulaire est juste une passoire. Mais genre, euh, nique-toi, quoi. Je suis encore mon équipe comme je, je l'entends. L'éléphant bleu va passer le carche. Je pense que... Le meilleur joueur, de toute façon, il faut regarder ça, il faut regarder qui c'est qu'on dit en joueur clé. En joueur clé, on dit que c'est euh, Tonucci, prêté par la Stabia. D'un point de vue personnel, je pense que c'est Martin Palombo, voire peut-être Mariano Isco, mais qui est vraiment sur le déclin. y a des gros matchs. Hein. Monopoly contre Fogia Palermo Turis. Je turis, pas simple ça, mon dieu. sans combien le Turis? Sixième. Ah oui Turis Calcio de la ville de Torre de Greco. jacques Pasquale Reynone. <laughs> C'est un peu l'Olivier Giroux euh, <laughs> tu sais ce qu'on me propose Non Reporter le match Palermo Catagne. Oh non Parce que j'ai trois titulaires réguliers qui sautent à cause de la sélection. Bah tu vas savoir va me demander à moi et je vais refuser. Ah ouais mais Même moi je vais manquer des Bon bah, on m'a pas dit ça. Le hein. joueur en sélection. Euh... Qui était joué en sélection aussi? C'est Vriki, c'est Armini. <rire> <rire> euh, je pense qu'on va reporter le match. Hein. À cliqué dessus? Euh, mec, super euh, Carboni, le petit Daniel et mondes gardien. Là, hein. bah, je t'avoue qu'en bah, ce je... moment. Euh, je t'aligne une attaque, elle n'est pas ouf, quoi. Bah, t'as le aussi. Oui, mais bah, c'est tout. Bah, mec, euh, bon, comme tu veux, comme tu veux. Hein, ça, sera, ça sera... Si je le perds, tu sais très bien que t'auras une excuse, hein, Voilà. Le derby a été décalé, les gars. Voilà, on reconnaît les losers. <laughs> on essaie de s'arranger côté de Palerme. Moi, j'ai pas mon mot à dire. J'aurais pu dire euh, que je m'opposais. Donc, euh, le derby, au lieu d'être dans deux matchs, il sera très loin. <rire> mec, <laughs> t'as pas fait ça. <laughs> c'est le 9 décembre. Ouais, ouais, moi ça m'arrange. Ça me fait un petit repos entre, entre Ternana et Catertana. C'est le meilleur moment de m'affronter et tu repousses tout. Bah, ouais, mais mec, non, c'est pas le meilleur moment pour t'affronter. Parce que il se peut que j'ai pas mes, mes titulaires comme je veux. Donc, non, non. À côté pas des conneries non plus ça va, je t'offre un petit repos. Écoute, on me le propose, moi je le prends. Moi je trouve ça un petit peu honteux. Mais... Jackie à la trouille, c'est le rouge. Oh, il y a tout le monde qui met des rouges dans le chat là. Yes Je m'en bats la race, les gens. Ça vous va comme réponse Moi j'avais jamais vu quelqu'un se défiler comme ça d'un dans... derby. Hein. Ouais, bah on me le propose. Moi, je, je prends. Hein. Non, mais là, vous réagissez comme ça, mais parce que ça aurait été l'inverse, euh, moi, j'aurais compris. Hein. Toi. bah tu me dis non je j'ai moins de mes joueurs qui est enfin j'ai eu trois de mes joueurs clés qui s'en vont euh, on repousse le match moi j'aurais compris hein. ah non mais moi je veux rien dire c'est le chat qui non 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 tu t'injures aussi oui mais j'en profite bah oui bah non c'est pas c'est pas très sympa c'est tout J'aime beaucoup ce... cette formation pourrait nous rendre vulnérables en défense. Inquiet. Et Magouille commence. Jack s'est sorti la mallette. Et voilà. Ça m'atteint pas. Vous pouvez dire ce que vous voulez, ça m'atteint pas. Elle <laughs> la jetouille, je pense. Vous avez une vision très court terme, c'est tout. Parce que, admettons qu'on joue le match et que je suis pas mes trois joueurs, je le perds et que je rentre dans une spirale négative. Ah, mais c'est ce qui va Ah, arriver. admettons Et eh bien voilà, c'est juste, juste de, du long terme. Ouais, c'est ce que je ferais. On applique la la bagouille! Tra... On applique la stratégie du PSG, on ira tous à Ibiza mercredi! Alors ça Eh bien, je me déplace au Virtus! Et là, le karma va me rattraper, je vais perdre ce match. Et la spirale négative. Les joueurs sont morts! Et vous, vouliez, vous vouliez vraiment me parler d'un match comme ça, là, mais sérieusement. Ah, d'ailleurs, tu vois ce qui ne joue pas en, en 3-5-2. Hein. C'est un 4-3-3. Ah. C'est un 4-3-3. Là, c'est du 3-5-2, euh, le Virtus. Et qu'il qui tombe pour l'instant. avec Pellegrini, il n'y a plus qu'à centrer. Quel centre Avec Reginaldo. Et le but de Reginaldo. Son premier. Ah ouais, déjà Nzukich est passé ailier dans ce FM. Ok. Ah ouais Paraît-il. Euh, ça n'empêche pas que ça peut être encore un chouchou. Hein. Ce qui me fait mal, c'est qu'on va être tous les deux premiers, sauf que j'ai deux matchs d'avance. Ça veut dire que tu peux perdre deux derbies, que tu es toujours premier. Attends, 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 déjà j'ai pas ce match. Que... On a l'air de plutôt bien jouer. Je vais pas parler trop vite parce que je suis pas à l'abri de. Mais vas-y, mais je prends des buts, c'est des tout droits, c'est des tout droits, gardien ou sors-toi les doigts du cul. Waouh. <laughs> Ah, mais mec, c'est quoi ces goals? Après, tu peux reporter la saison aussi. Mais mec, je prends des frappes, c'est des tout droits. Mon gardien ne bouge pas, c'est un plot. Je te jure, tu mets un plot, ça a le même effet. C'est incroyable. Puis, je Je sais pas, c'est même pas lui qui joue. Ah, la Ferrari, elle a calé, hein, je vous le dis. Oh, c'est incroyable ce match. Ah, mais tu continues de faire jouer Ferrari alors qu'il t'enchaîne boulette sur boulette. Mais c'était pas lui qui jouait jusque-là. Ah ouais, c'est qui qui a, a était sorti comme euh, Ah si, c'était lui, c'était lui ça mais ah. <laughs> Mais Jungdo l'a pris la même Jungdo il a pris la même tout droit en fait. Ah c'est incroyable. Des frappes comme ça qui rentrent mais tu vois jamais ça en, en série 1. Je prends le deuxième. Ah là, c'est la spirale, la spirale noire. Oh Réginaldo le coup franc direct. Ça est Régine il se réveille là. Allez Régine. j'ai envie de jeter la boulette la boulette la, la bouteille waouh hey les mecs jetez la boulette non mais là les gars faut sortir les doigts du cul il faut faire quelque chose parce qu'on m'a quand même vendu mon milieu de terrain comme étant très bon hein. pour l'instant je le cherche encore de conneries pas de conneries en Italie et Andrea Carboni qui galise voilà de toute façon je marque sur coup de pied arrêté dans le jeu donc moi c'est pareil <laughs> Non, mais c'est vrai, je serais curieux de voir le nombre de buts sur coup de pied arrêté. Hein. Et Barry qui gagne 3-0. IRL en Sicile, ça serait jamais passé un aveu de faiblesse comme ça, comme Don Benito. Ouais, bah IRL, Don Benito. IRL, ils sont au fond du gouffre. Et le doublé d'Andrea Carboni. Voilà, sur un coup Nick de pied arrêté. Beau. Par contre, c'est Almissi qui tire les coups francs maintenant, c'est nouveau ça. Pourquoi c'est pas le petit Daniel qui les tire Oh non, ça rentre pas ça. Pourquoi le petit Daniel ne tire pas les coups francs Toujours pas de but de, du petit Daniel, ouais, bien vu. Ah, je vais pas en prendre un là qui va gâcher ma stat comme d'hab dans tous les matchs. Voilà, but de Vasquez. À chaque fois en fin de match. Attention parce qu'on n'a pas encore gagné. Les gars. Je connais l'équipe, je connais le jeu aussi, on n'a pas encore gagné. Mazzarini, Reginaldo. Ça passe, c'est belle. Salut Thiago. Ayo ah, Thiago. Après, je vois que vous parlez de but, mais est-ce qu'un est qu joueur se juge à ses buts et à ses passes? On oh, la passe. Le but de Diego Capel! Oui! Le chouchou! Son premier but à Catania! Diego Capel! Tu vois, quand il prend son téléphone, c'est Diego Capel. Mes joueurs sont morts. c'est Le cœur est rouge pour tout le monde. Oh putain! Et pourtant, je fais des changements, hein. c'est ça le pire, c'est... Je vais prendre le but. Non. Allez, petit Daniel. Allez, mon petit Daniel. Allez Allez Do it il y a personne avec lui. Mais ils sont où les autres Mais vous êtes attaquant oui. ou... Il est tout seul Ils sont où les autres Les appels, ils sont où Joli frappe en tout cas Maldini. Ouais mais il est tout seul. T'as quand même mis un doublé de Carbonique qui est un défenseur, non Oui. <laughs> Et les deux passes d'Est c'est mon arrière droit. T'es pas sérieux. La stat fait mal. Enfin bon. C'est gagné. On retiendra que ça. Bah, GG, hein, c'est. Oh, on retiendra que ça, mais c'est pas gagné dans le... Oh, c'est pas vraiment du tout. Barry qui gagne 3-0. Casertana euh, tenu un échec. Je, je ne peux pas concevoir qu'on joue comme ça. On puisse se maintenir en série A, en série B, c'est pas possible. Franchement, j'ai des doutes aussi. Hein. Ou alors ça joue vraiment aussi mal en série B. Ouais. Classement mis à jour. Palerme, leader avec un match d'avance sur Casertana. Catania, troisième, 21 points. Mais avec <laughs> deux matchs d'avance sur Ternana, hein, ça qu'il faut se dire. Ce que j'aime beaucoup, c'est que si enlèves les journées, tu te dis putain, ouais, ça Allez, de ouf. Mais en vrai fitur, mais les journées bah, ça va être encore plus serré que ça je pense. Genre tu te dis quand même potentiellement que le dixième pourrait être deuxième quoi. Ah mais c'est un truc de fou. Carboni sonne la charge pour Palermo, bah tu m'étonnes. Il y a combien Marquez parce qu'il plante, hein mine de rien Crap, il a joué. joue Ternana, mec. Comme, vu comment on joue, mais je ne peux pas concevoir que ça passe. Moi, je joue euh, l'avant-dernier, euh, Terre, Ternana, je, je l'annonce. On saute. C'est à l'extérieur Ah oui. Pff, je, pense, bien. je pense que Ternana, on saute. Et vous vouliez un derby derrière ça mais... Non, mais... mec, es pas... il faut être joueur... Là. Bah mais mec, physiquement, je tiens pas. C'est... Enfin... Et moi non plus, hein. tu vois que je suis que... bah tant mieux pour toi, tu vois, t'as un dur pot. Ouais, quand on bouffe de la coque à... <laughs> Des Déjà, physiquement, j'aurais pas tenu. En plus, tu m'enlèves mes trois meilleurs joueurs. Ah bah alors là, c'est mort, mec. <laughs> on finit tous euh, à l'infirmerie. Même, même même rôti sur bah, il est rôti mais. Rocky rô Roki, rôti Rocky. Il est carbo. Ah il est carbo le rôti il a est... a un temps de cuisson un peu trop élevé. Hein. pensez quoi de la règle de l'interdiction de recruter des étrangers en série C Je trouve ça pas mal au niveau de l'identité des clubs. Bah ouais, ouais, ouais. Wow, Après, euh, le... on a le droit. Hein. S'il est en Europe, tu peux. Hein. On a le droit de recruter au final beaucoup d'étrangers, mais on peut juste pas piocher dans les clubs euh, hors Europe. Arménie est, un est un plus genre, fort. Euh... Ouais. Bah, franchement, moi, je suis un peu déçu d'Arménie pour vous dire. On peut comparer les il deux saisons est... si vous voulez. Hein. Arménie, il joue, euh, non seulement il progresse pas, mais il régresse avec euh... ah je l'ai pas armé dans mes comparaisons je pense que non non au contraire au contraire je pense que ton carboni est un petit peu au dessus en tout cas pour la première saison après peut-être qu'Armini va monter plus haut mais dès le début armini est pas si ouf que ça pour euh... après voilà c'est pour la série ici c'est quand même très fort hein. armini la 7 carboni a 755 757 quoi après voilà vous faites les choix que vous voulez mais il y en a peut-être un qui brille plus que l'autre ouf faut dire contre Barry ah par contre je vais jamais Ternana je vois pas dans quel monde ça passe <laughs> carboni mec il est carbo il est carbo il ne peut plus il est là, il fait « pas plus Ah, il jouera pas. Hein. Je peux pas le faire jouer, c'est pas possible. Bon, Ferrari, tu fais trop de conneries. Mais en fait, j'ai deux gardiens qui sont synonymes de boulettes, en fait. Est-ce qu'on va pas faire jouer le Palagotti Est-ce qu'on se dit pas qu'il qu serait pas pire que les autres Palagotti. Le Tomagotchi, là. Le... Allez, Palagotti qui va jouer. Le troisième gardien. Mmh. Mais. Ah, ça... C'est comme si on disait qu'Alex est plus fort que Jack, c'est facile quoi. Ah, wow, ça troll comme ça là. Wow. Je trouve ça un peu honteux. C'est honteux Et... ouais, bah, je, je fais tourner aussi hein, avec euh, la rotation, l'entrée de titulaire de Nana Welbeck. Oh là là là. Mec, à aucun moment ça passe. C'est honteux! Bon, bah allez, hein. bonne chance à ça tous. Va. Hein. Tu peux te permettre 3-4 défaites consécutives. Manque de connaissances tactiques, de la mentalité d'équipe. Par contre, faut, faut, faut vous mettre, cou... mettre d'accord, les mecs, parce que il y a quand même 4 matchs de ça. Tout le monde était d'accord sur la tactique, ça marchait très bien. Maintenant, c'est oh, bah bon, ça va peut-être pas comme ça. C'est qui l'entraîneur ici, bordel? Wow! Gueuler, oui! Mais non, mais c'est révoltant, c'est honteux! Bah, ils ont Rocco en pointe! <laughs> J'ai failli prendre un but de lui. Hein. <laughs> je vais vraiment un but de Rocco, les gars. On n'est pas favoris dans ce match. Ah bah non, mais ça, je suis bien conscient qu'on n'est pas Il favoris. Rocco dans en le... pointe! Ça, je suis bien conscient que nous ne sommes pas favoris dans ce match. Allez, Welbeck qui décale. Pellegrini. Pellegrini, un des meilleurs centreurs. Oh non Est-ce qu'il joue Saoul Oui, Saoul joue. Nice. Le truc que, que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup de photos. Oui, et de barres. Voilà. Ça, ça, ça je. d'être euh, à nouveau retourné sur le 19. Ça, je, je te suis volontiers dans cette, dans cette logique. On a enlevé 4 passes des au petit Daniel parce qu'il y a eu des barres hein, et des poteaux. Je tiens quand même à Allez. le signaler. Mec, je vois deux occasions sur le moteur, c'est deux barres transversales. <laughs> ah mais ça rend ouf. Hein. On dirait le script de FIFA, quand tu joues en club, euh, que tu... ça ne doit pas rentrer. Mm. Oh le but de Reginaldo, il est magnifique. Ah ça y est, sa, sa saison est lancée à 37 ans. <rire> <rire> Valente, Valente, Valente faut frapper les mecs, il faut frapper. On recule, on recule, et c'est comme ça qu'on se fait enculer. Ah là Les en l'air. Magnifique, merci les gars, merci merci. Attention maintenant non, il faut tenir. Au bon, canoté. Voilà. Bon mais canuté, bon, alors là il a failli marquer. Bon, alors la canuté marquée c'était. Et Maldini il marque pas Ah ouais, il est sous le banc, il est un peu il est un peu fatigué. C'est sûr qu'il... Oh j'ai pris un but magnifique de Daniele Rocco et ça, c'est ma bite. <laughs> Ce qui s'appelle, c'est faire enculer. Oh, il est magnifique en plus le but de Rocco. Et merci Clément Tallo pour le follow. Ah. Par contre, euh, les remplaçants jouent mieux que les titulaires, c'est un problématique là. Bah, ils sont plus frais. Voilà, c'est pas une question d'être frais, mec, c'est une question... Euh, faut se poser les bonnes questions, quoi. Mieux de terrain remplaçant joue mieux que le titulaire, quoi. C'est pas loin du doublé de recours. Oh. 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 Passe. 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 Oh, comme la Nicolas Valante. Sous une passe de Canute, Kadoute, ouais, j'ai menacé de le renvoyer dans son pays. Vous voyez, ça, ça sort doigts du cul. Hein. Mmh. Par contre, Valente, c'est une frappe tout droit. quoi. Les gardiens, c'est une catastrophe. Penalty. Hein. Le gardien, il a les gants en pot de pêche. Hein. Reginaldo, il est chaud, on va le laisser tirer. Allez, Reginaldo, s'il te plaît. Fais ta Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, T'as déjà regardé les replays des buts de la UV ou pas? Parce que j'en ai déjà parlé, pour, je crois. Pour, 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 voir, pour voir que des pénalties Non mais écoute, ah, on Marque. des marques... T'entends le si, ouais. T'entends le si <laughs> Et grosso, le voilà Il est en retour Nicolas Rotti Par contre, il avec cool de plaisir que, que Rotti est meilleur que le petit Daniel. Ouais, ça me va, mais de quand même je m'en fous. Hein. Moi je m'arrête pas aux stats, moi si il y a le petit Daniel ça me va très bien, qui, qui brille ou qui ne brille pas, hein. il sera toujours là dans mon cœur avec moi. Et c'est ça qui vous fait défaut quand vous jouez à FM, vous n'avez pas de cœur. Un joueur mauvais, vous le virez. C'est oh, <laughs> faux. T'es le premier à gâcher tes carrières de mec, euh, genre euh, Zoukic, que tu l'avais juste acheté pour le mettre en plaçant pour pas que je l'ai. C'est ça avoir du cœur <laughs> Ah, ah. Vous, prenez, vous prenez pas les bons arguments aussi. Vous voyez les choses du mauvais côté. Oh, le but, d'Alejandro vous, vous rendre et monstrueux Vous prenez des exemples sur des coups de sang. Ah, bah oui, bah, de sang Et là, le doublé de Nicolas Rotti Les coups de sang, c'est du génie, hein. Non, mais richement la raclette, non, mais après, objectivement, voyez le nom du joueur Et merci, Lasno pour le follow. Non, mais franchement, et eh, eh, racontez pas des conneries non plus. La raime, la mauvaise foi. <laughs> ouais, là, je La que... mauvaise foi. Je pense que vous voyez, vous voyez le mauvais côté. Isidro Miguel, est-ce que je l'ai viré Non alors que, tout le monde, alors que tout le monde l'aurait viré. On me dit, ça commence à bien tourner ton équipe, ça joue direct, c'est efficace. Il y a deux matchs, il fallait me virer, il fallait, tout, il fallait changer toute la tactique. Je vais garder la même, hein. c'est juste qu'il faut avoir confiance. Ça peut arriver d'avoir une spirale, il ne faut pas croire que oh, bah, ça y est, tu as perdu trois matchs, il faut tout changer faut tout changer, mec. Bah, voilà, j'ai parlé trois matchs. J'ai parlé trois matchs. Euh, j'ai confiance en ma tactique. Là, ça revient. Euh... Ah Daniel rocco qui marque <laughs> La même. Hein. Il me fait exactement la même. C'est vrai que les... je sais pas si ça vient des gardiens ou des défenses. Mais. Ça va être une victoire encore pas rassurante. Hein. C'est gagné! Ah, mais c'est clair, il vaut mieux un gros passage à vide que faire des matchs moyens pendant un an. Mais oui, oui c'est clair, c'est clair. Après, j'ai toujours plus ou moins voilà, le début de saison, comme j'ai dit depuis le début. Le début de saison, j'en suis satisfait. Hein, que, que je sois huitième ou quatrième, je serai satisfait de ce début de saison. Il faut croire qu'il a sa position préférée, Rocco. Mais oui! <laughs> C'est pas toi qui devais être pas favori Ouais. Je n'explique pas. Je... Si, si, si on arrête le match là, c'est le meilleur match de mon équipe. Hein. D'un point de vue jeu, ah bah pour un but mais. <rire> <rire> moi j'ai dit ça tout à l'heure. J'ai dit ça aussi que ça commence à bien jouer. Et... <laughs> J'aime bien c'est que. Ouais c'est le meilleur match de l'équipe depuis. Mais ça là. Je pense qu'on aurait le meilleur match de l'équipe. Bim, but derrière. Allez, hop, ça c'est fait. Ça, ça veut dire après ta gueule. Avoir, après avoir vu ça, je pense qu'on peut dormir tranquille. Oui, il peut peuvent en mettre deux petits, là. Ça va vite, hein. Ça peut aller très vite. Ouais, mais. Oh là 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 là, là mes rotis. T'as failli mettre le triplé, gamin. Mais je te jure que mon. Mon Ma... milieu derrière, genre euh, Luperini Palazzi, est plus rassurant que le bro et Odger. Euh, Peut-être. Hein. Ça récupère des ballons et tout. Chose que je n'ai jamais vu chez les deux autres. Et je trouve ça très grave. C'est grave ce qui se passe. Ça le lance. Ah ouais J'ai peur de faire rentrer un défenseur parce que je me dis ça se trouve il est pas au niveau. Ça, le lent. Parce que Lanchini, tu vois, je le ferais bien rentrer, mais bon, c'est un quoi ce qui se trouve, quoi. Je pense que Pecorino, il va monter en pointe. Il va monter. À... Il peut monter, il y a quelqu'un, Il peut monter avec. On va prendre un but. Non, 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 Lanchini qui met la tête. Allez les gars, faut, faut tenir le score là. faut.

Oh là 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 là. oh là 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 là, on va en prendre un, on va en prendre un, on va en prendre un, ça c'est but. Ben oui, c'est but. Oh là, là 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 on est en train de s'écrouler. Combien là Il y a 3-2. Ternana. Concentrez-vous, bordel de merde. Moi je sens bien l'égalisation à la 92. Tu vois, juste pour te ouais. rappeler qu'il n'y a pas que toi qui peux marquer à la 92. il y, y a 4 minutes de temps additionnel qui sortent de je, je, je sais pas où. Allez les gars, allez, allez les rouges. Oh là là, oh là, oh le bro. Tu chopes la patte, c'est pareil. Hein. Oh, le rouge. Ah bah là c'est rouge direct. Hein. Allez rôti, le rôti. C'est nul, c'est nul, c'est nul Denis. La contre-attaque, ça va faire but. Il y a plus de défense, mais va dessus. <laughs> oh là, il y a du gardien. Mais il y avait personne. Oh la là -bas. Mais non, mais non, mais c'est pas possible. Légalisation de Palumbo. Où est la défense Où est Et la défense <laughs> Je le savais, je sors, je le sors l'autre. Je savais que ça allait être une, un bouillon défensif. Oh là <laughs> là, c'est vraiment dommage. On va, en reprendre, un autre, hein. <laughs> On va en reprendre un autre. 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 Non, mais là c'est pas possible. Là on est en train de faire Milan contre Liverpool. Là. Oh la 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 <laughs> Mais va dessus Non, Marco, mais un... on peut plus, là. Non, mais là moi j'ai vais péter une pile. Allez, Rolly. Allez, Rolly. Allez, Roti. Tu me centres <laughs> ça. Tu me centres ça. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible d'être aussi mauvais. C'est pas possible. On va en prendre un. On va en prendre un. Allez, bordel. Les remplaçants ont mieux joué que les titulaires. C'est terrible. Failli, failli... Ouais mais 3-3 moi ça me va hein. Oh là là. Ah il y a Jack Brest <laughs> Ah mais il est là lui mais casse-toi <laughs> bordel C'est pour ça que t'as pris <laughs> Casse-toi, bordel C'est énorme. Faut savoir que dès que Jack Brest arrive sur le live de Jax, il prend un but. Et il y a 3-3. <laughs> Allez, canouté. Allez, allez, allez pour le petit Daniel. 33. Ah, c'est pas, pas le Daniel du Red Star. Hein. 33. Eh bien, GG. Attends, c'est pas fini. C'est peut-être pas fini. C'est peut-être pas fini. C'est peut-être pas fini. Le centre. Mais oh là là, mais faut sauter, gamin. Tu t'en fous de t'éclater la gueule. Faut sauter. Ah, oh, c'est terrible. Doda, 6-4. 6-4. Et euh, victoire de Barry. Et euh... Oh bah là il y a la bouteille d'eau qui part. Hein. Allez hop La bouteille d'eau, elle est partie <laughs> Ça dégage. Cortinovis, il est pas content, mais je crois que c'est lui qui l'a pris en pleine gueule. Mais c'est pas oh. grave. Il avait les cheveux devant le visage, il a rien vu. <laughs> Oh non mais c'est trop, c'est trop, on n'a pas le droit à ça. Ça va, t'as as bien doublé du coach Routi. Coach on peut pas gagner 3-0, être tranquille jusqu'à la, la 80e et tout perdre comme ça, c'est pas possible, c'est non, c'est non, c'est nul Denis. Par contre, c'est vrai que toi, dans, dans l'idée, c'est que t'es es t'es premier égalité, mais tu peux te retrouver sixième. Ouais, ouais. <laughs> <laughs> c'est quand même ouf de. Enfin, je sais pas pourquoi il y a autant de matchs en retard. Mais déjà, il y aura déjà un match ici en retard euh, qui n'a pas été reporté pour les autres. Je sais pas qui a reporté le match là, mais c'est vraiment un connard. Parce que là, le match du mercredi, nous, on va pas jouer parce qu'à la base, il devait y avoir un derby. Je vois pas de quoi tu parles. Donc là, on va pouvoir reposer un petit peu les organismes. Moi, je vois hein, pas de quoi tu parles. Ça parle de derby. Là, il n'y a aucun derby qui était programmé ce jour-là. Moi, j'ai été voir, ouais. mon... voir mon pote à la... à la fédération italienne. Non, mais voilà, il y a le jog Brest qui est arrivé. Il a encore foutu la merde, quoi. Ouais, ça, ça me choque pas. Va. Ah là là, on faisait l'opération parfaite à terre, nana. Bon, après, je partais pour perdre, mais. La nana. Mais en menant 3-0, ça fait quand même très mal. Ah oui, ça fait mal. Est-ce que tu fais jouer. Ah non, c'est-à-dire, est-ce que tu fais jouer Jollo Félix Mais c'est vrai que tu ne l'as plus. Pourquoi il a marqué non, mais il ne joue pas. Il ne joue pas. Il est sous le banc. Par Je contre, savais que ça n'allait pas durer. Par contre, j'ai le seum pour André Coréa. Quoi, quoi Parce qu'il enchaîne. En forêt. En il achat, Le bon achat-revente. Ouais, ouais. J'aurais dû les mettre les 50 balles. Tant pis. Il leur faut du temps pour naître. 2-1 pour le Bayern. Et Lucas il joue. Tant mieux. Lucas Hernandez. Hernandez à Daniel Schmitt joue aussi. Le gardien. Ça, c'est bien. Et la cuisine, c'est nous. Et Schmitt. Mais j'ai tous mes matchs qui sont, sont aujourd'hui, en fait. Moi. J'ai Black, j'ai Hernandez, j'ai Ruben Diaz avec City, pour l'instant c'est pas mal. J'ai Peter Zulz. et j'ai Paul Wonwatchu. Bon, la vraie question que je me pose, est-ce que le connard d'allemand va faire jouer Florenzi ce soir contre Bordeaux Le <laughs> connard d'allemand. <laughs> est-ce que le bouffeur de saucisses de Francfort va faire jouer Florenzi Est-ce qu'il va avoir l'intelligence d'esprit de se dire « Dagba, ça pue un peu la merde !» Donc on va peut-être okay. faire jouer quelqu'un de bon Peut-être qu'il aime bien Dagba. Ouais bah. S'il l'aime aussi bien, qu'il quitte le club et qu'il l'emmène avec lui, puis il ne casse pas les couilles. Fais jouer Florenzi, bordel. Laisse-moi au moins le revendre assez cher. Hein et là, il joue ou pas euh... il a il chopé le Covid pour la quatrième fois. Il rentre en cours de match. Et je crois que le peu qu'il fait, c'est pas dingue. Par contre, il n'y a pas Ronaldo cet après-midi. Donc peut-être ah. qu'il va jouer. Pourquoi tu l'as mis Je l'ai mis mais en D4 Europe et pas en D4 Challenger mais ma plus grosse équipe. Est Ce qu'il a joué face à ah, pas sûr. Un All Star, j'ai mis la grosse équipe et en champion Europe. Euh, je me retrouve avec Mike Maignan, Ça peut te donner des infos. Dibala a joué contre les Hongrois et il est sorti à 72 ème en n'ayant rien fait. Voilà. Ouais, ouais, et il a eu... Attends, je vais te dire. Il n'a pas eu une note de foot. Je crois qu'il a fait 40. Et faut que est tombé, d'ailleurs. On n'en parle pas. 49. Hein. Contre Ferreira. 40... Ouais. Bah, c'est bien... C'est bien payé. Hein. Il y a aussi, si j'ai joué Pereira et Marquinhos, oui, bah ça... Ça, malheureusement, je pense qu'il ah, faut Ah, lui... je joue tes potes. Tu joues qui Peter Bez ah, pour ouais, mes potes Bah, c'est pas eux qui t'ont mis... Euh... Bah non. En, en difficulté Non. Bah Bobby. Ah si, c'est eux qui m'ont battu T'as perdu contre Viterbez. Ah oui, j'en pas fait gaffe. Bah, oh, mais mec, faut voir quelle défaite aussi. Bah, elle est belle. Bah, hein mec, j'avais Canuté et... et Silipo euh, sur le terrain. Et je joue Kazertana, le leader Ouf. Oh, c'est gros match, là. Ouais, ah, mais je t'ai dit, moi, ça aurait dû être l'enchaînement terrible. Ouais, hein. ah, mais d'accord. Je suis redescendu troisième, en fait. Après, voilà, t'es peut-être pas non plus... Euh... Ah Ah oui, moi, je... D'accord. Qu'est-ce que c'est serré, mec C'est ultra serré. Franchement, les gars, je sais pas ce que vous en pensez. Mais cette série C... Après, euh, je pense qu'on valide assez facilement le top 10, ce qui est l'objectif. Mais Barry, t'as vu le rythme là Non. Barry, euh, là, ça rigole plus du tout. Hein. Ah oui, c'est enclenché, j'ai l'impression. Là, c'est deuxième avec un match en retard. Hein. Attends, attends, attends. Par contre, tu regardes Barry, mec, ils ont joué un match de coupe d'Italie. Hein. Sérieux Ah ouais, non mais c'est la Copa Fanta. Oui, mais la Coupe ah mais c'est la Coupe d'Italie. Ah oui, il y a des équipes de série C euh, en Coupe d'Italie. Bah, Qu'est-ce que tu chantes Attends, attends, premier tour. Premier tour, il n'y a que des équipes de série C, mec. Ah ouais Je pensais qu'il n'y en avait et pas. Il y il y a l'Echo, il y a Cavetze. et nous, on ne joue pas. Ouais, mais attends, est-ce qu'ils l'ont pas fait parce qu'il n'y avait pas de. Il y a Barry qui a passé de Gianna, deuxième tour, euh, deuxième tour, à la série B qui rentre. Je me surprends qu'il y ait du monde en, sé... en série en Coupe d'Italie comme ça, mais. Salut Roman Pic bon, C'est vraiment des trucs dont on n'entend jamais parler, quoi. Euh... Mais mec, c'est des trucs que personne n'en parle en fait. Ah ouais Mais pourquoi on n'est pas dedans alors Merci Royal pour le follow. Je ne sais pas du tout. Je pense qu'il n'y a pas toutes les équipes qui le disputent. Ouais, mais pourquoi alors On a dit de la merde sur la coupe. Parce que tu vois, la là, là, qui sont derniers du championnat, ils l'ont pas joué. Euh, la Juve Stabia, la Juve Stabia ne l'a pas joué non plus. Après, voilà, regardez après qui s'est carré en quatrième tour, il n'y en a plus une seule, quoi. Enfin... Il reste que de la CIB. Si, il y a la UV euh, réserve, mais bon, c'est la UV réserve, quoi. Okay. Bah, elle, est, elle est énorme, cette partie, euh, Roman Pic. Okay. Ça avance, ça avance. Voilà, Un début de saison euh, plus que correct. Beaucoup plus que correct. Euh, on est à peu près bien. Euh, c'est un petit peu mieux. On n'a pas encore fait de derby faire 0-0 à 2,31 d'XG à ce jeu quand il a décidé que tu perds, que tu peux rien faire. Ah bah ça. Le script, hein. Les xg, les fameuses x douilles comme on les appelle dans le jargon. Ah oh, mais ça c'est le match de la, la journée là, c'est Alors, est-ce que j'ai récupéré Palumbo, toujours pas Je pense que Pecorino, il va faire ses débuts. Si, si, Pecorino. Mec, avec les, avec les U20, il a fait 10 apparitions, 26 buts. Ah oui. Donc euh, il mérite d'être en équipe première, il a un potentiel intéressant et, et je pense que pour la série C, il a les qualités. Au moins pour rentrer en cours de match. Effectivement. Effectivement. Vu sous cet angle, ça peut marcher. Surtout contre Veterbeds. Si ça marche pour toi, t'auras qu'à dire, bah c'est la vie. C'était qui ça qui chantait ça Il vient du Milan. Ah. C'est Shinsekai et Peut-être, hey, tu. Hey. Ouais, hey. ça te connaît un peu. Eh hein. hey Benito, il est bon, hein. Attention, on dirait pas comme ça, mais il y a de la ref, hein. Il y a de la res <laughs> Mec, En vrai, je suis choqué que tu me sortes le titre comme ça direct. Qui chante ça Je me dis putain, mais. Hmm ah, mais parce que je l'avais écouté quand c'est sorti, et du coup, c'est comme ces le genre de musique qui te reste bien dans la tête. Parce que c'est de la merde. À la radio, ils te disent tout de suite, on retrouve, nanana, nanana. Donc forcément, comme j'écoutais beaucoup la radio euh, dans mes années fac en voiture, là j'écoute plus du tout la radio maintenant, mais ça fait une culture musicale. Alors euh, voilà. Hein, euh... non, je... la, la fun radio, c'est Kinvé, c'est des trucs comme ça. Hein. Ça y est, j'en ai assez. Ah ouais, les, les, les Kinvey, euh, tout ce qui est euh, les, les derniers sopra et tout, euh, t'inquiète, ça passe sur Fun Radio. Hein. Mmh. Bon, nous partons favoris. favori. l'occasion aux fans de faire la fête. Bon bah moi je prie pour ne pas me faire ouvrir le derche. Ça marche jamais, ça, quand tu donnes l'occasion aux fans de faire la fête, les, les joueurs ils s'en. Oui, ils s'en battent la race. Hein. Ils s'en foutent qu'il y ait des supporters, en fait. A la rigueur je te dirais que ça peut peut-être toucher le mec qui est là au club depuis longtemps mais... Ouais. Mais je t'avoue que oui, c'est. Ah non, quand je joue dans des stades vides alors tu vas pas me parler des supporters. Non mais même dans des derbys, des fois, tu le mets et les joueurs sont pas de la race. Ouais, Donner une occasion aux supporters de faire la fête, pas bah, se, ouais, ok, bah, c'est cool. Ouais bah et pourquoi nous on ferait pas la fête d'abord On a Piccolo dans l'équipe. Oh Emmanuel so. Emmanuel so. Emmanuel. Je déteste ça quand tu vois un joueur qui fait un jeu magnifique, il dribble trois mecs et il arrive face au but, il tire à 4 mètres de la cage. Qu'est-ce que tu me fais Daniel Qu'est-ce que tu me fais petit Daniel, Daniel. Là, t'es revenu dans FM20 là T'as tenté ta chance oui. dans un endroit où c'est pas possible que ça rentre. Là c'était la centre, c'était le centre, tu cherchais quelqu'un, tu, tu... Il a fait une club pro. Non mais là, 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 mais là tu cherches quelqu'un, là tu, tu cherches pas à frapper dans un angle aussi fermé. C'est un angle à 90 degrés, tu ne peux pas marquer. Ou alors le gardien est vraiment con comme une bite. Ah, attention, allez. ça peut arriver aussi. Hein. Coup franc lointain, Penalty voilà, évidemment, allez. Voilà, passe pour Reginaldo, la réexceptionnelle du gardien. Ah, le derby, je pense qu'il sera pour la semaine pro, hein, du coup. Ça a été décalé. Hein. Et c'est le but pour Casertana. Gardien qui ne plonge ah. même pas. Non, mais c'est bien. Penalty, le gardien reste au milieu. Mais Bobby, c'est la crise. Ouais, ouais, je pense que je devrais poser ma démission. Je sais pas ce que tu en penses. Bah, je pense qu'il faut, faut changer de tactique. Hein. Ouais, je pensais à la tactique faire... aussi. Ouais. Tu sais, quand c'est comme ça, il faut se faire aider. Hein. Ouais, je pense aussi. Non, mais Les je vais te pas... un... but refuser. But refuser. Je pense que c'est la crise. Non, mais par contre... C'est possible de vraiment prendre autant un bouillon sur une contre-attaque. J'ai pas l'impression de jouer haut. Hein. Moi je joue haut, donc euh, voilà. Et je sais que je devrais pas jouer si haut avec une défense si lente. Mais non Laisse le petit Daniel marquer Le gardien était battu, l'autilard pousse sur la ligne, mais non La choupeau non, mais ils veulent pas qu'il marque, c'est pas possible. Daniel il Malvini, les stats foirés. Yeah. Pioli en pleurs. Il a lâché Koumoun, mec, c'est pas possible. Oh, Piccolo qui passe. Piccolo L'ouverture du score Je te jure, mec, il a lâché Koumoun. La Moumoun. Vous avez souvent la passe PES, moi, il tire toujours comme des veaux. <laughs> ouais, ça arrive. En vrai, ça arrive. Ça arrive beaucoup plus que dans le vin. Mais des fois ça arrive qu'il tire encore comme un veau, oui. l'expression tirer comme un veau. <laughs> T'appelles bien Marco toi aussi. C'est le faux. Si tu gagnes pas ce match, je vais, je vais te ban avant, tu vois, mec. Wow. A que... ton avis, depuis qu'il est là, j'en gagne pas un <laughs> Allez Jack West Vas-y bordel C'est un génie <laughs> Ah c'est un génie mais c'est ça, mais depuis qu'il est là, j'en gagne pas, hein Oh, le génie Mais t'as pas ta sœur à aller baiser, mais casse-toi <laughs> Mais non, t'as pas dit ça <laughs> Le chat noir Oh la <laughs> vache, cette violence <laughs> Oh mon Dieu. Mais non, mais depuis qu'il est là, je n'en gagne pas hein. Il faut qu'il soit là tout, tout le temps, en fait. J'ai bon jamais vu un mec me porter autant la poisse. Mais toujours, à chaque fois qu'il ouvre sa gueule dans mon chat, je perds. Ah, j'en veux plus. C'est incroyable, c'est incroyable. Dans la famille génie, je veux Jog Brest. Hein. Putain mais c'est ma kryptonite quoi, je serais superman, ce serait ma kryptonite. Reste encore un petit peu. <laughs> oh la vache <laughs> Je pense que mes écouteurs ont bugué, je vais chumiter toi. <laughs> oh, <c 'est... rire> Attends, laisse-moi juste gagner le match de avant de venir. J'insulte de <laughs> trop. <rire> Ça y est, il est chez moi. Non mec, je gagne que 1-0, fais pas le con. T'imagines, il a, a d'ouvrir sa gueule, tu prends un but, mais mec. On a trouvé enfin la faille FM. Mais ah, but du bro, mais voilà, il est plus là, je marque. <rire> <rire> mais non, mais c'est incroyable. Oh, but de Pecorino. <laughs> La première du gamin, c'est sa toute première en équipe type. Ah, il, était, il était chez les jeunes. On le fait monter, on adore ces histoires-là. C'est terrible. Un mec qui était euh, performant avec les U20. On l'appelle en équipe première. Et il marque. Ça rappelle un certain Marvin Martin. Wow. Sa première sélection en équipe de France. Oh là là, le poteau. Oh, l'équipe, oh, on est solide. On est solide. Ah, Pecorino, je vais l'amener au moi, je pense. Après, tu peux continuer à faire des matchs nuls. Le job reste. Faut le ban, mais je vais le ban, hein, je vous jure. Mon, mon match est fini. Tous, c'est Jackie. <laughs> oh, je vais prendre un but. Tous, c'est Jackie. Non, je prends un but, c'est pas out. possible. Sérieux Oh La Bobby Parodie, ce match. C'est une parodie, ce match. J'ai pas de pouvoir, je vous le jure. C'est une parodie ce match. Merci Thiago de la Vega, quatrième mois d'abonnement. Merci beaucoup Thiago. Ça commence à faire un petit moment que tu nous suis, Thiago. Merci. Je pense qu'il a fêté ton match nul avec un sub, ton défaite avec un sub. As choisi ton camp go katane palermo tapis oh Marco qui fait <laughs> oh la vache c'est un malade c'est un grand malade je crois que c'est dit génie. après la véro après la véro quoi, qui a été soulevé en italie Ah, moi aussi, je crois que c'est du génie. Oh, il... il parle plus, Jax. Il mmh. est tout timide. Bah, tu gueulais, et là, tu es tout timide. Je tente un truc. Je ne pas se casse de toute façon. On n'est pas après. Ça casse ou ça passe. De toute façon, dans tous les cas, c'est une défaite si ça passe pas. Donc euh... ah, après, qu'est-ce qu'une défaite Je vois les stats, ça me rend ouf. Oh, mais... Ils ont, euh, ils ont euh, Zivkovic au goal. Hein ah ouais. ils ont deux tirs cadrés et deux sont au fond. C'est ça le football à l'italienne ils n'ont pas existé du match ils gagnent mais c'est incroyable mais Après, vrai l'Italie a bien gagné la coupe du monde 2006 comme ça n'existant hein. pas ouais bah, tu m'expliqueras <laughs> on va relancer une bouteille à force hein. ça va euh, vous allez en prendre plein la gueule les mecs hein. c'est pas normal un nouveau sponsor cristalline <laughs> j'ai vraiment l'impression que tu n'es pas carbo car car mec c'est open bar c'est ouvrez tout on passe bah mec, j'ai eu trois défaites d'affilée. On est à deux, hein? Je pense qu'on a la ratio. Hein. Ouais. C'est ce que je ferais. Je euh, ce qu'il faut retenir dans cette journée, c'est que Barry a fait match nul. Par contre, là, tu offres euh, à Casertana <laughs> ouais, euh, le boulevard. Quoi. Mais c'est ça, mais depuis qu'il est là, j'en gagne pas. Casertana. Hein. En CIB. Oh, mais... C'est serré quand même les gars, c'est ultra serré. <laughs> il y a une, une petite vague de sel. Bon, voilà. Comment ça il y a une vague de sel Non, je viens de regarder le, le clip. Bon, voilà. <laughs> et, et franchement, c'est sorti tellement. <laughs> Attends, est-ce qu'on peut juste m'expliquer quelque chose C'est là où le jeu pense qu'il y a un problème. Si, si, il est mécontent. Ah non, ok, c'est parce qu'il euh, devait être utilisé comme milieu axial et que j'avoue, je le mets milieu offensif. Je l'ai mis en box-to-box -box aussi. Et genre, tu vas pas m'emmerder parce que tu veux milieu axial et que je mets box-to-box. Tant -box. qu'il joue, tu vas pas m'emmerder. Bah oui, Carl Grimms, laissez-le jouer comme il veut. Alors, il arrive, il dit euh, Pourquoi euh, il joue beaucoup Son poste est-il si important que ça Allez, tiens. Écoutez, nous entendons bien, faites-le pour moi. <laughs> bah ben, non. Ça mène à rien, on en reste là. Bah ben ouais, ouais, en fait, t'as pas ton mot bon à dire, chacun son équipe, non <laughs> Tu vois, peut-être pas ça. T'arrives, tu lui dis Casse-toi ta gueule de con, quoi. Ben, c'est ce que j'ai dit. Daniel Maldini. Eduardo, merci. Il est libre. Il être à ma merci. Le clip de Marco. Euh, ouais. On choses... va pas mettre ça dans, dans l'intro. C'est des choses qui arrivent. <laughs> Je sais pas si c'est très friendly comme euh, Waouh après c'est joke breath tout est permis. Je pense que je devrais régler mon chat en, en interdit au moins de 18 hein, enfin mon live. Ah parce qu'il y a encore un qui va arriver, il va dire ah mais on peut pas regarder ça en famille. Non mais c'est vrai hein. Bah oui. Au moins c'est prévenu si je mets euh, si je mets euh, Twitch euh, interdit au moins de 18. Arménie, 5 à 6 semaines, la tendinite. Ah, ils sont bons, les petits Italiens, mais ils sont surtout très fragiles, j'ai l'impression. Voilà, Jérôme, tu as raison. Et Jérôme, euh, tu vois, au début, il était comme Marco, il était tout gentil. Et là, Jérôme, il a pété les plombs. C'est est, est le frère de Marco. Les deux, là, ils sont convertis et ils sont intenables. Ah, oh, de toute hey. façon, Jérôme, depuis qu'il a été intégré au club pro. Ah, c'est le produit maison, là. Ah, bah, il rien <laughs> qui va, là, c'est foutu. Hein. Il a été formaté. Hein. Jeu FM21, Peggy18. Ouais, c'est ça. Le petit Daniel est efficace. Alors, Thomas, je crois euh, que tu. Oh, je sais pas, on va laisser l'intéressé répondre. Je sais pas, en fait. Le petit Merci Daniel n'a Daniel. pas de chat. Voilà. Parce qu'en vrai, en étant objectif. Si on regarde sa saison, ça peut être, ne pas être ouf, mais il en aurait, il aurait déjà mérité au moins 4 passes d'essai et au moins 2 buts. Ben, 0 but, 0 passe d'essai, ça veut tout dire. C'est juste qu'il y a des connards qui, tout, tous ces petits caviards qui il met, ils les foutent sous les poteaux ou les barres. Donc après, <laughs> c'est compliqué. Mais laissez lui du temps. Donc vous dites que ça serait la faute des poteaux, c'est ça Oui, c'est des poteaux aussi, qu'ils plongent des poteaux. Mm. Non, mais après voilà, laissez-le laissez tranquille. Il est complètement malade. Le mec, ça fait qu'un mois qu'il est là, on lui met déjà toute la pression du club sur les épaules. Non. Moi, je dis non, c'est non. Après, il y a noter qui a un but de plus que lui. Bon, ça fait mal. Aïe, 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 Daniel Maldini au niveau de C'est juste le temps que ça se débride. Voilà. Ouais, voilà, elle est bien bridée. Hein. Quand ça va y aller, ça va y aller, hein, je vous le dis. Hein, je vous le garantis. Pourquoi euh, a... tu as toujours qui là Je sais pas. Le potenza. La, potenza. La Potence. Et moi, je me déplace à Turis. Ah, septième. Le Juventus de Turis. 7ème. Quand on retrouve Marco dans le club pro, ben ça, on sait pas. Toi que t'es viré, t'es viré. Hein. Euh. euh Turis, Super. Les derniers ne sont pas gentils, ils font qu'arrêter ces tirs. Non, mais c'est ça aussi qui est l'idée de plonger. Ouh, Viber baiser. Viter baiser. Elle <laughs> <Ottenza, rire> est baisée, elle est baisée. C'est quoi C'est 0 tiers, non Ouais. Oui, bah, vu mon niveau actuellement, c'est 0 tiers aussi. Hein. Peyton, Tonucci, Pellegrini, Zanchi. Par contre, j'ai l'impression que dans ces FM, ils, ouvrent, ils permettent vraiment trop aux joueurs de pouvoir ouvrir leur gueule. Oh, tu peux les... Moi, franchement, il n'y a personne qui me parle. Hein. Ah, bah moi, mec, armé, hein. mec, ça conteste la tactique, mais de ouf, quoi. C'est genre, on devrait pas jouer comme ça, on devrait plutôt jouer comme ça. Mais, mais niquez-vous Mais oui J'ai juste envie de leur dire, mais niquez-vous C'est pas vous qui faites l'équipe Ah, mais c'est incroyable! Je ouais, Palombo bah, est, est inquiet de pas jouer à son poste. Ok. Babobie! Il hey, est tout en blessé, le mec. Oh. Il de 10. Genre mec, tu vois, cette formation pourrait nous rendre vulnérables en défense. Ils sont tous préoccupés. On joue Potenza. On est à la maison. Ils veulent pas que je mette 5 euh, défenseurs non plus. Comment ça, Pirlo n'a même pas son vrai nom Ah ouais Sérieux Après, nous, on a, on, a, on a mis les vrais noms. Ah, vois, non, fait des, pas moi. J'ai mis des correctifs. Bah si, Andrea Pirlo. Voilà, zèbre. Bah zèbre, ouais, c'est Andréa Pirlo. Hein. Ouais, Andrea Pirlo. Parce que ton jeu serait pas craqué, toi. Mmh. Alors, euh, chaque aff... qu'est-ce qui se passe Il s'appelle comment ton Pirlo chez toi Parce que moi, c'est bien Pirlo. Hein. Parce que dans mes souvenirs, même si c'est la Zèbre, c'est les vrais noms des joueurs. Hein. Faut pas déconner non plus. Hein. Alors, dis donc. N'aurait pas fait des petites Est-ce qu'on est qu aurait pas. Ivan Piazza. <laughs> Ça se trouve, Pierlo s'est fait virer et t'as un autre mec. Qui... Non. 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 Il y a sa photo. Bah Il est chelou ton jeu. Ah, ok. Pas du staff. Non, mais. Euh... Comment vous moi, justifiez qu'on qu a Pirlo du coup Moi j'ai mis le correctif des vrais noms, donc... Que... Euh, pas moi. ouais Bah non, moi c'est série italienne. Euh... J'ai zèbre. Ah, j j zèbre euh... Non, moi j'ai rien changé. Hein. Si je vais voir et qu'il y a 13 aigué dans le staff, ça va chier. Hein. Alors, c'est pas le vrai staff. Vous m'expliquerez comment il peut y avoir Nedved. Bah vous. Tudor. Orsini. Ah mais mec, il euh, y a très aigué. Non non, il y a Storari. Oh, oh, racontez pas de conneries non plus. Franchement, je sais pas ce que vous faites avec vos jeux les gars. Je sais pas ce que, vous, là, je sais pas ce que vous branlez non plus, mais il y a un problème. Hein. Sur le sur le darknet là. <laughs> Parce que moi j'ai des vrais noms et j'ai rien touché. Hein. Tu mets le correctif des noms après avoir commencé la partie, ça reste les faux noms. Peut-être le répéter, mais je n'ai mis aucun correctif. Ouais, toi t'as rien touché. Je n'ai rien touché, le jeu est brut et de pomme. Pour, et, et pourtant c'est bon. D'ailleurs, je regrette de ne pas l'avoir fait parce que ce zèbre ça me perturbe. Ah moi j'ai tout mis, hein. moi c'est la Lega Pro Girone C Bon, ça je m'en fous, hein mais. Oui, mais j'ai pas la coupe Euro et la Coupe des Champions oui Parce que quand, on va, quand ouais. on va être en Europa League, ça intéressant. Ça, je t'avoue de... que je m'en fous aussi, mais... Ah ouais, moi j'aime bien. C'est plus le, le, le nom de l'équipe. J'ai tous les vrais noms d'équipe, parce qu'en Espagne, c'est les faux noms aussi. Hein. T'as Real Hispani, c'est comme ça. Bah Bobby... Non mais oui, j'ai rien touché. J'ai le staff de la UV qui est normal, hein. Est-ce Est que des fois peut-être que vous avez cliqué euh, staff généré automatiquement ou des fois ça fait des bugs hein, quand tu fais ça mmh, C'est possible ça. Ah ben j'ai pris un but sur Koufra en direct, quatrième minute ouverture du score de Toulouse. Ça c'est possible. Ah je joue le Milan. Le mec il joue en... avec le milieu du Milan. Oui. Ça Ah le Passenza. Ouais. ou Passenza. Ah peut-être plus Bologne que Milan en fait. J'ai rien touché, ça me dérange pas. Perso, bah, c'est un petit peu bizarre que vous n'ayez pas les vrais noms. C'est dommage. Hein. Oui, c'est dommage. Pour le coup, euh... c'est sûr à 1000% que dans le jeu de base. Ouais, ouais. Bah, ah, mais On bien. vous croit, hein, moi, j'ai n'ai jamais, jamais fait gaffe. Parce que non seulement je ne joue pas avec la UV, et puis euh, j'ai mis des correctifs. Je ne pourrais pas vous dire. Et but de Valente et vous pouvez pas me dire à, à 1000% que c'est sûr, puisque je n'ai rien touché sur le jeu. Et toi, c'est bon. Donc, vous Après, pouvez pas. T'as peut-être peut ma DB Je sais pas si ça marche comme ça. Je sais pas en vrai. Bah non, tu as UV toi, et moi j'ai Zèbre. Ouais, ouais. Ça n'a aucun... aucun intérêt. Ah. Je vérifierai de mon côté, mais. Le petit Daniel. Il a marqué, ça y est. Toujours penalty. Mais je m'en fous, il a marqué. Voilà. C'est pas trop tôt. Ça peut me mettre en confiance. Je vérifierai de mon côté. Je lancerai une carrière. J'irai à la Juve. Enfin non, j'ai même pas besoin d'aller à la Juve. Je... Et ça sera tweeté. Les mecs, ils réagissent jamais. Je fais, des... je, 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 je dis des trucs à la causerie. Les mecs, ils sont tous en mesuré. Je peux parler, je peux les insulter, je peux dire tout ce que je veux. Pff, aucune réaction. Wow. Je, peux, je vais leur pisser dessus la prochaine fois. <laughs> le mec extrême, tu sais. Allez, vous mouillez pas, vous mouillez pas le maillot. Lélicovite dans le vestiaire. Allez, ça, ça mouille. Wow. Ah ouais, attends. <laughs> direct, direct, Lélicovite. On a vu des coachs énervés mais là C'est chelou votre truc C'est très chelou On va voir c'est ta qui prend le dessus Je pense pas hein ça est... ce serait surprenant. C'est très surprenant. Je confirme, j'ai zéro patch, j'ai ni Nedved, ni, NetVed, ni tréségué rempli de la bouteille de piss <laughs> Pour les causeries, j'ai le même problème. Ah putain, ils ont marqué un coup franc direct et c'est tout. Et voilà. Et c'est tout ce qu'on a du match. Et eh bien dit donc, ça devient de pire en pire la UER. C'est vraiment business pour business. Hein. Et Slatan qui veut plus être dans FIFA. Hein. Je sais pas si t'as vu. Non, mais ça c'est de la com. Ça par contre, je pensais de la com. Hein. Le mec, il n'y a pas Là. si longtemps, il posait avec le... Oh, il petit Daniel Ah, les oreilles. Vous l'avez vexé Vous l'avez vexé Voilà Je l'ai vexé. Il est lancé Le petit Daniel est lancé Oh le hold-up de Turis les gars, mais franchement vous avez pas de race Cinquième minute, ils mettent un coup franc Et puis après c'est le bus Non, laissez JugRest, oui attention, je le ban euh, Il a offert une play, il a pas offert FIFA il a acheté une PS5 à tout le monde, euh, Zlatan. Mais je crois qu'il y avait FIFA dedans, non Mais de toute façon, Zlatan, ah ouais, c'est le tweet où il dit que FIFA, il a jamais demandé d'être dedans, non C'est ça Ouais, apparemment, ouais, d'où vous utilisez mon... mon image pour faire de l'argent, nanana. En fait, ce qu il, va... il va prendre un chèque et puis c'est tout. Hein. Mais genre, c'est enfin, quand même le mec qui recevait des cartes... Euh... Enfin, Mais oui, qui posait, hein. Qui posait avec les cartes dessus, enfin, quand il était... Quand il était joueur de la semaine ou je sais plus quoi, c'est de la com. Je pense que c'est un truc de com qui va tomber dans pas longtemps. Parce que même Gareth Bell, je crois, il a répondu que c'était intéressant <laughs> comme démarche aussi et tout. Ils veulent leur chèque. Ils attendent le chèque. Et pas diabaté. Hein. Après, moi, perso, s'ils font, font couler FIFA, ça me dérangera absolument pas. Ça, <laughs> ça les remettrait à leur place. Hein. Pour ceux qui savent peut-être pas, mais FIFA est quand même dans, les, dans, un, dans un mode un peu illégal. C'est vrai. Les jeux d'argent. Parce que tu n'as pas le droit de, de dire aux gens. Enfin. Il y a des systèmes comme ça, des gachas ou. Où... Ce que FIFA, c'est en, en quelque sorte un gacha. C'est tu packs, euh, tu packs, ah, mais vrai, voilà. C'est du loto. Mais, le principe du gacha, c'est de savoir ce que tu peux packer. T'as des pourcentages et de chance et dans FIFA ça, tu n'as aucune, c'est aucunement sur, ce que tu peux avoir. Euh, sur c'est pour ça qu'ils ont fait le système avec des ballons dorés etc où tu peux avoir euh, disons 10% d'avoir une grosse carte. Non mais voilà c'est ça et dans FIFA tu n'as aucun pourcentage. Tu ne sais pas ce que tu peux drop. Donc en fait ça peut être truqué et c'est ce que je pense. Donc pour l'instant FIFA un peu chat que personne ne mette réellement le nez là dedans ils sont oui ils sont déjà dans un bourbier sans nom. Euh en Belgique et aux Pays-Bas. Mais quand ça va commencer à taper un peu partout, ça va faire mal. Parce que là dans leur pack, tu peux choper tout et n'importe quoi. Ouais ouais, c'est truqué. C'est les tickets à gratter hein. Ah, ils ont mis maintenant Bah, j'ai pas vu. Hein. Ah ils ont mis des pourcentages pour les packs. Est-ce qu'ils ont à pas jouer leur meilleur rôle Sûr que si vous jouez vos meilleurs rôles, ah, tu, les... tu peux pas les... Faut appuyer sur R3, ah, j'irai voir, tiens. Ça peut être intéressant. Ça existe, c'est pas ça le problème. Tous les cas, ça reste des jeux d'argent. Enfin, moins 1%, oui, déjà 1%, c'est une douille. Hein. Après, si tu veux rendre FIFA faire, tu viens les points FIFA. Ah, mec, euh, quand t'es un vendeur de jeux, tu peux pas retirer le truc qui, qui est payant. <laughs> oui, oui, on est d'accord. Parce que j'ai quoi si hier j'ai regardé la vidéo de Bruce Granek qui en parlait de ça tu sais que les joueurs étaient dans l'abus méta et tout où tu passes à travers le joueur avec des dribbles ouais, techniques je l'ai vu quand c'est sorti ça et euh, tu te dis mais oui en fait euh... c'est chaud quoi enfin, je... que les gens préfèrent gagner en n'ayant pas pris de plaisir que l'inverse tu te dis c'est chaud Pioli souhaite parler du prêt du petit mais mais, mais, mais laissez-moi le jouer comme je veux ne joue pas au poste de milieu offensif comme convenu. Mais c'est pas un milieu offensif <laughs> On va en parler avec Doutsi dans l'Hebdo. Ah, c'est cool, là, vous avez Doutsi. Ah. Doutsi, là, ça va être grosse... D'achat-revente. Euh... Gros, euh, gros invité, là. Il pèse un peu sur FIFA, le bonhomme. Ah oui, bah oui, oui. Je te dirais même euh... une rêve d'achat-revente. Moi, c'est pour moi une rêve d'achat-revente. Ah c'est une grosse ref. Euh... Je joue Ter Nana. Je joue Paganese, Donc, le club de de mettre Nana Welbeck titulaire. Ah quand le drou sur les deux des managers. Ouais mais ouais mais on en a parlé la dernière fois. <laughs> mais je sais c'est pour ça que je parle. <rire> 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 ouais il y a eu le derby ouais. <laughs> ah. Non mais... Ah. On va peut-être pas en parler. On va peut-être pas en parler spécifiquement. Du On va peut-être pas en parler, ouais. Psst. Je comprends pas, je te jure. Je... Maintenant, ils sont contents. Cette formation pourrait nous rendre vulnérables en défense. Ils sont contents. Pas. Vraiment des trucs fait, je je pas. vois pas quel poste il veut jouer en fait. Il est inquiet parce qu'il n'est pas à son poste, mais dis-moi lequel c'est ton poste. Tu veux jouer où Comment je sais à quelle place il veut jouer, le mec Je mets le maximum d'étoiles, c'est ça c'est le rouge c'est bi <laughs> je te jure ça rend fou tu fais jouer des joueurs à un poste peut-être qui est, qu est pas celui qu'on t'a demandé mais qui sont bons bah ben oui ils sont bons bon les stats elles parlent d'elles-mêmes hein. encore tu le fais jouer euh, milieu offensif il est milieu centre bon bah il est pas bon ok il y a une logique mais si le mec tu fais jouer milieu offensif et qu'il perf où est le problème il a du temps de jeu il est bon euh, nique-toi en fait Oh. Je ne peut pas dire ça à Pioli quand on est en entraîneur avec un diplôme de merde en série C. Quoi. Moi, je demande une nouvelle fonction. Ou en réponse, tu peux lui dire nique-toi. <laughs> bon, T'as déjà mis euh, journaliste de merde dans une autre interview. Hein. <laughs> Le screen était parti. Hein. <laughs> non, mais attends, attends, attends. Le mec, il vient de donner des cours de coaching. T'aurais dû répondre, mais nique-toi en fait. J'aime pas de la Tessie, mais le beat est bon, tu vois. enfin Est-ce que je perds contre Ternana ou est-ce que euh, on est plutôt pas mal Alors si tu pouvais perdre, ça serait plutôt sympa. Mais je viens de perdre contre euh, Turis. Non mais il faut, faut continuer. Oh mais là je suis à la maison. Ouais, mais bon. Oh, t'as pas besoin de ça. On n'est pas en concurrence directe. Non, mais juste pour, euh, pour que tu sois pas en grande forme pour le, le possible derby après quoi. Oh, le derby il est dans longtemps oui je sais je sais bien que tu sais excusez moi d'avoir repoussé un derby moi je le repousserai à mon tour t'imagines on le fera la saison prochaine <rire> <rire> mais tu sais que ça c'est des trucs je sais pas s'il y a des trêves non normalement il n'y a pas de trêve euh, internationale en décembre Alejandro Marquez! Mais c'est des trucs, ça se tu peux repousser hyper longtemps. Mec, il a né un neuvième but de la saison, il est inquiet. C'est <laughs> juste un monstre. Il est inquiet depuis qu'il est tout petit. Il est pas mal en vrai, Marquez. Pour la série C, c'est une bonne pioche. C'est pas le mec du bêtise. Ah non, tu l'avais au Red Star, pas au bêtise. Le petit Daniel! Ça y est, voilà. C'est qui? l'ouverture du score ah mais vous l'avez vous l'avez vexé hein, dans le chat hein. ouais il en est où il marque pas non je crois qu'il est vexé il faut du temps pour naître pour s'épanouir J'aimerais bien mettre le deuxième et après on va faire la stratégie, c'est-à-dire le bus. Le doublé du petit Ariel. Ah non, il est hors jeu. C'est une blague. <laughs> non, il est hors jeu. Ah ouais, puis il est bien hors jeu. Non, mais vous, là vous l'avez vexé, là. Là, il va, là il est parti. La là. Là, telle de phoenix, il a étendu ses ailes. Si, si. Simon phoenix. Vous, l'homme des cavernes, <laughs> on va vous remettre dans votre frigo. <laughs> Et Cortinovis pour le 2-0. Mais lui aussi, il est lancé. Hein. Allez, Palumbo, le long ballon. C'était une grosse merde, Palumbo. Waouh. Alors, ça, non. Ça, c'est non, Benito. Moi, je t'ai dit que je veux te faire jouer mi-offensif. Tu vas jouer mi-offensif hein Oups, ça aurait failli faire mouche, ça mouche et mouche, c'est moi. Salut, Marcus! Et pourquoi on se joue pas comme ça plus souvent, les mecs? Mais... Mais au jamais mec, je suis sûr, hein. point faible. Le but de Clayton, il a marqué dans le bon camp cette fois-ci, c'est mieux. Ben, ouais. Bien sûr, Marcus, on est là, on est en famille, on pose des questions, euh, questions-réponses. Après, il faut pas que ça soit trop. Euh... C'est quoi ton skin Et surtout, est-ce que tu baisses Ah euh, Ouais, les oh, bon. questions comme ça, voilà. Moi, je vois le clip de la sœur et puis c'est tout. C'est un peu violent, ça. C'est un peu violent, quand même. -toi, là, je... Non. Oh, ça l'a kiss qui a failli marquer. Salakis. Ah euh, le Vrikis. L'espoir. Boîte de réception. Oui. Ceci n'est pas une question. Veuillez reformuler, En appuyant sur la touche étoile. Comment faire pour ne pas être obligé de cliquer sur les messages pour les voir Oh le but de Marco GG Marco Je, répéter la question. Euh, je vais te montrer, Marcus. Je pense savoir ce que tu veux dire. Et ben, je vais te montrer quand j'y serai. Ah, je suis un le survol. Premier but. Merci, Marco. Le retour en club pro. On le remettra, Marco, si vous voulez. J'ai l'impression que ça, ça perturbe un peu Jérôme de ne pas le voir en club pro. Alors regarde, tu as plein de messages, imaginons que tu as 80 messages et que tu as tout ça à passer, que t'es pas envie de les voir un par un, tu vas ici, tu cliques, tu marques, tu mets marqué tous. Marquer tout comme lui. Je pense que c'est ça que tu veux dire. Alors je, je sais pas si, si c'est exactement ça. Ah ça mais il y, y, y a trop de Marco il y a trop de Marco, il y a Marco, il y a Marcus, il y a deux Marcos. Non mais les gars, Ah, ils s'appellent tous Marco, de toute façon. Ah oui, c'est des clones. Et Kazertanak a perdu, hein. face à Turis, le championnat relancé. C'est quoi championnat, et mec Et Mais... où toi Ah oui. C'est quoi championnat Oh là là Il y a un point d'avance. Casertana à un point d'avance et du coup tu n'as plus de matchs en retard par rapport à eux, mais moi je vraiment euh, pas bien me placer en fait. Je veux les survoler et les voir sans cliquer. Bah, avec la barre d'espace. Oui, avec la barre d'espace, oui. Et là, tu fais ça. Barre d'espace. Bon là, ça n'a pas marché parce que j'ai pas de message à lire. Mais barre d'espace, ça va lire tous tes messages sans faire des clics. C'est barre d'espace, tu appuies tac, 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 tac. Vaut bien un petit clic, une grande claque. Hein. C'est le tuto en direct. En fait, je veux les survoler et les voir sans cliquer. Mais fais-le la barre d'espace. C'est le compte secondaire de Marco. Mais what? Oui, oh, il a un compte secondaire. C'est du... Du... du bullshit oui. Merci Marcus bah, N'hésite pas à laisser des commentaires J'ai l'impression qu'avec Avec F4 ça va plus vite Merci <laughs> <laughs> radio. <Aurélio>. Merci French <laughs> La French La French c'est la French Attitude qui nous engouit. Il y a juste deux Marco. Oh, il y en a plus que ça, parce qu'il y a Marco Barbarus aussi qui nous suit. Pirlo est mécontent de l'accord de Marques. <laughs> mec. Ouais. Devez... Mais mec. Il est utilisé en Renard des Surfaces Il y a un bug là-dessus. A demandé à vous parler afin de savoir pourquoi il n'était pas utilisé dans ce rôle quand vous avez convenu. Nous vous avons convenu que Marquez devait être utilisé principalement comme renard des surfaces. Regarde ma tactique. Il est RS. Il est renard des surfaces depuis au moins six matchs. Mmh. Allô, Marquez a marqué sept buts en 13 matchs. Et tu l'as acheté 8 millions. Pas refusé c'est de ma faute, je vais m'en occuper. Bah ben ouais, ben c'est normal, c'est ce que je suis déjà en train de faire. Tu veux pas que je te suce aussi On va dire peut-être pas non. Bah hein. mmh. ben, il a très aigué pour ça. Oh, très aigué, il suce la barre lui. Hein Il suce la barre très aigué. Ouais, c'est vrai. <laughs> ah On n'aura pas Benacer face à la Fiorentina. Vive Montpellier Mais toi, tu viens d'où oh, Marco26, ça vient pas de Montpellier ça. Marco, tu cherches. Euh... Quoi, il cherche des infos comme ça? Ouzbek. Bah, laisse-le faire son date. Tu cherches un date? Un oh, Marco. Faut la finir, allez! C'est accoutumé! Tu sais quand ça? <laughs> Ouzbek. Ça va avancer la vérité si je mens, l'Ouzbek. Hum. Mm. Le soldat. Il y a vraiment Ibrah qui a dit, Chelsea ne peut pas me faire signer, j'ai gagné plus de trophées que Chelsea, ça serait plutôt à moi d'acheter Chelsea. Ouais, ouais, j'ai vu ça. Mais, enfin. Ouais, c'est violent. Il va un peu trop loin. C'est 20 qui a marqué, Marseille. La cote qui augmente, signé à Milan. J'ai vu que le soldat de West avait pris faire. Non. En vrai, non, c'est soft. Ah ouais Ouais. D'ailleurs, il se pourrait que depuis cette, cette agression, on ne le voit plus. Bah, jockey. Il est peut-être vraiment allé faire. Hein. Oh. Ah, ben je joue pas là, tu vois, je me repose pendant que tu vas jouer la vie la vie bonnaise. Ouais. On va pouvoir euh, regarder l'équipe du petit Daniel en direct. Da, 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 da. Non mais Jack Mais Piolyme est content du Je jure, je vais t'enculer toi. Oh Pff. Rejeté. Ok, je comprends votre situation, c'est à peu près tout dit. Ok, ben voilà. Oh, mais laissez-nous, on peut faire jouer les joueurs comme on a envie. Merde. C'est excessivement énervant. Ben surtout que si encore ça marchait pas, je veux bien. Mais ben oui, mais ça fonctionne. Bon, eh bien, on va assister. À Palerme, face au 18e c'est assez euh, déséquilibré. Il y a une belle affiche entre Avellino et Bari. Attention à Casertana qui se déplace à terre, Nana. Un duel de Nana. Alors, ça a donné quoi le derby <laughs> Salut Susu, Sullivan. <laughs> euh, c'est plus la Vérose, Jackie. Ça a donné quoi le derby, Jax moi, je sais pas moi oh, tu sais pas bah je sais pas je comprends pas bon, bah, moi je suis arrivé pour, pour jouer le match on m'a dit il a reporté je, je, je pas compris c'est toi qui l'a reporté c'est quand même pas moi je suis... écoute truc... moi je suis sorti de soirée on m'a fait on m'a montré un papier je l'ai signé c'était pour reporter le match écoute bon voilà ah, chose qui arrive Donc, nous avons Nicola Rotti, Valente, Cortinovis, Maldini. Tu le mets à droite, du coup Oui. Il était à gauche avant, non mais Il est meilleur à gauche, mais je ne mets pas Valente à droite, en fait. Enfin... Perini, Bro, Antonelli, Marconi, Carboni, Soma, Ferrari. Attention à cette équipe de Palerme, ça sent le bon 0-0, à dit C'est possible. Ça serait plutôt intéressant, même. Elle euh, a une petite contre-attaque de la vie bonne. Oh Daniel. Allez, tu me le centres. Tu me le centres Allez, tout seul. Tu me le sens. Ah, oh, dommage. Manquait de patates. Ça manquait de patate Et boum oh, ça, Mais le gardien, mais il est... C'est une passoire. C'est le club pro. <laughs> C'est un peu ça. Il s'est couché avant. Et qu Zertana, qui tombe pour l'instant. J'ai l'impression qu'en fait, quand tu prends une défaite, tu prends un coup de bambou derrière. Ah, ça va être serré, hein. Par contre, Barry me repasse devant à égalité. Oh là là, mais c'est ultra serré ce, ce classement. Oui, parce que toi, en fait, ce classement, il t'apporte rien. Puis tu fais déjà deux matchs, j'avance. J'attends que tout le monde joue. Oh, merci, Sully. Sully, le grand malade. Merci beaucoup de soutenir la chaîne. Ça fait 15 mois. 15 mois 15 mois d'abo c'est juste hallucinant, merci beaucoup, bah, c'est le leader, le leader des abos Non c'est Marco, c'est euh, Sosa C'est Sosa, c'est ouais. mais pourquoi il a le numéro 1 là du coup C'est un fondateur, parce il a... oh il oh, est magnifique, oh il est magnifique But de Cortinovis La passe est magnifique, mais bro il se réveille, fait plaisir oh, La passe est magnifique le coach tournevis, ouais. pas mal. Hein. Il commence à rentrer, ça commence à s'entendre. Le, le trio devant avec derrière Routi, ça commence à marcher. Du coup, Routi marche un peu moins bien. <rire> Malheureusement, <laughs> Malheureusement Routi marche un peu moins bien. Routi. Peut-être sortir le petit Daniel parce qu'il est un peu cramé. Bah, bah non, Manon, voulait le voir en live. Ouais, mais... On a envie de voir les croisés, on a envie de voir le Tibia qui sort de la chaussette là. Ah. Violent, on, a ça. Envie de voir la, on a envie de voir la on 6 et de voir Maldini en larmes. Wow. Comme ça, Pioli il va t'appeler. Euh, je crois que t'as fait des codes à <laughs> On a détruit la carrière du petit Daniel, comme la Kishna. Ça s'appuie. Ça allez, allez, c'est si, bon. Carboni, s'est suspendu au prochain match. Ça va. Canoté, attention. Canoté, l'accéléré. Mais. C'est une blague. Mais. C'est <laughs> genre... quoi ce championnat Il n'y a pas de niveau. Mais, enfin, le mec m'a jamais sorti ça. Hein. <laughs> non, non, mais. On, on accélère pas. Oh, et on réaccélère. Genre, euh, j'accélère pas trop. Oh, et je réaccélère. <laughs> et le centre est si radical. Mec, il n'a jamais fait ça! Qu'est-ce que tu me fais, bonhomme? Merci au Murcia pour le follow! La mafia a chopé ta famille? Il n'y bon, a pas que la famille, là. On t'a dit, euh, si tu ne performes pas, on bah, t'a un championnat très défensif. Ouais, mais c'est vrai, c'est la vérité. C'est pas parce que eux ils prennent 3-0 qu'ils ne jouent pas en défensif. Tu vois, ils font 0 15. Après, vous pouvez regarder mes trois derniers matchs, ça commence à tourner très bien. Ben, moi, j'espère aussi. Oh, ça sent le quatrième, là. À moins que, au moins pour l'honneur, Yorges, George, l'attaquant, va l'obé. Pourquoi il s'y pas avant, tu vois Il laisse l'action jusqu'au bout j'ai vu qu'il était hors jeu bah tout le monde l'a vu qu'il est hors jeu c'est même plus un hors jeu là c'est enfin non mais post-attente en fait enfin il a pas fait du de revenir <laughs> bah mais voilà il enfin, y a un moment post-attente enfin je sais pas mais il s'est dit quitte à être hors jeu j'ai quand même envie de battre le gardien enfin ça il a pas battu d'ailleurs <laughs> ah, c'est Ferrari hein Péretti avec Barconi. Or jeu, j'ai pas vu, Mordeaux. Ce ouais. genre d'après MFM qu'on voit pas passer, ben merci. Je prends ça comme un compliment. C'est vrai que tu, re tu regardes par la fenêtre. Oh, il fait nuit. Ouais, Là, bah, on commente, euh... Il va déjà 18h. voilà. Ben, J'arrêterai à 18h euh, euh. ce soir-là. Eh bien voilà. Bah ben, GG, hein, victoire 3-0. Euh, ben, on a montré que tu étais une des meilleures équipes d'Europe. Ah d'Europe carrément hein, oui. <laughs> Ah oui Ah oui C'est pas extrême du tout Bah non mais Je joue Foggia. Foggia ils sont descendus 9 neuvième Ah vache Ouais ouais C'est parti fort Mais ça peut encore euh, Beaucoup bouger hein. Il y a encore pas mal De matchs euh... ouais, puis Oh je joue cas... Mec Je me déplace à Casertana aïe, aïe 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 Il faut les laisser gagner Notre dieu Fogia a pris 5-0 Quadruplé de Rocco et Kazertanak a pris 3-0 par Ternana. Oh là bas' Et moi j'ai mis 3-0 à Ternana. Bah ben moi je mettais 3-0 aussi avant de... avant de chuter. Euh, du coup oui, le, le leader euh, incontesté de, de le, le, le tout premier, il passe direct en série B. Il passe direct en série B, et puis de la 2 à la 10, on s'affronte. C'est un truc de fou. Palerme, très bien placé. Hein. D'ailleurs que je suis même pas sûr qu'on va s'affronter entre nous ou de la 2 à la 10 On fera des barrages avec les autres euh, équipes. Aucune idée. Que ça soit plus équilibré, je pense qu'on va rencontrer de... De... du groupe B et du groupe A. ça sera mixé. Je... Peut-être. Aucune... Ou alors tu fais les. Non, je sais pas. Parce qu'à 4, je t'aurais dit euh, les vainqueurs de chaque barrage s'affrontent ouais, ouais. en demi et le vainqueur des, des deux demi euh, en finale. Mais là, comme ça... Il ouais, y, y a possibilité qu'en barrage, on affronte des équipes qu'on n'a jamais jouées. Non, c'est possible. Je ne saurais pas te dire... Et on n'aura pas de référence. Gotti, est content de l'accord de Palumbo. Nous avons convenu que nous voulons l'utiliser comme Mezzala. Maintenant, c'est Mezzala. Bon, mais ok, hein. c'est ma faute, je vais le Je vais jouer Mezzala, mec. J'aime pas ça, les Mezzala. Tchabalala. Non, mais tu le dis, je vais pas modifier mon équipe pour un mec. Hein. Mezzala. Ah Intoxication alimentaire. Il chie partout. La jetouille. 6 jours pour une intoxication. C'est pas plutôt chaque poule qui envoie son vainqueur en barrage. Et ensuite, poule avec les trois vainqueurs. Ben on verra, on verra comment ça se passe une fois qu'on sera dedans. De toute façon, c'est une fois que t'es dedans que tu te rendras compte de comment ça marche. Hein.

Salut Andeva. Il est plutôt les trois vainqueurs en série B et de 2 à 10, des trois euh, s'affrontent pour la dernière. Mais c'est exactement ça, Musica. Alors, j'ai la réponse. réponse. Ah. Alors, comment ça fonctionne Attends, je vérifie quand même que c'est bien ça parce que. Ok, ça a l'air d'être ça. Ok. Ça a l'air d'être ça. Alors, tu as en fait euh, les playoffs. Donc, les, les équipes placées deuxième de poule sont directement qualifiées pour les demi-finales des playoffs. Donc, en gros, il y a marqué car dans le jeu. Ok, bah, moi j'ai ça, c'est la 2018-2019. Ça a peut-être changé, mais bon, ça t'explique le, le principe du coup. Donc, les deuxièmes de poule sont directement qualifiées pour les demi-finales des playoffs. Les équipes placées troisième et vainqueurs de la Copa série C sont directement qualifiés pour les quarts de finale. Mais là, il n'y a pas de COPA, donc ouais. Okay. <laughs> dans les playoffs de chaque pool, le quatrième est qualifié. Mais c'est peut-être pour ça, du coup, que ça start en, demi en quart. Vu que t'as pas de, de ouais. COPA. De Copa. Euh, dans les playoffs de chaque pool, le quatrième est qualifié. Oui, mais ça, on s'en fout. Et après, ça marche comment Oh, tu sais pas, en fait. Le vainqueur, Les deux vainqueurs des finales sont promus en série B. Les vainqueurs des finales. Ciao Aiglon. merci d'avoir été là cet après-midi. À bientôt. Bon, hein. les, les... les vainqueurs des finales. on verra une fois qu'on sera dedans. C'est l'X2, mec. Non. C'est l'X. Les vainqueurs des finales. C'est un sacré ce bull mec. C'est chiant Wikipédia, il n'y a pas tout qui est complet, il n'y a pas un truc un peu plus complet. Dans 2019-2020. Et sinon, Andeva, euh, euh, j'arrête le live à 18h. Donc euh, t'inquiète pas que... À 18h30, il n'y aura pas de soucis. On ira voir ça, Jérôme, bien vu. Les autres groupes de série C, on n'a pas, pas trop regardé. Après, ils peut être seulement aussi connus. Kazertana, je ne sais pas, on verra. Je ne sais pas trop, trop à quoi m'attendre. Alors, on récupère vite avec euh, Mazzarini, avec euh, Marquez qui va se. Pourquoi ça cadre pas? Ah bah. bon, en fait, j'ai l'impression que tout le monde se ressemble, se, re se regroupe, en fait. Et euh... et t'as deux finales. En gros. Ça va être un bordel. Et t'as les deux vainqueurs de finale qui vont en, en série B. Donc en gros, t'as six montées. T'as 6 ça... montées Ouais. Je pense pas en vrai, mais ouais, je sais pas. Bah mec, euh... saison passée, il y en a deux qui font la promotion des playoffs. Hein. On verra bien une fois sur place de toute façon. Allez, 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 on insiste et tout seul. Voilà Mazzarani. Ça fait un zéro. Aïe, 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 casertana qui pourrait plonger dans le doute. Bah, C'est bien. Hein si je suis deuxième, je serai direct en quart. quoi Pendant tout le monde ira se cramer. Et Barry. Qui qui concède l'ouverture du score face à ils, ont égal, ils ont égalisé. Ah bon bah. Ils ont ai l'air de dominer assez ce match, mais attention, il y a toujours des doutes dans ce genre d'équipe. Hein, je l'ai mis Metzala comme il demande, mais il est totalement zéro. Oh c'est c'est rouge. Est-ce que ça serait le premier rouge de ce live C'est <laughs> Gaetano vitali, qui a détruit Albici Foggia à 10 contre 11. Ah oui, la Foggia, tu joues. Oui. Ça fait plus peur comme au début de saison. Non, c'est vrai. Mais ce j'ai peur, c'est qu'un rouge dans ce genre de truc, c'est que ça blinde derrière et qu'il y a plus de match en fait. Ouais, c'est ça, c'est souvent le cas. Ah, oh, Marquez, t'as pas le droit, Marquez. Et John, il est pas là. Voilà. Et un rouge, il est pas là. Ouais. Allez le petit Daniel, voilà, tu la glisses, Almissi, il faut centrer. Que Golasso Refuser pour hors-jeu. Et pourquoi Pourquoi refuser Attends, il y a hors-jeu, on me dit qu'il y a CSC. Ah d'accord, ok. Là je comprends. C'est logique. Logique. Bah, si en jeu, il y a CSC. Non non mais en fait le... mon attaquant gêne le gardien et. Ah et oui, il ne peut pas plonger le gardien. Non, c'est logique. On ne peut pas créer au scandale oh, là dessus corino. Pecorino. corino, il est trop fort. Si vous envoyez un petit avertissement à la Fédé, ils vont faire monter les deux clubs siciliens à l'ancienne. Mais on n'a pas besoin de ça, nous. Oh, ça aurait dû être dedans, ça. On y va à la régulière. Et on va aller bouffer l'Europe. Ça aurait dû être dedans, ça. Moi, je oh, suis le pas rien de gagner qu'un zéro. Ça, c'est pour le petit Daniel. Non, bah non. <rire> <rire> oh, plus à côté, tu meurs. Non, par contre... Non, pas à 10 contre sur leur première occasion. Ah, c'est Parce que là, là j'allais crier. Et j'ai crié Le rôti, le rôti pour le petit Daniel Qu'est-ce qu'il va nous faire, le petit Daniel Est-ce qu'il va s'entrer Il va s'entrer Pour le bro Oh, c'est. ça fleur là-bas. Mais quand je vous dis que le petit Daniel n'a pas de chat dans ses passes des, c'est incroyable Quand le, le match nul à 10 contre là. 11, il va faire mal. Moi, je peux rien faire. Oh, je vais faire pause là parce quoi. On va pas faire match nul à 10 contre 11 tout le match. On me dit qu'ils sont rentrés, mais ils sont pas rentrés en fait. Tes joueurs Ouais, ouais. Ah. Il y avait un bug. Petit Daniel. Allez, le contrôle. Oh, le contrôle. Le contrôle est magnifique Vous avez vu ce bug, les gars Vous avez vu ce bug ou pas Et normalement, c'est 5 changements. Et on m'a compté deux fois. Deux changements. On m'a compté deux fois à et paille Je suis coincé, je peux plus faire de changements. Du coup, je suis bloqué à 3. Je suis bloqué à trois changements. Il fallait faire un petit message sur le forum Messi. Ah mais mec. Euh... <laughs> Mais encore refusé. Non mais hors jeu, hors jeu, hors jeu. D'où Même si c'est sur trois arrêts de jeu, j'aurais pu continuer à les faire rentrer. Il y avait pas d'autres arrêts de jeu. Non mais par contre, mec, d'où il y a hors jeu sur un coup franc, un corner. Mmh. Mais d'où Mais d'où Non mais faut, non mais faut arrêter, faut arrêter. D'où il y a hors jeu sur corner. C'est une blague. Non, non, je les ai pas fait un par un, les gars, mais il y a eu un bug, en fait. J'ai fait rentrer mes joueurs et ils sont. Ils, sont... ils étaient comptés comme rentrés alors qu'ils étaient sur le banc. Et j'avoue, hors jeu sur corner, je connais pas la vraie, la vraie loi, non. Sur les... Bah mais sur mec, hors jeu bon, passif ou quoi, je m'en bats la race. Mon dé... mon at... enfin, celui qui marque est derrière le défenseur. D'où il y a hors jeu incroyable là c'est incroyable Ça bien. non mais là c'est un vol du jeu mec. c'est pas il n'y a pas d'autre mot c'est un vol du jeu là après ils ont dominé hein. ah non mais c'est le... le corner est déposé sous le crâne notre marque il... on me dit hors jeu il n'y a pas lieu là c'est le premier, je veux bien que mon attaquant gêne le, le gardien, il n'y a pas de souci. Là, il n'y a rien. Il n'y a personne entre le gardien et le but. Enfin, il a tout le champ libre. Là, je ne comprends pas. Là, je veux qu'on m'explique d'où il y a hors-jeu. Incroyable. Et but de canouté. Mon dieu. Mon oh, dieu. Il t'a sauvé. Il t'a sauvé. Mon Dieu. Dieu Le décrier qui nous sauve. Bah alors là, si on m'avait dit ça un jour, je n'aurais peut-être pas cru. Mais là, par contre, cette histoire de hors-jeu, je voudrais quand même bien qu'on m'explique. Il y a hors jeu, après euh... c'est pareil maintenant, tu ne peux pas revenir dans, la... dans le temps euh... dans le temps de match. Tu peux plus revenir dans le match. Oui, il n'y a plus la frise. Il n'y a plus la frise. On va en a gagné Mais moi je là le voudrais quand même bien revoir le hors-jeu. Plus trop revoir des certaines actions. Ouais. Mais maintenant, il faut cliquer sur l'action en question. Mais oui, mais si c'est pas une action de but, tu peux pas l'avoir. Voilà. Attends, là il y a corner. Hein. Je sais pas si t'es sur mon live. Là, je suis sur ton live. Allez, Fodja. Donc là, il y a corner. Ok. Donc là, il le tire. Hein. Là, elle a tiré. Donc là, il y a hors-jeu. On me vend hors-jeu. Hein. Expliquez-moi. On me vend un hors-jeu. On me vend un hors-jeu. Non, j'avoue, c'est un pur vol. C'est un énorme vol. Heureusement que tu gagnes le match. Hein, parce que... Ah bah oui, non, mais sinon c'était le truc de Twitter. Euh... Enculé <laughs> Je ouais, de merde. Mais c est, c est... Non mais là, quoi. parce que là, oui, c'est clairement, il n'y a pas hors jeu. Là, tu aurais pu limite clipper, clipés, il y a pas hors jeu. Hein. Là, clipper, pas hors -jeu hein. Parce que que l'autre soit hors jeu ou pas, je m'en fous, c'est un corner. Corner tête directe, il est dedans. Enfin après, voilà. Ah merde, qu'est-ce que j'ai fait Bienvenue en Sicile. Est-ce que je peux Allez, aller à la conférence de presse euh... Je vais aller à la conférence de presse. Mais... Donc, dans un match, c'est le derby. Je pense qu'on va finir sur un derby quand même. Hmm. On va ah. bien finir sur un derby, bah ben oui. Alors, euh... un match c'est le derby les gars. On va voilà, c'est dit et on, on, va... on arrêtera là-dessus. On va repousser le match. Non non non, non non parce que là je vais je vais annoncer partout sur Twitter et tout que dans un match c'est le derby. Votre victoire relancé le débat sur l'utilisation de l'assistance des arbitrages dans l'absence aujourd'hui aurait selon certains favoriser votre équipe. Ah, parlons-en. Par contre, j'ai un mec grand respect. Rapport avec le journaliste, c'est grand respect. Ah ouais Ouais. Qu'est-ce que tu viens fait Bah rien. Il a juste un grand respect pour moi. Je sais pas trop de mais. Il y a respect. T'es sûr que t'auras le time de faire le derby toi Bah, Si c'est 18h05, c'est 18h05. Yo Linkin Reddit toi un teasing. Bah ouais, mais on va quand même pas s'arrêter à... juste avant. Et attendre une semaine. Mmh. Parce que la suite, ça sera vendredi prochain. Ah ouais Bah quoi Bah Bobby C'était seul dispo. Hein. Non. De... Bon. Mmh. Puis surtout vendredi prochain, je suis pas en FTT normalement. Ah. Tu vas peut-être pas ça. Pas ça. Et on verra. Après, moi, j'ai que la Potenza et. Euh... Non, et vendredi prochain, c'est le seul. Euh... Ah oui, mais là, tu joues la Stabia pendant que je ne joue pas. Et oui, c'est pour ça que je t'ai dit. Euh... Ouais. Off. Après, c'est pour toi, hein. c'est pas pour moi. Hein. Je cherche un ailier aussi bon que Valbuena pour max 2 millions. Alors là, c'est le genre de questions que, heureusement, on ne peut pas forcément répondre. Parce qu'on ne connaît pas euh, la valeur des joueurs qui va évoluer. Euh, et Paladino viré de la Stabia. Ah bah. Salut, euh, monsieur inconnu. Comme par hasard, il est viré avant que je l'affronte. Après oui. la carrière, l'espagnol, c'est très bien ça, l'espagnol, tu vas te régaler. Mmh. Si, si, The B. Par contre, en vrai, ils doivent quand même avoir un sacré physique pour tenir les matchs. Ah enfin bon, après, tu m'as dit que c'était tout toute la phase allée, c'est ça Après, c'est pépère. Après, on va jouer qu'une fois par semaine, hein, donc euh, c'est la main dans le slow bar. Le plus beau but Est celui du petit Daniel Ah ouais Oui But du mois Et c'est Soma Qui est dans l'équipe type de la semaine Aucun joueur de Catane Si j'ai euh, Mec Vicente Ah ouais pas vu la hein dans l'équipe type de la semaine euh, du, ah mois, ouais, du, du mois pardon du mois à ah, moi c'est de la semaine j'ai dans équipe type de la semaine je, vais essayer, je cherche un truc euh, euh, j'avais mis un joueur à laisser et je le retrouve joueur à l'essai ça de quoi je sais pas ça veut dire bonjour ah oui bonjour oui, j'ai checké sur c'est ce que j'allais faire que, au début, je me suis dit si ça se trouve c'est une, une grosse non mais oui, ça des fois, on, on nous insulte hein. ah, j'avais le doigt sous le ban au cas où donc. on n'est pas à l'abri non plus Eh bien, bonjour à tous. Moi, je pense qu'à la fin de saison, je vais signer de Naruma gratuit en fin de contrat. On peut le tenter. Hein je pense que non. C'est un coup à couler le club. Donc, la théorie. Liquider. En théorie, on serait égalité en termes de match. Euh, parce que là, tu vas faire donc un match de plus. Donc, ce sera ton match en retard. Après, on joue ensemble. Et après, il y a le derby. Donc, oui. Au moment du derby, on aura fait. On aura chacun autant de matchs. Est-ce que Casertana va rester dans sa spirale négative votre fierté dans votre équipe, Bah c'est ma défense. Mmh. Le reste, c'est pas ouf. <laughs> bon, bah allez. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Est-ce qu'on va se faire voler sur un corner euh, en jeu bah, Ça serait bien de te mettre en déroute. La stabia. C'est gênant, si je mets 6 points entre toi et moi, c'est ça ah euh, ouais. Je que ça a bien fait de reporter le derby. Ben non Pourquoi Pourquoi vous dites ça si je... Après, oui, je pense qu'on qu sera... est tous les deux dans de bonnes configurations. Euh, on aura les bons joueurs. Je pense que je vais quand même être en difficulté. Mais En vrai, la vraie réponse, c'est si je le gagne. Si je le perds, on, on pourra toujours dire que c'était un mauvais choix. Si tu le gagnes, il y a polémique. Mais je pense pas que j'aurais gagné à l'aller non plus. Hein. Bah, si je le gagne, je peins l'éléphant le... le... en rose. Hein. Ah non 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 Valentin. alors imaginez si le petit Daniel il marque Ha ah ouais, je te dis là, la c'est la cheville elle, elle va sauter hein. Tu vas pas faire ça Dans le derby on va tout péter 7 ah ah minutes une barre un poteau hein. vous noterez quand même Ouais c'est pas non plus euh... et Barry qui prend la deuxième place. contre, je suis quand même très surpris qu'un petit club comme ça il y a moins de blessures que dans des grands des fois. Je me dis Ah a... oui, mais il y a quasiment rien là. Oh bah oui Le bullet Il y a rien. Il y a rien. Aïe 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 aïe. En même temps, c'est ton dossit, je tire tous les pénaux Le petit Daniel Bon, il mérite, celui qui provoque. Après, il n'y a rien, ça je suis d'accord que pour le coup... Pour moi, le tacle est bon. On va pas se le cacher, que pour moi, le tacle est bon. Mais... Bah, C'est toi qui tac comme ça et qui a payé non. Ah, je, je crie au scandale. <laughs> et but de Rocco. Mais oui, on est d'accord que pour moi, il n'y a rien non plus. Mais bon. Je reviens de fait. Bah, ça marche. Je vais me préparer pour le derby. Mmh. Marconi, Marconi. Allez, gamin, il faut centrer. Ah c'est trop. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu Roti. Valente, 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 la roulée de Valente. Pour le 2-0. Et c'est un 2-0 à la mi-temps. pam 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 Bah, salut Marco! Bonne soirée à toi! Où est Roti? Oh, ma Stadi! Ancien Milanais! Non, on va pas prendre un but sur ça. Non, voilà, Ferrari, Ferrari qui est en confiance en ce moment. Il a retrouvé la confiance. Allez, Canute. Canute Qui se fait complètement rattraper. Des boîtes, le bordel Je crois qu'on va en prendre un. Mais, mais c'est des tout droits, mais c'est incroyable Attention à la jouer, la stabia. C'est des... Ceux qui quittent le live maintenant, vous allez louper le derby d'ici 10 minutes. incroyable, mec. incroyable. Ah, ça va, tu gagnes 2-1, hein, tu vas pas gueuler non plus. À ah, prendre des buts voilà. comme ça, si ça me fait gueuler. Ça si. va voilà, juste te faire réaliser à 92. Et le derby, ça va être la même. Si, ça me fait rager de prendre des buts comme ça de merde. Là. Il, y a la ju il y a la Juve à 18h. Donc vous allez louper un derby pour regarder la Juve. Pour regarder une équipe de merde. C'est bien ça, c'est bien ça. Contre Benevento, désolé. Hein. De retour pour le derby, j'ai failli rater ça. Ouais ouais grave là après, après ce match il reste une journée où on va affronter je sais plus qui et juste après ça il reste un match qui nous sépare du derby. J'ai quand même pris un seul but sur sur l'occasion dangereuse c'est quand même incroyable ça. Mais c'est une frappe tout droit. C'est vrai. Hein. C'est pas une pénucarde un chopable c'est une frappe tout droit à de -te terre. Bon. Par ouais, bon Par contre Roti, tu... il n'est plus présent il n'existe plus. Le rôti, on l'a laissé au four. <laughs> Mais il n'existe plus. Il... Ben, rôti Il est cramé. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Ouais, Leeds Everton à 18h30, tu vois, ça me parle un petit peu plus comme Benevento, Juventus. Et Valente, qui prend 10 jours. Il ne sera pas là. Il ne sera pas là pour le derby. Un canouté mec, holy shit! Holy fucking shit! Oh, Jonah! Jonah, il a le sixième mois, ça y est, le ballon rouge! Le ballon rouge! GG! Et le Daniel Schmidt qui est en train de me ramener 61 points! Ah! Le gardien, solide, sous les appuis. Il va falloir, à force, il va valoir des sous. À force, le mec, il va valoir des sous. Parce que 69, 50, 50, 61, au bout d'un moment, là, il va falloir qu'il ramène un peu des pépettes. Ça peut être plutôt pas mal, ouais. Par contre, 43 pour Saoul, ça va chier, ça. J'espérais un peu plus. J'espérais un petit peu plus. Ah mais but de l'Atletico sur un CC de Tony Lato Bien connu de Benito. Eh oui Le Lato. Le Lato Macchiato. Ah mais il l'a sorti à la 60ème, Saoul, ok. Ouais, j'imagine que c'est. Waouh, C'est pour le reposer. <laughs> Jonah qui arrive, bonjour aux plus grosses trompe de Twitch. Waouh! <laughs> Et je parle pas d'éléphant. <laughs> ah! Waouh! C'est dégueulasse! Ah, Jonah, elle rigole pas là. C'est dégueulasse. Ah! Voulez-vous repousser le match? Non, non, non. Contre Katania Mais non, tu peux pas faire ça. Et tac! Non, je ne pas fait ça. C'est sûr que tu ne peux pas, toi. Non, effectivement. Là, là tu n'as pas d'excuse. Juste vrai. que je fasse tourner face à la Potenza, parce que derrière c'est le derby. Baldini va craquer sous la pression du derby. En vrai, oui et non, parce que le derby en soi n'est pas ultra décisif. Hein. Non, ouais, les, 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 les matchs vont se faire plus face aux autres équipes. Au pire, qu'on se batte, on se batte bat pas c'est plus pour toi si tu veux vraiment être en série b direct que c'est ultra war si tu gagnes. Parce que là moi je suis parti, hein. c'est si je gagne. Euh... Merci Willy pour le sub. Sixième mois également, ben Willy, tu vas choper le, le ballon rouge. là Gasperini, mécontent du prêt de Cortinovis. Allez, vas-y. Utilisé principalement comme une... Mais... <laughs> Le mec n'a jamais aussi bien joué qu'en milieu offensif. C'est clair. Je l'ai mis meneur de jeu à chaque fois qu'il est arrivé. Depuis qu'il est arrivé, il a joué tout le début en meneur de jeu. Il était bon, mais sans plus. Je l'ai passé milieu off. Il a transformé l'équipe. Alors, Gaspierini, avec tout le respect que je te dois, va te faire enculer. Voilà. Oh. C'est tout. Merde. Cordialement. Et non, Julien, t'arrives pas trop tard puisqu'on a le derby qui va être euh, d'ici quelques minutes. Par contre, j'aime beaucoup tous les joueurs que j'ai en fin de contrat, ils sont nuls à chier. <laughs> Il n'y en a pas un pour relever l'autre. Eh bien, écoute, euh, est-ce que je peux dire que tous ces joueurs-là euh, seront libérés Je pense. Libérés Ah oui. Délivrés Libérés, libérés. Libéré euh, Doda. Ouais, Ceux, qui jouent... Ceux qui peuvent encore jouer, je vais peut-être pas les dire qu'ils sont libérés parce que c'est un quoi ce qu'ils se disent. Bon bah on en a fini, tu vois, ça ne sert plus à rien de jouer. Libéré. Lui, bon, en cas de crise, libéré. Hein. Voilà. T'es complètement malade. Zéro soutien, Aiglon. Pourquoi ouais. je prêterais des joueurs à Jax Et pourquoi il y aurait du soutien Hein Pourquoi il mmh. y aurait du soutien hein Si c'est le cas inverse, même moi, de, de ma propre démarche, je pas demander des joueurs de Palerme en prêt, là. je veux pas de ces merdes. Moi, je m'abaisserais pas à ça. Hein. <laughs> vous vous rendez compte de ce que vous demandez là Non, mais ils ne réfléchissent pas aussi. Non, mais c'est totalement ça. Hein. Canouté, titulaire, alors là. Il va pas faire ça Bah, je crois que si. Attends, faut que je réfléchisse intelligemment. Euh... Mec, je te jure, je repose ma défense parce que ça peut être suspendu face à toi et j'ai pas envie. Ouais, 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 pareil. Donc là, je joue vraiment pour que j'ai pas de, de suspendu face à toi, quoi. La même, la même, la même. Pour ça. Parce que si j'ai pas Soma et Admissi, c'est foutu. Donc on va faire jouer avec Doda. Alors là, Doda, ça peut être tout ou rien. <laughs> ça peut être open bar, comme ça peut être très solide. Je fais même jouer Jur quoi. Ah là là, c'est terrible. Par contre, Roti, c'est plus, plus possible, Roti. Je te jure, Roti, je vais faire jouer le Silipo. Hein. Ah, je sais pas qui faire jouer. Saranity Ah, Saraniti, Allez, Saraniti. Non! Le genouache! 90 plus 2. Non! Le clean sheet! Ah, dommage. Le Daniel! Qu'est-ce que t'as fait, bonhomme? Oh non, le clean sheet! Ah oh là 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 là! C'est terrible. Allez, euh, on va le mettre comme ça. Non, mais pas 90 plus 2, quoi. J'envoie une équipe un peu chelou. Hein. J'espère que. Ah, oh, c'est un lucky, c'est un coup franc. Ah, oh, c'est un coup franc qui est, con... qui est à moitié contré en plus. Ah oh, je suis sûr que... Ah non vous pouvez pas lui mettre de tarif rare Vous avez pas le droit de mettre de tarif sur un truc comme ça. Le dernier lancé des noms d'oiseaux vont fuser. Ah bah oui. Non, n'est pas comme ça. Qui aura la plus grande Les éléphants en feu. De toute façon, j'ai déjà brandi la menace de teindre l'éléphant en rose. Hein. Après c'est pas. ça dépend hein, parce que là si je perds contre Potenza, le derby n'a aucune valeur. Hein. Je, je serais tellement largué que je ne serais plus à sa près, hein. ouais, un mais effectif moi, barrage. Euh... Moi imagine que je perde. Ouais. Ça, ça risque rien. Si, si je perds, tu reviens à 3 points et le derby peut tout relancer. Oui. C'est sûr, ce... sûr que si je gagne et que tu perds, ça fait 3 points. Ça fait 9 points de retard, ça fait beaucoup. Bah, je perds un 0 de la potenza oh, putain, on a voilà. après j'ai aligné une défense euh, qui n'a jamais joué ensemble ah mais je te comprends j'ai fait pareil hein. mon, mon côté droit de la défense et était ce qui était mon point fort euh, actuellement et là c'est je, je mise juste sur euh, sur une grosse attaque hein. Canouté, canoute, canouté, canoute, canouté, qu'est-ce qu'il fait Voilà, il passe à Doda, Doda, allez, il faut centrer, le centre, La tête du petit Daniel qui passe juste à côté Ah, d'ailleurs, ça se joue euh, en 4-3-2-1. J'ai l'impression que plus j'affronte des équipes, plus ça change de façon de jouer, mais... Allez les mecs, hein. si on peut mettre le petit coup de bambou là. Petit 2-0 rapidement, comme ça, hop, hop, hop. On peut faire tourner tranquillou. Bon, ça n'a pas l'air d'être le cas, mais. Ah, je vais arriver pas en confiance. T'as la combien 50, 60, mais le deuxième est pas loin, je pense. Ah. Oh putain, ça, ça sent le but, ça. Ça, ça sent le but. Et oui Le but de Kameze On va arriver comme des merdes. <laughs> je vous laisse deviner combien ils ont eu de frappes dans le match. Hein Juste pour rigoler. Hein. Ben voilà, 2-0. 0,08 xg ils ont marqué qu'est-ce que vous voulez que je vous dise avec ça bon, c'est bien mais agiter les bras on peut pas t'as perdu c'est officiel c'est pas. pas officiel mais je suis dans la merde ah ma bobby oh le derby les deux dans, la... les deux dans le doute c'est la sauce et Odger t'es vraiment mauvais hein. je suis désolé hein, mais je sais pas qui m'a dit qu'il était bon mais dans le jeu il est pas bon dans le jeu il est pas bon Il y a à peu près, ouais, sur, les, sur les, les stats, on est à peu près pareil. Ah, oh, il a refusé pour Orge. jeu, mais euh, bon, c'est dommage. Ah, oh, je vais perdre là, toi, la potenza là. On va se prendre deux défaites d'affilée. Oh, le match de mai. J'avoue que là, comme si on perd tous les deux, celui qui perd le derby, il est dans la sauce. On va faire 0-0, bien arrangé. Ouais, je perds un match où il y a aucun lieu d'être perdu, en fait. C'est typiquement le genre de match que tu dois perdre. Ça n'a aucun sens de perdre ce genre de match. Nous, on n'a pas très bien joué. Après, j'ai fait tourner, tu vois, c'est le genre de défaite que je peux comprendre. Ah oui, oui, mais, mais ça, ce qui me saoule, en fait, c'est que l'horreur ne vient pas du côté que je pensais que ça devrait venir. Et c'est frustrant. Parce que là je Bon de toute façon tant pis perdu pour perdu on va faire tourner on va faire sortir le petit Daniel on va pas le cramer pour rien hein. ah c'est ouais un peu de la merde si on va chercher le nul ça sera déjà bien mais hein. ils ont rien fait du match mais c'est incroyable un vieux coup... un vieux coup franc avant la mi temps et ça trouve la tête forcément. On est dans la sauce. Allez Antonelli. Non, il a personne. Ça c'est un centre qui ne sert à rien. Allez bordel les gars. Allez chercher au moins le nul. C'est parfait. C'est pas fini la tête. Caloté A la 84e qui égalise. Lui nous aura quand même peut-être sauvé quelques points. Mine de rien. La mine de crayon. C'est pas fini, les gars. C'est pas fini, hein. je vous le dis. C'est pas fini. Là, on, on peut les faire douter. On peut les faire douter. Et peut-être, dès le coup d'envoi, on le sidipo qui a failli marquer. Tu vas louper le derby, Jérôme C'est la tuile On a fait 28 tirs dans le match et un partout. 30 tirs. 30 tirs dans le match et un partout. Psst, je, me aïe, aïe, aïe. je me retrouve en Serbie, mec. C'est incroyable. Mm. Bon, bon, moins, on sauve le nul, quoi. Mais ça va pas. Le match n'est pas bon, les gars. Euh, on sauve le nul, mais le match n'est pas bon. On a fait tourner, je suis d'accord. Mais ça ne justifie pas tout. Oh, le Daniel qui tombe à 39. Le Schmitt. À quel point c'est la kata, euh, le classement Là, on est à égalité. Enfin, égalité. Au même nombre de, de matchs joués, j'ai 7 points de retard. C'est hallucinant. Mais c'est trop bien. Hein. Tu sais qu'en vrai, dans mon malheur, j'ai de la chance que Barry ait fait match nul. Et que Casertana ah. ah, ait... Casertana, ça coule. Oh là, là. <laughs> C'est en train de couler, quoi. En fait, Barry, pour un soi-disant leader de championnat et ultra favori, c'est 5 nuls et 3 défaites. Donc, en fait, c'est beaucoup plus disputé qu'on ne le croit. Et moi, je pense pouvoir me maintenir dans un top 4, les top 5, parce que c'est tellement serré. Jusqu'à la 6 place, j'ai un point d'écart. il pas sorti du match. Ça va être l'heure Dell Derby. Par contre le Kulikov, il est en train de faire un match mon gars. Ah ouais, 59, il y a 0-0. Il doit faire un sacré match. Joué, Plus 24 points sur, son... sur ses stats perso. Ah oui. Putain, il... le Danil, je suis 44e pour l'instant. Avec, avec 163 points. C'est-à-dire que Florenzi, t'as juste à assurer le minimum syndical. Et tu fais 204. Mec, 203-5. Ils m'ont juste up de rien, quoi. J'ai le sum monumental. Et moi, je suis 37 avec 172 sur 3 joueurs. T'es comme moi. Il manque Pikachu et Peter Zulz. Bah, j'ai mis le Togepi to mais à mon avis, il va pas jouer demain main. Quoi. Si, est, si chacun fait 50, je suis à 270. J'ai même pas regardé Et... si le TogiPi était convoqué en fait. C'est pas <laughs> le même truc. Non. Alors là, imaginez le TogiPi, Marc de Est-ce est qu'il est convoqué, le TogiPi ah, déjà il n'est pas blessé. Et l'attaquant en question est blessé. Ah, le Togepi va peut-être pouvoir jouer. Oh, ça serait beau. Autour du Togepi. Bon, Benito. C'est la première confrontation là. La première confrontation du derby. On va passer euh, sur euh, du rouge. Sur la cam, vous allez voir. C'est le rouge. On a changé d'ambiance. C'est l'ambiance derby. Tu sais que le allez-y que j'ai scouté, je viens seulement d'avoir le rapport. Ça fait depuis le début de saison que je suis dessus. Ah, mais on a un staff, euh, laisse tomber. Hein. C'est quoi ta tactique Quoi Deux milieux d'EF, deux milieux de, milieu de terrain et deux attaquants Non, non, c'est jamais ça, mec. Il, il est euh, ton adjoint, il a, il a fumé. Euh... D'accord ouais, je pense qu'il y a du fumé de la, de la, de la beuh que... la, la fumée de la beuh j'ai jamais joué comme ça de ma vie ah faut, je, Oui je, 4, 2, 3, 1, je suis en 4-2-3-1 effectivement Je soit en 4-2-3-1 soit en 4-3-3 sur une formation alternative un peu plus def Par contre au final le Palumbo qu'on devait annoncer comme un crack euh... C'est une chèvre mec Peut-être pas si ouf que ça hein À part euh, à part râler et demander d'aller au coiffeur alors que c'est fermé il euh, n'y a personne <laughs> D'ailleurs, en parlant de coiffeur, bah, tu vas bientôt approcher de ça, Jackie. Hein Il va falloir que j'y aille. Hein. Ça va bientôt être Jack Palumbo. Hein Écoute, euh, ouais. La blessure de Vrikis. 4 à 5 semaines pour le Chypriote. La star de l'équipe. Il y a vraiment un. Un pays, où, enfin vraiment un État aux États-Unis où le joueur de foot qui vend le plus de maillots, enfin non, si, qui vend le plus de maillots, c'est Bonucci. Pas sérieux. Bonucci. Bonuski. Parce que tout le reste c'est Messi, et Ronaldo et majoritairement c'est Pulisic, je pense. C'est le... le joueur le, enfin c'est le joueur du, du pays, mais. Et un Bruno Fernandez et un Manet, ainsi qu'un Deli Ali. Mais Bonucci. Wow. Bonucci, il me bute, quoi. Il est au milieu de tout le monde. C'est pas ce qu'il fout là. <laughs> il y a Bonucci. C'est les séquelles de la Coupe du Monde. Ouais. Les séquelles d'un mec qui quitte la UV parce que euh, t'es maltraité. Qui rebaisse son froc un an après pour y retourner quoi Ce qu'on appelle dans le jargon une petite salope. babo bien. Mmh. C'est qui qui a fait la pole Ah c'est Hamilton. Maldini, joueur de la semaine. LGI. Le GI. Ah ouais, ouais, ouais. C'est marrant. Non, mais de toute façon. Euh... Par contre, euh, qui c'est qui a fait signer ce mec-là en adjoint ça. Un joueur Qui ça J'ai un mec qui signe en adjoint. U20, je ne sais pas. Je ne l'ai même pas scouté. Ouais, ouais. Je... Mec, je te jure, je n'ai même pas scouté ce mec. 1,4 million 1, 1,4 million. Oula, ou oh non. <laughs> 1,500 million. 1,4 million, ça fait un peu beaucoup. Ah, écoutez, on le prend, c'est que l'entraîneur en a besoin, mais. Ouais, Et que si même Benevento euh, tire du Marquin Penault, euh... plus rien ne va là. Marseille, on a un match qui a mis plus de buts que toute sa session en Ligue des, Ch en Ligue des Champions. Ouais. C'est quand même beau. Hein. La belle image. Waouh! La sortie irlandaise à la, la 58e. Ah, Lucas Hernandez demande une aide médicale. Mais il est toujours blessé, lui. Ouais, ouais, ouais. J'en ai bon. bien l'impression. Benito Il lui faut du temps pour naître. C'est le moment C'est le moment. It's a final countdown. Ah, puis j'ai Valente qui est revenu juste pour ça Oh, bah c'est magnifique. Ta 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 Pourquoi le petit Daniel est inquiet Il Ne joue pas à son meilleur poste. Ah ouais. Mais c'est ouais, cool, mais, pense... mais, mais. Ça c'était chiant ça avec Palombo j'aimerais comprendre qu'est-ce que tu juges ton meilleur poste est-ce que c'est pour lui milieu offensif centre avec trois étoiles sachant que pour moi il n'a pas les qualités pour jouer à ce poste là ou alors il est droit ou potentiellement t'as peut-être le plus d'acquis ah non mais il y a un moment enfin je veux bien mais 19 ans il joue au foot il se plaint Et à un moment donné, elle va faire un couloir. Je sais pas. Mais... Bon, bah, la compo est prête. Bon. Je suis pas prêt. Je suis vraiment pas prêt. J'avoue que je suis pas sûr. Hein. Tout peut se passer dans ce genre de match. Hein. Ferrari, Almici, Soma, Carboni, Marconi, Palazzi, Bro, Maldini, Cortinovis, Valente et Rotti contre Confente, Pellegrini, Tonucci, Clayton, Pinto, Reginaldo, Isco, Palumbo, Mazzarani, Piccolo et Alejandro Marquez. C'est pareil les mecs. Enfin, je sais pas ils... comment ils ont codé les. Les tweets, enfin les trucs de l'attaché de presse, mais c'est vraiment bizarre de voir Carboni débuter ce match. C'est le meilleur joueur de l'équipe. Mm. C'est pareil, Milani est bien meilleur lorsqu'il garde la même tactique. On joue pareil depuis le début de saison. Mm. C'est terrible quand même. Alors, est-ce que là on va mettre, vous avez l'opportunité Non, ça on s'en fout. Mm. Offrez aux supporters le spectacle qu'ils attendent. apparu motivé Ils sont tous motivés Oh merde Bon bah ben, c'est l'heure Du premier derby de l'année Ah je Je peux prendre 3-0 hein. Je suis pas du tout serein Et même si je prends 3-0 En vrai euh... Attends il y a pas les compos Qui s'affichent en, en mode télé hein Genre un derby Bref C'est honteux C'est honteux La télé Come on Le derby Oh <laughs> Sur un coup franc, un corner, pardon, du petit Daniel. Oh le cranus! Moi je serais pas choqué de perdre. J'ai un gardien de mer déjà de base. Vraiment, hein. c'est pas Sworland. Hein. Donc attends, la passe D, pas compté au petit Daniel C'est une blague. Il y a peut-être hors jeu déjà sur le corner. <laughs> oui, non, pas deux fois, mais. <laughs> Pas après, de en vrai je suis, je suis pas dans une bonne dynamique, je pense que tu es meilleur. Et là, euh, bah, profite bien des premières saisons parce que je suis pas au niveau. La frappe de Valente qui s'écrase sous le poteau. Oh, elle était parfaitement ajustée. J'avoue, il n'y a pas grand monde dans les tribunes. Après, voilà. Est-ce ouais. qu'on va faire une première mi-temps sans rien en même temps, vous attendez vraiment un grand monde en, en tribune dans ce vous Enfin, après, je pense qu'en vrai, où il y a un derby, tu devras, ça devrait être comblé. Comblé, mais est-ce que c'est vraiment ça ton équipe à la mi-temps Ouais, ça a l'air. Euh, bah, bah Bobby. C'est quand même ouf. Hein. C'est quand même assez ouf de voir cette merde. Hein. Allez, on rebooste les joueurs. Assemblée motivé, inspiré pour tout le monde. C'est ça qu'on veut entendre. C'est ça qu'on veut entendre. Saranité, plein de merde. Après, ils n'avaient pas dit aussi que l'histoire du. Du Covid, savez qu'il y aurait peut-être moins de monde dans les tribunes, non euh, Je sais pas en vrai. Non, j'ai rêvé, j'ai peut-être rêvé ça. Ouais, c'est possible, j'ai rêvé ça. Allez, le petit Daniel. Le petit Daniel. Pour Paladi. Paladi qui ouvre Valente. Pour Valente. Valente qui se met sur son pompier. L'enrouler. Mais c'est un match d'entraînement ou quoi Aïe, 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 aïe. Ah. Une occasion. Il ouais, y a, a qu'un zéro, hein, mec. Hein. Non, ça défend, ça défend. Mais on est zéro. Ah ouais, mais ça c'est. Ah, le mec. Il n'y a pas de défenseur Il est où oh, C'est une parodie C'est une parodie. C'est une, une ouais, parodie es Il est où le ballon Je leur ai dit de ne pas monter Ouais non, Je leur ai dit de monter Maintenant qu'on ne pas Ouais le défenseur Mais mec C'est quoi cette merde Ouais Ouais le défenseur Il était parti à la C'est Une blague Ouais <laughs> où est le défenseur on le cherche par contre Valente il faut commencer à jouer un peu collectif hein, parce que c'est bien de, de faire un peu la sous-eau tu, tu repiques tu te mets sur ton bon pied et t'essayes de tirer mais à un moment il faut tu un peu croquer à tout le monde quoi non pas ça pas comme ça bah si Viens Manuel Salao Le vol. Comment ça, le vol, il y a un partout. Regarde ça. Une, deux, trois. Et ah, mais ça, ouais, mais ça, mec. Oh là là. On n'a pas lâché <rire> <rire> le derby. Le code gagnant, mais grave. Mais derrière, euh, c'est un peu de la, de la réussite parce que ben, on n'a pas de défense en fait. Et pas de gardien surtout. Ah là 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 là. Donucci, il est censé jouer en couverture basse. Et il est à chaque fois pris dans le dos. Ah là là la là 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 Mais non, mais non, pas comme ça, les gars. T'as clé les bordel Allez, boum Oh, ça c'est honteux, par contre. C'était ça, ton boum Ouais. Ça, des frappes comme ça, sont honteux. Ouais, bien joué là. La contre-attaque avec Alejandro Marquez, avec Pecorino. Pecorino par La coaching Oscaria de Italia. C'est une honte, mec. Ah, tu vois, l'éléphant au début, il est tout gentil, mais qu'un quand tu l'énerve. Non, mais mec, c'est mec, une honte ce match. Ah, d'Italie. Ça, c'est l'Italie. Si t'es si heureux de gagner comme ça, c'est une honte. Mais je joue comme ça depuis le début de la saison. Je suis satisfait d'aucune de mes victoires. Ah, mais c'est une honte. Mec, on va perdre ça, mec, mais je te jure, mec, je, je fous tout le monde euh, une amende. <laughs> je fous à tout le monde une amende. On, on perd vraiment sur deux occasions Sur un contre C'est honteux. Mec, j'ai pas de match référence. Je te dis que je, je galère. C'est affolant que je sois à, à ce niveau du classement mais c'est oh, c'est incroyable ce niveau de jeu est incroyable il est beau il est très beau mec non ton gardien n'a rien fait là oui mais bah, c'est une merde <laughs> mais non mais mec mec, <laughs> mec non mais non non mais par parlons-en aussi il a même pas fait l'effort d'y aller non mais mec mais mec mais c'est comme ça Mais c'est incroyable Mon équipe, elle est comme ça, je te jure. <laughs> mais ce match est incroyable Le gardien n'a même pas fait l'effort de plonger C'est pas un derby. Ne vendez pas ça comme un derby. Ah <laughs> oh mais là, mec, je sais pas. Je... Là, j'avoue que je sais vraiment pas quoi dire. derby <laughs> Mais je... Ça... <laughs> non mais là... C'est... Je sais pas. Quand je vois les notes de mes joueurs, je, je peux même pas oser... Enfin, imaginer qu'il y ait deux, deux en fait. Ah ouais Je, je prends un screen quand même Mais je pense que tu dis aux gens Regardez le match Dites nous le score Je ne, pour, je ne pourrais même pas Je vais en reprendre un là-dessus Parce que c est, c est, ça a l'air d'être écrit comme ça Mais c'est incroyable Je vais faire rentrer Marco hein. Je te jure que mec Tu mettais ton troisième but Sur ta troisième frappe C'était vraiment honteux Ce match est, oh, un, bon. ce match est incroyable faut descendre l'équipe en flamme. Mes joueurs sont morts par contre, ça c'est une réalité. Euh... Écoute, on va faire rentrer lui. Après le doublé de Sarah o que je fais rentrer, c'est peut-être du génie. Hein ouais. J'avoue les stats, c'est juste horrible. Vous ne pas que si je venais à perdre le match, je ne peux pas me sentir autre chose que... Que voler Que voler, c'est... Ouais. Regarde ça. Oh Franchement, là, je méritais au moins de marquer, quoi. Mais d'où Mais d'où La bah, Pecorino quand même. Le, le, le petit génie. Mais mec, tu serais le premier à crier au scandale sur un score comme ça. Ah, mais ça me rend ouf mais c'est. Ah ça me rend ouf Benito <laughs> mais... mais mec, il a 20... 24 fautes, il a que deux jaunes Ouvre <laughs> tes yeux, l'arbitre Enlève la merde que t'as devant Ouvre tes yeux Ah mais ça va, il y a égalité, on, on part bon. Mec, mec, tu t'en sors super bien. Tu... Euh, c'est le, le hold-up de la saison pour l'instant. Le génie tactique, on peut dire. Ah non mec, mec, non, jamais. Je... Alors là, non. Moi je suis supporter de Catane, j'ai honte de mon équipe. Au moins, j'ai pas perdu un derby. Ah non, mais GG, hein. Mais c'est incroyable. <laughs> c'est incroyable. C'est réellement incroyable. Non, me dites pas que c'est une bonne affaire pour moi. Bah si. Non, vous pouvez pas me dire que c'est une bonne affaire pour moi. T'as failli perdre, au final, t'égalises. <laughs> bon, ben voilà. <laughs> tu me fous le seum, mec. C'est ouf. J'ai eu, eu 22 corners. Mais non. J'ai eu 22 corners. Mais, pas, mais 22 corners, mais c'est quoi ces stats craquées Comment voulez-vous que sur un match comme ça, j'engueule mes joueurs ah, Tu leur dis bravo. Voilà, non, tôt. mais objectivement, sur un match comme ça, comment tu peux dire à tes joueurs vous avez joué comme des merdes C'est pas possible Non. C'est juste pas possible Ah c'est le scénario Typique d'une douille FM Tu mets la bouteille hein <laughs> Son gardien qui a 7-8 Le mec il fait Il a même pas plongé Sous le deuxième but J'avoue mon gardien Qui fait 7-8 C'est Parce que Non si Ah t'as peut-être Un problème tactique Je te réponds pas Parce que t'attends Qu'un te... Qu truc C'est que je réponde <laughs> Je te réponds pas parce que je sais que ça aurait été l'inverse, t'aurais cru au scandale aussi. Mais c'est sûr, c'est sûr et certain. Mais en même temps, je reviens de très loin. Hein. Mais Vu tu... que non, pris mais... Le bouillon que je prends, le bouillon que j'ai pris en première mi-temps. Là c'est parvenir de très loin, mec, ces deux occasions elles sont au fond. C'est un miracle. T'as deux tirs dans le match, ils sont au fond, c'est incroyable, c'est. C'est miraculeux. Ah là, tu chopes un point, mais tu sortis de nulle part, hein. C'est. C'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Putain, c'est Bic qui, qui a fait la capture d'écran quand je fais le bras d'honneur. De... Ah, c'est Bic ta capture, elle est magique. Là, mais 25, 25 fautes qui s'en sortent avec deux cartons, c'est incroyable. Je peux vous dire que 25 fautes en Serbie, il y a un rouge. Hein. Oh la va. Au final, t'as 41 pions, j'avais 34. Hein. Par, contre, en, par contre, en vrai, mec, ton équipe s'est débouchée. Hein. Euh, je, bon, serais cu... je serais pas, curieux hein. de voir le nombre de fautes que t'as fait Ah là maintenant, on est. Euh... <laughs> je serais curieux de savoir combien t'as fait de fautes hey, depuis On est 5ème On est, est qu'à 307 et. <laughs> et je, suis... je suis plus premier Mec, mes églises sont à 375. Mais mec, c'est pas des matchs, il enfin, y a un moment. Je suis que 5 Holy shit Ça va, je suis 5 ça veut dire que je suis dans la moyenne. Mec, fautes subies, c'est moi qui en subis le plus. Mais parce que t'es. Voilà, euh, faute subie. Euh... Ah là 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 On, on voit qui c'est les assassins et qui c'est les victimes. Bah c'est moi la victime, je suis bien confiant. Ah oui. Ah je peux pas. Ah non, c'est ouf. C'est ouf ce match. Je peux pas dire non, ça, ça, ça me va pas. Je peux pas être heureux voilà, de ce match. Je, moi j'ai le sentiment Sarah de m'être euh... fait voler. Nouveau contrat pour ça. Oh. Là c'est la petite tape dans, dans le dos. Bon bah on peindra l'éléphant à moitié. <rire> <rire> on lui mettra le cul en rose et puis il restera en... <laughs> c'est du génie ah c'est ce derby mec ce vol mais incroyable ah Allez, là. voilà <laughs> la revanche au prochain coup ah bah mec si tu joues comme ça en match retour c'est dur en hein. bah, match retour je serai peut-être plus libéré il me faudra du temps ouais. Holy shit! Ah, mais je peux même. Enfin, ça, me fait mal, ça me fait mal au cœur de les engueuler sur un match comme ça. Je pense qu'en vrai, tu ne peux, tu peux pas les engueuler sur ça. Ah, ouais, j'ai vu Marco, c'est du génie. C'est vraiment du génie. <laughs> ça mériterait des screens. Pour montrer à quel point je me sens, sens douillé. Ah, mais et moi, je te conseille de répondre aux sc au screens de Sebi par, euh, par les stats, hein. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Non mais écoute, j'ai à toi. Tu te sauves d'une situation pas... qui aurait pu être catastrophique. Hein. Bah une défaite, ça me fait quoi Ça me fait 33 points et ça me fait être 5 euh, ème Mais ouais, je pense que je vais être top 5, en vrai. Top 5, ça me va, sachant que j'ai deux points de retiré. Donc, normalement, je suis, je suis premier du championnat. Par contre, pourquoi mon texte est écrit euh, en arabe What Ok, ça marche. Il a mis le clavier arabe. Euh, du coup, moi, je vais m'arrêter là, les gars. Euh, merci à tous d'avoir suivi ce magnifique derby, comme on les aime. Mais d'où, magnifique D'où Franchement... Si j'avais gagné 2, hein, mais ça aurait, là ça aurait été vraiment parfait. Et t'as égalisé. Mais le, quand je menais 2, 1 hein, c'était juste énorme. Mec, je jouais pas la semaine dernière. La semaine prochaine. Bah ben non. Ah, tu si, vas pas si. Faire ah ça. si, mec je vais faire ce... Comme ça, je jouais pas la semaine prochaine. Bah ben, attends. <laughs> là il fallait une, une, jour, une semaine de deuil national. Dominé n'est pas gagné. Non mais mec, là c'est même plus dominer. Là, là c'est... Tu t'es fait écraser dans le jeu, dans tous les compartiments. Ben, on t'a laissé jouer pour que tu prennes la confiance et puis après, tac! Rien du tout, mec. Tu ne peux même pas justifier tes deux buts. Mais ben si, c'est une tactique. <laughs> Là, c'est l'appât du gain, en fait. <laughs> c'est comme quand tu vas à la pêche. Tu fais d'abord l'appât, il faut attendre tu, longtemps. Tu, tu n'es pas Mais, crédible dans pas, tes propos. Tu ne peux pas retirer la truite de la rivière en un coup. Il faut attendre au moins une petite heure, le temps que ça morde. Toi, tu as mordu en première mi-temps et tac! On a enlevé la canne. En deuxième mi-temps. Tu n'es pas crédible dans tes propos, mec. <laughs> tu, tu es aussi crédible que la présence du PSG dans les, dans les clubs du, du début du siècle. Ah. Ouais, donc, euh, ouais, je comprends mieux. Tu as autant de crédibilité que ça. Bon, ben, bah, merci à tous, et puis, euh, bonne soirée. On va aller euh, libérer l'hôtel. C'est honteux Et Dame. puis, euh, on se retrouve... Euh... <laughs> Lundi, lundi pour les nouvelles aventures FM et ben avec Jackie, vous verrez le planning, on va s'arranger pour avoir une petite session de rattrapage la semaine prochaine. Merci à tous, bonne soirée, bon week-end, salut. Bonne soirée, salut.